Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en 24e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver avec un grand sourire et aussi un très joli pull. Voilà, Casse Dallery. Vous savez, c'est le restaurant que j'ai lancé il y a pas longtemps. Et c'est un pull qui a été fait par nos amis de chez Miasine. Miasine, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais en tout cas, ils font des pulls un petit peu inspirés football et consorts avec euh, du matériel qui leur appartient. Et c'est très quali, très content de pouvoir le porter aujourd'hui. Je les dédicace parce que voilà, ils me l'ont offert et ça me permet de leur faire la promotion. Maintenant, je suis content de vous retrouver avec un invité qui vous a beaucoup hypé sur les réseaux et vous connaissez l'amour des accords au Libre pour les euh, justement personnes qui ont eu de grandes carrières liées au sport. Et aujourd'hui, on retourne dans mon sport fétiche, le football, car j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un qui a une carrière pleine sur laquelle on va revenir de l'autre côté de l'Atlantique avec Monsieur Gaël Clichy. Gaël, comment vas-tu Très bien, très bien. Merci de, de m'accueillir. Et puis, euh, bah, on commence. Hein. Ça va, t'as la forme Ouais, toujours, toujours, toujours. T'as regardé la Ligue des Champions hier soir, la qualification d'Arsenal euh, ouais. contre Porto et tout. Ça t'a fait des émotions ou pas Ouais, c'est bien pour eux. Après, euh, ça a été un peu dans la douleur, mais au final, c'est les genres de clubs que t'as envie de voir dans, les derniers, dans le dernier carré. Et puis, bien, bien entendu, pour moi, ça, ça parle. Donc, euh, donc, ouais, content pour eux. Encore la route est longue, mais, euh, mais c'était bien, c'était une belle soirée. Surtout dans une séance de pénalty ouais, et tout, ouais. David Raya qui va aller chercher. Ouais. C'était chaud. Pas, ouais, on n'en voit pas souvent des, 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 tu vois, des qualifications au tir au but comme ça euh, du côté d'Arsenal. Donc euh, je pense que ouais, j'ai des potes qui étaient au stade et ils m'ont dit franchement c'était le feu. Et c'est un petit peu, je vois, c'est là où tu te rends compte qu'il y a quelques années c'était Arsenal qui dominait et puis là bah, ils se sont satisfaits d'une du, qualification au pénalty. Espérons qu'ils vont plus loin, mais c'est vrai que c'était poussif un peu hier. Ça va, t'as passé un bon week-end pour début de semaine. Tu fais quoi en ce moment C'est une période un peu plus calme. Tu prépares le prochain rassemblement. Ça se passe comment Ouais, c'est ça. C'est calme. Là, c'est euh, routine euh, un peu la famille, euh, beaucoup d'analyse de, de match. Euh, donc on se. Ouais, c'est. Tu vois les. Quand es en sélection, c'est euh, en fait t'as adrénaline pendant la, la trame internationale et puis après t'as une période de un mois où il y a rien. Et là, depuis novembre, en fait, on a absolument rien. Donc c'était euh, trouver des. Euh, des choses pour te pour meubler un peu les journées, mais ça va, c'est plaisant. Après 22 ans, plus, tu vois, où tu es toujours sur la route, les matchs, le week-end, le, le, le mercredi, ça fait du bien de souffler un peu. Ouais, on va pas se plaindre de ces périodes exact, un exact, petit peu plus calmes, ouais, où tu as exact. quand même les petits rebonds de temps en temps. C'est ça, exact. exact. Ouais, on va parler des espoirs forcément dans quelques, bah, un peu plus loin dans l'émission, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir avant. Et on va poser la question traditionnelle pour démarrer cette émission. Est-ce que tu peux nous dire, te présenter, qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît bah, Alors moi, c'est Gaël Clichy. Euh, je suis de Toulouse, du sud de la France. J'ai une famille, euh, mon père de la Martinique, ma mère est métropolitaine. J'ai deux sœurs et un petit frère, euh, bercé au football, au sport, j'ai envie de dire. Euh, des envies de, de voyager, étant de, de la Martinique, mon père. On a toujours ce rapport un petit peu à partir et puis voir, euh, voir du pays. Donc, euh, j'ai envie de dire, je suis tombé dans le, dans le bon métier, j'ai beaucoup voyagé. Mais ouais, une famille euh, aimante. Euh, mon père amateur de football donc bien entendu il m'a donné et transmis sa passion du, du football et puis euh, et puis en termes d'école ça a été euh, assez bref j'ai un BEP euh, BEP vente et en fait quand je quand je suis dans ma dernière année à Cannes j'ai 16 ans en fait le club me dit que je dois euh, soit continuer les études et du coup je peux pas m'entraîner avec les pros ou soit euh, m'entraîner avec les pros deux fois par jour et mais lâcher euh, un peu les études et on lâche les études bon ben la, la décision elle était vite prise et donc voilà et au niveau de tout ce qui est euh, football, etc., comment est-ce que c'est venu, cette passion, c'est un sport déjà présent dans la famille, c'est quelque chose qui est venu par le père, le frère, ça supportait des équipes, c'était comment Ouais, c'est ça, mon père en fait c'est un fan de foot, euh, il n'a jamais joué pro, il était amateur, il est fan de Bordeaux, et puis c'était un peu à cette époque, il n'y avait pas tout ce qui était euh, les chaînes que tu vois du football toute la journée, donc tu t'avais téléfoot le dimanche matin. L'équipe euh, euh, dimanche soir. Euh, et donc, en fait, c'était assis à côté de lui. On discute. Il me présente les joueurs qu'il qui, qui affectionnait quand il était plus, plus jeune. Moi et la nouvelle génération de joueurs qui arrivent les Thierry Henry, David Trezeguet. Et en fait, bah, la, la passion vient de là. C'est mon premier éducateur dans la région de toulousaine. Il m'entraîne jusqu'à l'âge de 15 ans. Ouais. Et en fait, ça se coupe à ce moment-là quand je pars à Cannes. Donc, euh, donc, ouais, le football a été un petit peu à rythmer nos, nos, nos journées week-ends, c'était un peu la maman qui, ma mère, récupérait les maillots, tu vois, le week-end, ouais. toute l'équipe à nettoyer, Pour les nettoyer tu, les connais, voilà, tu connais, et donc, euh, donc ouais, le football a toujours fait partie de notre, de notre, de notre emploi du temps. Tu disais que tu avais démarré le football justement dans le club où il y avait ton père comme éducateur, il était plus dur avec toi qu'avec les autres joueurs ou pas Ouais, mais ça je pense que tu l'as déjà entendu, tu sais, les joueurs étaient souvent que le père était toujours un petit peu critique, toujours un petit peu euh, à demander toujours plus, donc moi effectivement, vu que j'étais euh, aussi le joueur un petit peu talentueux du, du, du club... Euh, je pouvais faire gagner l'équipe et c'était mon père donc en fait j'avais pas le droit de faire les choses que certains pouvaient faire et vu que j'étais le joueur qui allait pouvoir donner la, vi euh, pouvoir donner la victoire à son équipe bah, il était exigeant mais, mais j'ai envie de dire qu'au final c'est ce que tu retrouves sur une carrière quand tu es professionnel et euh, à un certain niveau cette exigence elle est là depuis tout petit et je pense qu'on a tous ce lien un petit peu euh, communs, les joueurs de foot avec le papa, si le papa était présent, euh, jusqu'à un certain âge, 15, 16, 17 ans, derrière nous, à nous pousser à vouloir toujours plus. Et je pense que quelque part, on se, on se construit avec, euh, avec cet amour paternel. Tu as démarré à quel poste Hey, j'ai démarré numéro 10 attaquant je marquais ah, beaucoup de buts vous toujours <laughs> attaquant ici mais tu sais, c'est pas, <laughs> pas la bonne nouvelle parce que du coup quand tu te retrouves euh, défenseur, c'est parce que tu sais tu connais l'évolution après quand tu arrives dans le haut niveau ça commence à être compliqué mais ouais on est beaucoup dans ce cas là mais euh, ouais ouais je, je marquais pas mal de buts ouais. c'était beau ça et c'est à partir de quel moment que justement ça a commencé à un petit peu reculer sur le terrain alors je sais pas si tu sais mais en fait quand donc moi j'ai fait euh, Castelmo donc le centre un peu comme l'INF mais dans le sud et à la fin des deux ans, en fait, on a la Coupe Nationale. Et euh, du coup, en fait, c'est chaque pôle qui joue. En fait, c'est une compétition entre chaque pôle, chaque, chaque catégorie, chaque zone en, fait, en France. Et à ce moment-là, je fais cette compétition numéro 10. Je signe à Cannes. Et en fait, quand j'arrive à Cannes, je me rappelle, le coach, c'était Jean-Jacques Asseau. Donc, il a son papier et il dit euh, « Bon, voilà, les attaquants, joueurs offensifs, vocation offensive, vous allez être à gauche et les défenseurs, vous allez être à droite. » Donc, il commence à donner les noms. Donc, moi, je me mets euh, avec les attaquants, puisque il y a, le mois dernier, j'étais numéro 10 il regarde sa, sa fiche et puis il voit que le, le nombre n'est pas correct après il dit cliché donc je lève la main il dit t'es pas là t'es là je dis mais vous avez dit il a dit ouais mais à partir de maintenant t'es défenseur pour quelle raison J'ai aucune idée. Donc, tu as fait ta carrière défenseur parce qu'un coach, à un moment, sur une, une opposition, t'a foutu voilà. en défense Il me dit à partir de là, tac, t'es arrière-gauche. Et voilà, je n'étais même pas titulaire sur la première année à Cannes. Je me rappelle, il y avait un joueur qui s'appelle Grégory qui était titulaire. Et donc, c'est de là où tout commence. quoi. La folie, c'est ouais. vrai. J'ai lu que depuis ta blessure à la jambe droite, tu pu développer la jambe gauche. Et également que ton père te forçait un peu à utiliser le pied gauche quand tu étais petit et tout. Euh, comment ça s'est passé, ce côté-là Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé par la suite mais je pense qu'en fait il fait pas ça pour, euh, avec une vision assez claire de ce qu'il pourrait euh, arriver. je pense qu'il fait ça juste dans un souci de toujours me challenger. Euh, la blessure, en fait, c'est quelque chose qui s'est répété par la suite. Quand je suis à Arsenal, je suis blessé pendant un an et demi. Et en fait, j'ai un problème de consolidation des, euh, des os. Et donc, en fait, ça me renvoie à cette période-là où je reste dans le plat pendant un an et un an et demi. Et en fait, quand es jeune, tu te, ouais, tu t'adaptes à ta façon de, de vivre. Et donc, moi, c'était un petit peu ça. Et je pense que l'un dans l'autre, c'est ce qui m'a permis de faire la carrière que j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'au final, euh, je rentre dans le cursus professionnel où la demande pour les latéraux à gauche est faible. Et du coup, bah, il y a une brèche, il y a une porte qui s'ouvre. Et puis. Euh, le talent fait la différence, mais euh, qui sait si j'avais pas été euh, euh, capable d'utiliser mon pied gauche, peut-être ça aurait été compliqué. quoi, Plus compliqué en tout cas. Ça s'est passé comment Parce que j'ai vu que tu as rejoint le JS Cugno et tu as fait du sport études, justement. Com comment ça s'est passé ce changement Et quand ça se passe le sport études pour ceux qui nous écoutent ben, Le sport études, en fait, c'est marrant et c'est une, une question qui est assez qui est pertinente parce qu'en fait, c'est ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est qu'il y a... Peu importe dans le domaine qu'on décide d'évoluer, il y a toujours des objectifs à, à se fixer. Et en fait, moi, je me rappelle que je pars à, à Cugnot et puis en fait, je veux rentrer dans ce sport étude, qui au final, avec du recul, c'est un sport étude qui qui, qui t'apporte rien, quoi. C'était du lundi au vendredi. Euh, J'habitais à Tournefeuille, donc banlieue toulousaine. J'allais à à Muret, c'était exactement. Et en fait, tu t'entraînais euh, le mercredi une fois une fois par par semaine, donc absolument rien. Mais si tu veux, c'était à ce moment-là euh, le pôle un petit peu élite de la région. Et en voulant être le meilleur, bah c'était à mes parents, j'ai dit bah, j'aimerais bien intégrer ce, ce pôle. Donc tu fais une détection, tu fais partie des, des 40 meilleurs, il y a deux générations, et puis tu et puis es content d'être là, mais avec du recul, tu te dis en fait ça sert absolument à rien, quoi. mais ça fait partie du, du parcours. Quoi. Gaël, il y a les fans du Servette dans le chat, ils me demandent où est passée l'étoile sur le maillot. C'est moi, c'est la qualité des, des c'est la qualité. Moi, je suis pour rien, c'est la qualité. C'est un maillot <laughs> que j'ai récupéré en fin de saison. Ma foi, si elle, si elle est partie, c'est une étoile filante. <laughs> <laughs> c'est un maillot qu'il a ramené, en plus floqué, cliché et tout. Donc euh, magnifique. Et s'il manque une étoile, mes amis du Servette, <laughs> je suis désolé, comme il a dit, c'est l'étoile filante. <laughs> ah, ça m'a fait. Elle était belle celle-là. T'as grandi à Tournefeuille, t'as même joué à l'AS Tournefeuille, ainsi que le centre de la Ligue de Ligue Pire... enfin midi pyrénées pardon, à castel je nous le disais. Ce centre, c'était un peu l'équivalent des équipes régionales avec les meilleurs joueurs un peu de mmh. la région. Le quartier Tournefeuille il était spécial, non C'était co comment comme quartier Non, c'était une banlieue. Oui, un peu UP de, de la région toulousaine. Et puis euh, Castelmaurou, c'est un petit peu en campagne. C'est un peu l'INF Clairefontaine du Sud. Donc là, pour le coup, c'était un vrai objectif. En fait. Là, c'est vraiment euh, quand tu arrives à l'Ange, donc c'est 13-15 ans. Euh, si tu es sérieux dans ta volonté de devenir joueur de, de foot, c'est comme l'INF. En fait. Tu dois intégrer ce centre de préformation parce que euh, de là sortent pas mal de cracks. Donc peut-être un peu moins dans le Sud, mais on connaît très bien la, la, le, le renom et la renommée du, de l'INF. Et donc en fait ça c'est vrai un vrai objectif pour tout jeune joueur en fait euh, un peu moins maintenant parce que les clubs ont dévelo développé leur propre euh, leur propre tissu local où il y a moins ce voilà, besoin exactement. de gros centres et tout. Exact ouais. mais à l'époque c'est vraiment la, la filière euh, principale si tu veux percer et donc euh, euh, tu fais il euh, y a plusieurs détections, tu fais partie encore une fois des des, des des 20 25 meilleurs de ton âge de ta génération et à partir de là en fait tu es vu, c'est une vitrine parce qu'il y a tous les clubs pros qui qui viennent aux entraînements, qui viennent pour les matchs amicaux. Cette compétition en fin de, en fin de parcours. Donc, euh, c'est pas dire que tu ne vas pas réussir à percer si tu ne passes pas par là, mais c'est vrai que ça facilitait à l'époque de faire partie d'un centre de préformation. En parlant de centre de préformation, ce centre t'a aussi permis de rejoindre un centre de formation, celui de l'AS Cannes. avais été courtisé également par d'autres clubs à ce moment-là, des clubs parfois déjà professionnels. Pourquoi avoir, cho Pourquoi avoir choisi Cannes à ce moment-là Alors là, je rectifie et je suis désolé, mais ah, en fait, toucher. pour le coup, je fais partie de ma génération où en fait, je suis toujours un petit peu en retard. J'ai du mal à me développer, je suis en période de croissance et en fait, je n'ai pas de club. Okay. Donc, à la, à la sortie de ces deux ans, je n'ai pas de club. Il y a le Toulouse FC qui est obligé de me proposer un contrat étant donné que c'est le club de la région. Ouais. Donc, en fait, il y, y avait une règle qui disait qu'en fait, ils étaient obligés de proposer. Donc, moi, en fait, si tu veux, même, je me rappelle, je vais voir un match des moins de 21. Je me souviens très bien, c'était à Toulouse, et il y avait Jérémy Aliadjer qui jouait en pointe. Déjà Ouais. Et là, il y a le recruteur de Toulouse qui m'attrape et qui me dit Tu, tu viens, tu peux signer, j'ai parlé avec ton père, donc je suis mineur. Hein, donc tu peux signer, ton père est d'accord et tout ça. Donc moi, je signe parce qu'à ce moment-là, j'ai pas de club. Et au final, je rentre chez moi, mon père, il me dit Tu as, as fait une bêtise, mais t'inquiète pas, vu que tu es mineur, ta signature ne vaut pas grand chose donc on va effacer ça ah, il avait fait en sorte de signer voilà. un peu voilà un peu à la ah. tu vois un peu à la vite comme ça il récupère un joueur en te disant que ton papa était d'accord voilà, c'est fou il était pas d'accord oh vois. le menteur de ouais, ça les, ouais, magouilles vois, de <laughs> les magouilles à Toulouse allez magouilles de mais fou mais du coup au final mon père euh, me dit que Cannes est intéressé et au final c'est mon père qui me force un petit peu à aller à Cannes et encore une fois on dit souvent que les parents ont, tu vois on pas cette... flair voilà exactement et il y a eu plusieurs situations comme ça mais c'est vrai que euh, c'était plus Rassurant de signer à Toulouse. Tu vois, je suis de la banlieue de, la banlieue de Toulouse, toulousaine. Euh, J'avais des potes qui avaient signé là-bas. Donc pour moi, c'était euh, euh, naturel bah oui. de rester là. Bah ça aurait été une continuité, voilà. le club Exactement. de la région, de Exactement. ma ville. Et mon père, il me dit en fait euh, non, tu pars à Cannes, on va voir ce que ça donne. Quel choix. Tu arrives là-bas un peu lors de la rétrogradation pardon, du club en national, ce qui engendre la perte de statut pro au bout de plusieurs années sans retrouver la Ligue 2. Ça a été un risque un peu pour toi de les rejoindre C'est un truc qui est rentré en ligne de, de compte quand tu arrives là-bas Le crédit revient à mon père en fait. Parce que, parce que tu sais, quand tu es jeune, j'avais des potes qui partaient à Lens, qui partaient à Auxerre, qui partaient à Monaco. Et quand t'es jeune, bien entendu, c'est des choses qui. qui ça, brille. Ouais, ça brille. Et puis, et puis quelque part, tu, tu pars à Cannes, qui est en national ou en D2 et qui descend national. Tu dis, tu vois, est-ce que ça veut dire que mon niveau, c'est ça Mon père, il m'a toujours dit, en fait, il y a des étapes à franchir va prendre un petit peu de temps, va guérir là-bas, c'est quelque chose de nouveau et on verra si tu es fait pour le foot, tu vas progresser comme tu devras progresser et arrivera ce qui arrivera. Et donc en fait, au final avec du recul maintenant, c'est un peu le conseil que je donne aux jeunes, est-ce qu'il vaut mieux être à Monaco et rester pendant 5 ans de ce beau contrat d'apprenti professionnel ou stagiaire pro, ou peu importe comment on l'appelle aujourd'hui, et de rester en réserve pendant ces cinq années ou est-ce qu'il vaut mieux partir à, dans un club de national des deux Et moi en fait à 15 ans, j'étais déjà en équipe 1, donc c'était la nationale bien entendu, rien d'exceptionnel, mais ouais. au final euh, ben à 15 ans je, je jouais déjà euh, dans le monde pro quoi. donc euh, c'est quelque chose qui se, qui, qui se discute mais c'est vrai que pour moi la, cette décision qui n'était pas la mienne qui venait de mon père je pense c'est peut-être une des meilleures décisions que, que j'ai pu euh, prendre indirectement euh, dans ma carrière. C'est vrai que c'est intéressant, surtout euh, ta cité Monaco. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeunes joueurs ces dernières années qui, après avoir été transférés là-bas, n'ont mmh. pas forcément percé. Peut-être sans doute, certains n'avaient pas le niveau ou n'ont pas pu se développer comme ils le voulaient. Je pense aux Jebels, hein, comme Lyonnais, Pietro Pellegrini d'autres. Ouais. Même Jean-Yves dire... Pas. Oui, mais tu, 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 es, c'est confortable. Tu es dans un grand club. Quand tu rentres chez toi, tu es l'enfant le, 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 de, la, de la cité qui, qui, qui a signé à Monaco. Tu as un, un salaire qui, qui est conséquent pour cet âge-là. Et puis en fait, tu t'installes dans un confort, tu vois, ta routine devient confortable et c'est très compliqué en général de sortir de ça. Donc, euh, ouais, pour moi, c'était vraiment euh, le, 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 le bon chemin à prendre. Comment ça s'est passé au niveau de ton développement Tu nous disais que tu avais un petit retard de croissance. À partir de quel moment que vas-y, ça a pris un petit peu ou alors que, en tout cas, ça a moins été un retard ou enfin, en tout cas, un défaut, je veux dire ben, En fait, du moment où je rentre dans le pôle espoir, c'est que. Quelque part, je fais déjà partie des 20, 30 meilleurs de la région. Donc ça, ce n'est pas une fin en soi, mais ça veut dire déjà quand même qu'il y avait quelque chose, il y avait une marge de progression. Mais moi, c'est vrai que j'étais très tard dans le développement, et je me souviens que j'étais euh, pas endurant, j'étais pas costaud. Bon, je suis toujours pas, mais j'étais pas costaud. J'allais pas vite. Et donc là, c'est des qualités que je te cite qui ont fait que j'ai été le joueur que j'ai été par la suite. Bah ouais. Donc en fait, quand j'ai entre 13 et 15 ans, je suis vraiment un joueur... Euh, plus que moyen parce que je joue contre des gars qui sont déjà plus matures qui vont plus vite qui sont plus costauds à cet âge-là la différence elle est énorme surtout physique physique, Dès que un voilà. a, physique voilà. a un petit avantage physique ça va de fou et donc moi j'ai une blessure qui s'appelle los good et c'est une, une blessure de croissance où en fait, tu as ton genou qui, qui souffre un petit peu, les, les, les tendons, le cartilage grandissent trop vite et, et sont inflammés. Okay. Et donc, euh, voilà, je m'entraîne une semaine, je suis blessé deux semaines, je m'entraîne une semaine, je suis blessé deux semaines. Et puis, il y a une période où en fait, après Noël, je suis blessé pendant trois mois. Et puis, je reviens le premier jour de, de reprise d'entraînement, je fais un test de vitesse. C'était à l'époque avec les chronos, test de 60 mètres. Et là, je fais le deuxième temps de la, de la génération, tu vois? Donc, tout le monde est un peu surpris parce qu'en fait, j'ai été le plus lent il y a trois mois. Et là, en fait, donc on me refait faire le test parce qu'on pense que c'est un voilà un, un, un bug. Pam, voilà, ouais. je termine premier. Et donc, à partir de ce <laughs> moment-là, je suis devenu le joueur avec les qualités de, de contre-attaquant ou de vitesse et d'endurance. De, et parce que ben, j'arrivais à maturité, enfin pas maturité, mais j'arrivais et je rattrapais un la peu le retard, la et croissance, et, et j'ai terminé cette deuxième année en centre de préformation euh, euh, comme une flèche. Quoi. Oh, et l analyse l analyse de fou ouais, Entre guillemets, une blessure, et, et, et du coup, le développement voilà, physique est qui mais après est... derrière... Et voilà, mais il y a des choses en fait, tu vois, il y a des choses que tu contrôles, et puis il y a d'autres choses qui sont données un petit peu à la nature, et puis euh, il faut être patient, il faut avoir de la chance aussi, euh, si je ne suis pas dans un, dans un cadre où les, où les coachs ont justement cet œil pour dire « Ok, ce, ce mec-là, il est en retard, mais il va se développer. Euh, le coach à l'époque c'était Eric Membert. Oui. Et euh, le bon et vieux. Pas exactement. Et ça, c'est des gens. Ils ont un compas dans l'œil. Ils savent exactement ce qu'ils voient et ce qu'ils recherchent. Donc, euh, donc ouais, un petit peu de chance. Mais euh, c'est à ce moment-là vraiment que. Tout commence. Qu'est-ce qu qui a changé à ton arrivée au centre en termes d'infrastructure, de niveau, d'entraînement, d'exigence un peu Moi, je n'étais pas trop dans, le, dans, le, dans la comparaison de ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Par contre, ce qui a été bien entendu difficile, c'est le, la distance avec la famille. Parce qu'en fait, là, c'était. Je rentrais tout, en centre de préparation, je rentrais tous les vendredis. Donc, je faisais vendredi soir, samedi soir, dimanche la journée, puis je repartais. Donc, même si tu n'es plus chez toi au quotidien, tu rentres très régulièrement. C'est comme si je te dis là, as, je, veux que des actes, je veux que tu bosses pendant six mois, et ouais. après, tu pars un mois, tu pars à Vegas. Tu vas pas être fatigué pendant les six mois. Par contre, si je te dis euh, vas-y, bosse, et en fait, chaque semaine passe et tu dis putain, mais je bosse comme un ouf, c'est quand ma, ma période où je vais pouvoir souffler, tu vois. Alors, quand tu as un objectif et tu sais que tu rentres chez toi, c'est quelque pas, plus facile. La, la, voilà. la passe voilà, plus facilement, tu vois. Donc, en fait, partir à Cannes, c'était... Euh, maintenant, tu rentrais chez toi que pendant les vacances. Et, euh, et donc, l'écart avec la famille se fait sentir et puis après il y a aussi la compétition qu'on connaît dans le football qui commence à partir de là quoi. à partir de 15 ans tu te rends compte qu'il y a des petits clans que en fait si je peux te faire un trou dans ton crampon pour que tu joues pas à samedi je vais le faire quoi donc ça tu te rends compte de ça rapidement et c'est vraiment ça qui fait, qui fait la différence j'ai une petite question sur les premiers matchs pro, même si justement c'était à ce niveau-là. Comment ça s'est passé Quelles sont les différences que tu as vécues par rapport à ce que tu avais connu en jeune Le niveau pro justement de Détroit, c'est... Ben, je te donne encore une anecdote, mais c'est... Tu vois, parce que souvent quand on, te, quand on parle des, des joueurs, en tout cas moi dans mon parcours, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Et je vais t'expliquer. Donc en fait, je suis donc, première année à Cannes, deuxième année. Et puis tu sais, les bons joueurs, en fait, les meilleurs joueurs, souvent euh, montaient avec la réserve. Donc oui. en fait, ça te faisait sentir que tu pas trop loin de quelque chose. Moi, dans cette deuxième année, je touche pas la réserve, je touche pas le gros pro. Je pars en vacances et ce qui se passe, c'est que euh, le coach de la une m'appelle en me disant, une semaine après les vacances, il faut que tu rentres plus tôt, tu, vas, tu fais la présence avec nous. Incroyable. Ok, pas de problème. Donc bah, j'ai 15 ans à ce moment-là, tu vois, bien sûr, j'y vais. Et en fait, pourquoi il me fait venir Parce que le dernier match de championnat de la saison qui vient de passer, le titulaire arrière gauche prend un carton rouge, donc il est suspendu pendant trois matchs. Et donc en fait, je suis juste là pour faire un nombre. Mais attends, c'est pas fini. Donc on joue. Donc moi, je suis pas, je suis pas considéré. En fait, je suis juste là pour faire un, pour faire le nombre. Pour faire le nombre. On voilà, est là. Voilà, il, y a un, il y a une situation. Voilà, quelque, chose. quelque chose se passe. Une semaine avant le match de championnat, la doublure, donc, qui est le titulaire maintenant, se casse la cheville. Et du coup, il y a plus personne pour jouer. Donc, du coup, le jeune prend la place, premier championnat, homme du match. Et puis après, la machine est en route et puis je ne bouge plus. quoi. Oh et donc, euh, voilà, c'est un club qui est en troisième division. Si tu as un jeune joueur à 15 ans, 16 ans qui joue, bah, du coup, c'est de suite la poule, tu vois, un peu aux œufs d'or. Tu peux le vendre plus tard. Donc, tu restes, tu fais t enchaînes tes matchs. Et donc, euh, voilà, concours circonstance, un peu de réussite. Et puis après, j'étais prêt pour saisir ma chance. Mais euh, ouais, un peu de chance. Ouais. Tu as un ancien coach, Christian Lopez, qui parlait de toi comme étant au-dessus du lot. C'est quelque chose que tu as ressenti aussi Ouais, tu le ressens rapidement ouais, tu le ressens rapidement parce que, parce que déjà tu intègres les moins de 15 de l'équipe de france et on n'était que deux et si je suis honnête avec toi j'étais pas le meilleur joueur du centre le meilleur joueur du centre c'était un attaquant qui s'appelait salah ben alima okay. euh, un monstre en fait et je me rappelle dans notre génération les 85 il y avait deux attaquants il y avait Jimmy Briand et salah ben alima dans le sud et euh, en fait, c'est fou parce que je suis toujours en contact avec lui. C'est un très bon ami. Il a fait quoi au final comme carrière, du coup ben, au final, il a, ah. lui, Il était de Nice. Il était de Nice, et, euh, et je pense que ce qui le plombe un petit peu, c'est justement, tu vois, cette, cette faculté à. Ce qui a été dur pour moi, c'était de quitter Toulouse et d'aller sur Cannes, mais c'est peut-être ce qui aurait pu le sauver à lui. Donc, ça veut dire qu'en fait, s'il avait été dans le nord de la France. Ouais, en mode à l'autre voilà, bout de Nice. Loin, ça loin, il, venait, voilà, il venait des quartiers euh, Nice. Il avait ses potes autour, et dès qu'il y avait un moment libre, en fait, c'était de suite la famille, mm. les amis, euh, ben, les petits bêtises qu'on peut faire en tant que jeune, et je pense que c'est ce qu'il mine. Un joueur incroyable, quoi. Un joueur incroyable. Et, et, et donc bien à côté de Jimmy Briand, quand même. Et à côté de Jimmy Briand. Et je me rappelle, il est en sélection avec moi, et c'était vraiment lui le numéro un, moi j'étais derrière lui, et si je te raconte encore une anecdote, je me rappelle, Arsenal vient de nous superviser, donc ils viennent le voir jouer lui, et c'est véridique, hein? c'est Damien Komoli, qui, oui. qui est président de Toulouse, Toulouse, qui me raconte ça. Donc en fait, il me dit, en fait, quand on vient vous voir jouer, on vient en premier le voir lui, et puis toi, si on et peut toi, regarder à voilà, toi, peu, es si là, tu voilà, te voilà. démarques, ouais. 25 minutes de jeu, le coach le sort parce que son attitude n'était pas bonne. Il enlève son maillot, et le jette au pied de l'entraîneur. Barré. Il m'a dit c'était terminé. Et du coup après, bah ah. il reste que toi. Et donc c'est, tu vois, quand on parle, on dit souvent le talent fait la différence. Et, euh, et c'est vrai qu'on a du talent parce que pour Percy, tu dois avoir du talent. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Et je sais que quand je parle autour de moi, il y a des joueurs qui ne parlent pas de ça. Mais que la chance c'est un gros facteur quoi. Oh J'espère que vous buvez ces anecdotes les gars parce que vraiment c'est la folie à quel point ça montre. Ça joue sur pas grand chose des fois. Ça joue à rien, ouais, ça joue à rien. Mais concrètement après c'est sûr qu'il y a des joueurs. Moi je, fais, je je me suis toujours vu comme le joueur qui n'était pas forcément talentueux. On mmh. parle des Messi, des Ronaldo, donc peut-être que pour eux c'est différent. Mais, euh, mais tu as besoin à un moment donné, tu as besoin de réussite, tu as besoin de chance, il faut être prêt. Mais ouais, ça se joue à pas grand-chose. Ouais. Tu as disputé 15 matchs lors de cette saison dans laquelle vous terminez quand même septième Tu portes quel regard au final sur ta première saison au haut niveau ah ben, Alors encore, je te donne encore une anecdote, mais par exemple, tu vois, euh, donc je ne suis pas censé jouer avec les pros. Il y a ce premier match qui, est, qui arrive, homme du match, et puis après, c'est ce que je te dis, tu vois, c'est peut-être que si je suis à Monaco à ce moment-là, même si je fais un très bon match. Mm -hmm ils mettent un défenseur central oui. gauche à ma place, et puis voilà, tu vois. Là, c'est la SCAN qui, euh, qui a besoin de vendre, parce qu'en fait, euh, ils ont perdu le statut pro euh, la saison d'avant. Donc, en fait, concrètement, la vision à long terme du club, elle est plus à court terme. Elle, elle que, est limitée. Voilà, ouais, c'est un bien voilà, propre. Voilà, voilà, exactement. Et moi, ça, si tu veux, en fait, je fais 15 matchs. Pourquoi J'aurais dû faire euh, toute la saison, mais en fait, j'arrive euh, au mois de décembre, je suis à 14 matchs, et, euh, et en fait, il y a une règle en France qui dit que du moment où tu joues 15 matchs avant le 31 décembre, peu importe que tu aies le statut pro en tant que club ou pas, tu es obligé de signer le contrat que le club te donne. Donc ça veut dire que si moi j'avais joué mon 15e match avant le 31 décembre, Cannes me propose, donc eux ils veulent me faire jouer, bah oui. ils me proposent un contrat de 3-4 ans, je suis obligé de le signer parce que c'est mon club formateur. Et à ce moment-là, même si le club perd le statut pro, quand un autre club, donc Arsenal, vient de me chercher... Là, y a, par contre, il y a, y a un sale, Il y a, y, a y, y, a y, a y a un nouvel logement. Voilà, voilà. Et donc, en fait, ça peut être un, un million, deux millions, trois millions. Après, c'est la négociation. Voilà, après, ouais. c'est la négociation. Alors, j'ai mon agent à l'époque qui me dit, écoute, fais ton quatorzième match. Fais-toi opérer des adducteurs parce que j'avais un problème depuis Belgique. Et puis, tu reviens. Après le 1er janvier. Après et le 1 janvier. Signer, et même si ça. tu fais… Voilà. Et donc, encore une fois, le détail, si J'étais, je me souviens qu'à ce moment-là, je change d'agent parce que mon ancien agent ne me parle pas de cette règle-là. Parce que lui, il est peut-être un petit peu de mèche avec ce qui peut arriver si je joue mon 15e match, tu vois. Et cet agent qui passe un peu dans le dos du mec, il me dit, écoute, il y a cette règle-là, est-ce que tu es conscient Bien sûr, je ne suis pas conscient. Bah ouais, on t'a pas prévu le faire, bien sûr, je vais le faire. Et puis après, bah, je pars à Arsenal, indemnité de formation à payer, bien entendu. Bien sûr. Mais euh, ça me sauve, parce que peut-être qu'Arsenal peut qu n'est pas prêt à mettre 2-3 millions pour un jeune qui n'a qui a rien prouvé. quoi. On, on parle parfois d'ascension fulgurante, dans ton cas, tu passes de joueur national, donc sur le papier pas trop professionnel, à membre d'une équipe qui va réaliser l'une des performances les plus marquantes de l'histoire du championnat anglais. Avant de revenir sur le titre d'Arsenal, comment est-ce que se fait cette arrivée à Arsenal Tu as parlé un peu du scouting qui à la base n'était pas ouais. pour toi. Comment ça se passe ben, Ça se passe comment ça se passe Je suis blessé pendant cette période-là, tu vois, donc les adducteurs par rapport à la, à la négociation de contrat, le 15e match et tout ça. Je reviens et puis je suis supervisé. Donc en fait, ils viennent me voir, Arsenal vient me voir pendant 4 euh, euh, mois en fait à l'entraînement, euh, pendant les matchs et tout ça. Et puis un jour, euh, mon père m'appelle euh, et puis il me dit eh, "On vient ce week-end avec ta mère euh, sur Cannes parce que euh, Arsène Wenger veut, veut nous rencontrer sur Cannes." <laughs> je dis "Ouais, arrête, tu, papa, on rigole pas, c'est des trucs comme ça, tu vois oui. c est, c est, c est... Il me dit "Non, non, on vient, euh, on vient samedi et on, on mange avec lui." Voilà. Donc le week-end arrive, je fais mon match euh, avec avec l'équipe euh, avec l'équipe une et puis je mange avec Arsène Wenger, Damien Komoli euh, ouais, Arsène Wenger, Damien Comoli. et En fait, c'est surréaliste parce que parce qu'en fait, moi, je suis, euh, je, 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 sais que je vais devenir pro. Oui. Je sais que je veux devenir pro. Mais pour moi, c'était jouer au Havre, jouer à, à Lille, jouer à Marseille. Ouais, en Ligue 1, 1 vois, niveau, ouais, un bon niveau, tu quoi. vois. Et puis, 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 puis gravir, tu vois, tu vois, monter les échelons, étape par étape. Et puis en fait, tu te retrouves face à Arsène Wenger. Et puis, et puis en fait, tu l'écoutes quoi. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là, Arsène Wenger bah, Plein d'éloges, tu vois, plein d'éloges. Et puis, il te dit, euh, voilà, on pense que si tu progresses de la manière dont ton team, on imagine te, 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 ta progression, tu, tu, tu peux faire quelque chose chez nous, blablabla. Hein. Donc, moi, je sais que je, je suis comme ça, en fait. Je suis devant lui et puis, j'ai rien à dire. Et puis, il y a juste un moment donné, au bout de 30, 35 minutes, je lui dis, OK, d'accord, vous me dites tout ça je dis, mais en termes de temps de jeu, c'est quoi pour moi Parce ouais, que tu vois. J'ai a... besoin de jouer, ouais, je suis jeune, ouais, la courbe de progression, on exact, connaît. A... C'est ce que tu disais sur le discours il voilà, y a exactement. quelques Il y a H l'école, il y a Van Brokos, c'est des internationaux, je sais que je suis à. Tu vois, je ne touche pas à leur cheville, quoi. Et il me dit, écoute, c'est simple, j'ai que mon mot pour te convaincre, j'ai que mes mots, ma parole. Euh, si tu viens, on prête Van et ça sera H l'école et toi. Ça veut dire que si H l'école se blesse ou s'il a une suspension, de la coupe, ouais, voilà. beaucoup de matchs. Voilà. Si tu travailles comme on, on imagine que tu vas travailler, tu auras du temps de jeu. Tu me crois, tu me crois pas. Je peux pas. Je, je peux pas faire plus. Je peux pas te prouver quoi que ce soit. Au final, bon, mais c'est très compliqué de refuser Arsène Wenger et les Frenchies d'Arsenal à ce moment-là. On valide. Je me retrouve à Arsenal, et puis une semaine, dix jours après pré saison je vois apprendre Brokos en prêt à Barcelone, et je me dis « Waouh, d'accord. » Il a vraiment ouais. tenu parole. Ouais, c'est un, un bonhomme, c'est un bon homme. C'est un bonhomme, parce qu'en fait, tu, tu, en fait es, tu joues pour le titre, tu joues pour l'équipe des champions, tu as ce groupe avec ces joueurs extraordinaires, et en fait, tu fais confiance en gros à un jeune qui arrive de National avec mmh. 15 petits matchs de National. Tu sais pas, même si tu as imaginé qu'il va progresser, mais tu sais pas comment il va réagir ce mec, tu vois. Et au final, euh, au final je me dis « Ok ». Aujourd'hui, je suis coach, j'aimerais avoir cette, cette force de caractère et ce, cette confiance pour, pour donner la chance à, à des jeunes. C'est incroyable. En, en parler, je crois qu'il y avait aussi Marseille sur le dossier, non Marseille, bah après, tu vois, quand tu as un club comme Arsenal, forcément, les clubs français, j'ai eu Marseille, j'étais visiter la commanderie, et ça, c'était assez spécial. Mmh. Parce que ben, Marseille c'est fait partie des deux meilleurs, trois meilleurs clubs en, en France. C'est la seule équipe qui a gagné la, la Coupe d'Europe. Donc forcément c'était c'était. À l'époque tu sais quand tu allais visiter des clubs, ils te donnaient le maillot de l'équipe première avec ton nom derrière. Histoire de déjà. Tu vois, de voilà, voilà, tu vois pour fait, te chauffer euh... un peu. Tu vois donc tu le dit, dis. Le ouais, maillot O.E.M. Ouais, Guély. Voilà gars <laughs> ben, Il est il est chez mon père. Ouais, il est chez mon père. Mais on a fait souvent un tour. On a fait on a fait Marseille, on a fait Lille, on a fait Le Havre. Le Havre c'était une très belle option en fait. On avait envie de ça avec mon père parce qu'ils étaient en Ligue 2 je crois à ce moment-là. Et puis un Vivier quoi après le PSG. Il per tous les jeunes de la banlieue parisienne. Ouais, euh, c'était un peu une ligne ouais, directe. Je exact. vais jouer titulaire en Ligue 2 ça. si voilà. ça marche exact. bien. il y a eu pas mal de joueurs qui sont sortis. Et donc l'idée, c'était vraiment ça. Et puis c'est vrai qu'en fait, euh, tu balances tout euh, à la poubelle quand tu quand es assis en face d'Arsène Wenger qui te dit euh, ce qu'il a à dire. Quoi. Donc, euh, donc ouais, ouais, Marseille était sur le sur le coup, mais au final, une fois que tu rencontres Wenger, euh, euh, ouais, ça fait la terminé, quoi, Tu vois, c'est terminé. On a vu beaucoup de jeunes joueurs euh, partir rapidement à l'étranger et se brûler un peu les ailes. Toi, à ce moment-là, est-ce que c'est une chose à laquelle tu pensais ou pas du tout Non, parce que je vais te dire quelque chose, je, je prends conscience de ce que représente le foot et ce que le foot peut m'amener quand je suis à Highbury avec le trophée de la, de, de la Première Ligue. Et c'est là, en fait, où je réalise que le, ce que le foot peut t'apporter, peut, peut, peut en fait, en termes de... de, de en fait, tu écris l'histoire de ton nom, quoi. Tu vois, tu, 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 mets une empreinte sur le, sur le sport grâce à ça. Mais avant ça, en fait, donc quand je suis à Cannes et que je dois partir à Arsenal, j'ai aucune idée et encore moins je réfléchis à me dire je vais échouer parce qu'en fait que je sois à War ou que je sois à Arsenal, moi je vis ma, ma passion, Bien je, sûr. je me donne à fond et j'ai aucun doute sur le fait que je vais prendre mon pied en fait. Et donc ça, c'est vraiment et c'est, à ce moment-là où je pense que tu vois il le, le, y a un petit, un petit clic. Et il y a quelque chose qui s'inverse quand tu prends conscience que le football n'est pas forcément un jeu, mais plus un métier. Il ouais. y a quelqu'un qui perd de l'argent si les performances sont pas bonnes. On mise sur toi pour que tu sois performant. Et du moment où tu prends conscience de ce fait-là, ta vision change. La ouais. vision change, ouais. Et l'installation à Londres, parce que tu nous as parlé de l'installation de Toulouse à Cannes. Là, euh, Cannes à Londres, c'est quand même un sacré changement. En plus, tu es encore jeune, ça se passe comment Ouais, mais moi, tu sais comment je le vois Moi, je le vois. Comme ça, je pars, je me dis, j'ai un contrat de trois ans. Ça veut dire qu'au bout de trois ans, je dois parler anglais. Un, ça c'est validé, intégration. qui se passe Quoi Je parle, je parlerai anglais dans trois ans. Deux, je deviens un homme dans une capitale qui est peut-être la capitale mondiale, mondiale à ce moment-là. Et deux, j'arrive dans, dans une dans une dans un vestiaire rempli de genre il y, y avait 20 Le c'était les, les 20 meilleurs joueurs en Europe quoi. Donc quelque part, j'ai envie de te dire, j'ai pas à me plaindre de ce qui va m'arriver. Après c'est vrai que c'est compliqué parce que quand j'arrive on me dit est-ce que tu préfères être dans une famille d'accueil vu que j'avais pas j'étais pas majeur ou est-ce que tu préfères avoir ton appart. Moi je me dis quoi Je me dis écoute si je vais dans une famille d'accueil, je vais me sentir à l'aise. Je vais rester 2 3 ans, tu vois ou 1 2 ans. Et dans 2 ans par contre, j'aurais pas 17 ans, j'aurai tu vois 19 20 ans. Et en fait, ce que je ne sais pas faire aujourd'hui et la douleur que je vais avoir, que je vais ressentir de pas savoir cuisiner. Je l'aurais appris. Je le, ouais, je, je, je l'aurais en fait. Cette douleur, je l'aurais à 20 ans. Donc autant faire ça maintenant. J'ai ma copine qui est ma femme aujourd'hui. Elle, elle était sur Paris, donc elle faisait les allers-retours. On sera bien tous les deux. Va là-bas. C'était chaud. Je ne vais pas te mentir. Hein. Je pas cuisiner. Donc ça veut dire, c'était quoi mes, mes repas les six premiers mois Je restais au sein d'entraînement jusqu'à 16h. Ouais. Tu vois, le plus longtemps possible, je me faisais un petit snack à 16h. Je rentrais chez moi. Je jouais à la play ou je regardais des films en anglais tout ça. Et à 23h, je mangeais une barre euh, chocolat, un sneaker. C'est tout. Pour caler la faim. Et je m'endormais. Et je repartais à 9h, j'allais à l'entraînement <laughs> comme un ouf. 2004, il n'y avait pas des tutos YouTube. Il y avait rien. Il y avait rien. Aujourd'hui, ils ont de l'argent, tu vois, les jeunes, les, les pros, et donc ils peuvent avoir des chefs. Non, ce n'était pas ça. Je me rappelle la première fois que j'essaie de faire à manger, je brûle la poêle carrément. tu L'alarme a incendié et tout ça. J'ai beaucoup pleuré ces six premiers mois, tu vois et puis après, tu t'habitues. Et en fait, tu te... Ouais, tu réalises tous les jours que bah, c'est une petite bataille et que chaque jour qui passe, tu, tu grandis un petit peu. Quoi. Tu jouais quoi à la play PES Allez, Non, moi je suis un fan de GTA. GTA Ouais, moi je suis un fan de GTA. <laughs> les Vice City, ouais, Vice à City c'est un petit Ouais, non, moi tu me testes pas sur ça, c'est ça c'est ma bible un peu, c'est ma bible. <laughs> Incroyable. Il y avait beaucoup de francophones, on le sait, avec Arsenal, à l'époque dans le groupe les Will Thor, qu'on a qu'on a cité avant Henri, Riviera. Est-ce que ça t'a permis de t'intégrer rapidement au groupe Est-ce qu'ils t'ont pris ouais. sous leur ailes un peu Ouais, ouais, bien sûr, surtout Jérémy parce que Jérémy on avait euh, les Cardages étaient, étaient resserrés, Miner, ouais. voilà, c'était on était on était tout le temps ensemble, il avait le permis donc c'est lui qui me qui me conduisait. Les autres c'était un peu plus compliqué parce qu'en fait euh, c'est pas parce que tu arrives dans un vestiaire que de suite tu vas faire ami ami avec les mecs. Tu vois, tu peux être un, tu peux être un jeune qui a, qui prend vite la grosse tête et ils n'ont pas besoin de traîner avec ces mecs là. La différence ouais. d'âge elle est telle qu'en fait t'as pas forcément grand chose à, à dire à un jeune joueur et puis surtout en fait ils t'observent, ils te regardent. Est-ce que tu arrives à l'heure? Est-ce que tu es poli Est-ce que tu te donnes Donc on fait des courses. Est-ce qu'on te dit de faire en 12 secondes Est-ce que tu le fais en 13 ou est-ce que tu le fais en 11 ouais. euh, Est-ce est que, que tu respectes Tu, voilà, est que tu respectes? Est-ce que, es... est que tu es engagé dans, dans la cause de l'équipe Pas ta cause à toi, parce que individuellement, tu vois, c'est un sport co, mais le football, c'est peut-être le sport co le plus individuel euh, au monde. Donc en avec fait, toutes ces petites choses-là, et c'est vraiment semaine après semaine qu'ils comprennent que... Tu as quelque chose à apporter à l'équipe, tu vois. Et effectivement, après, quand tu commences à jouer, j'ai eu la chance, j'ai joué rapidement, quand ils se rendent compte que tu progresses vite, que tu assimiles vite les choses et que euh, tu es performant, là, tu fais partie de la team. Mais avant ça, tu ne fais pas partie de la team. Avant ça, tu fais partie des, fais partie des jeunes joueurs qui arrivent et qui vont repartir. Okay. Juste au moment où tu prouves le contraire. Mais donc, ça a été le cas. Ouais, prouver la, la capacité à rester. Ouais, il faut que tu, tu leur montres. Ça, c'est des mecs, ils ont déjà gagné la Coupe du Monde, la, le championnat d'Europe. Tu vois, ils n'ont plus rien à prouver. Par contre, tu viens, tu fais le mariole et tu nous fais perdre des points. Là, ça ne va pas. Tu vois. Donc, ils attendent de voir. Ça prend peut-être 6-8 ouais, semaines. Et puis, quand ils se rendent compte que tu es quelqu'un de sérieux et quelqu'un sérieux dans, dans, dans le professionnalisme, là, ils te valident. Et puis après, tu après, t enchaînes. Mais, mais avant ça, c'était euh, Jérémy surtout. Et puis, les autres, euh, bon, ils étaient plus distants. Quoi. T'arrives en tant que doublure d'Ashley Cole. Comment c'est d'apprendre le poste avec un joueur de son calibre ben en fait moi ce que je dis souvent, j'ai pas été à l'université, tu vois, et donc en fait dans, dans ma tête l'université c'est genre tu vois dans ces grandes tu vois euh, bibliothèques, tu vois oui. où tu t as, t as toutes les informations à portée de main, tu vois, tu prends un livre, voilà c'est un petit peu ça que j'ai en tête. Moi en fait j'étais assis dans le vestiaire, en fait je peux te regarder et même si je t'aime pas, je prends en fait comme une éponge, je dis voilà Zack il fait ça de bien, je vais faire la même chose. Je regarde Henri lui bon, il fait tout de bien donc je vais, je vais faire comme lui je regarde Viera, je regarde Denis Berkamp je regarde Canu je regarde Wilthor je regarde Martin Keon je regarde Ashley Cole, tous les joueurs en fait donc ça veut dire que même si je t'aime pas je te regarde je te regarde parce que je sais qu'il y a quelque chose que je vais pouvoir prendre de toi tu vas de monter, qui va me permettre de monter qui va m'aider et être meilleur hein. tu vois donc en fait ça veut dire que euh, C'était pas seulement lui, mais effectivement, tu vois, à ce moment-là, il est peut-être le meilleur arrière-gauche, tu vois, depuis 10 ans, et puis il a continué sur les 6 années qui ont suivi. Euh, C'est une bénédiction, tu vois, et, et j'ai envie de dire, en fait, j'ai presque été euh, chanceux de faire partie de, 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 de ce groupe-là, parce qu'en fait, je peux arriver dans ce vestiaire avec des joueurs qui sont... Euh, euh, égoïstes, qui sont pas. Euh, tu vois, qui ont passé leur pic, donc ça veut dire qu'en fait, ils sont plus déterminés, ils ont plus cette envie de faire quelque chose. Ouais. Et en fait, tu te formes avec euh, des gars qui sont un petit peu en, en roue libre, tu vois. Alors que alors que là, t'es dans une. Bah, la saison qu'on fait, c'est une saison qui est, qui, qui, a, qui a changé le football bah anglais. Oui, exceptionnel. Et donc, en fait, moi, je me forme avec ces mecs-là, tu vois. Ça se passe comment ton premier match Je crois que c'est un match de Cup ou un match de championnat ben, Le match de Cup, c'était contre. Rotterdam, uh, je Rot Rotterdam, je crois Rotterdam, ouais, au penalty on fait penalty à highbury. je crois qu'on gagne 12-11 au penalty, donc en fait tout le monde tire tu vois t'as tiré bah en fait moi j'ai tiré j'étais le dixième parce que je voulais pas le tirer je voulais pas le tirer quand ça a fait la liste t'as tiré bon, fond rien le gardien j'ai dit 5 joueurs je prends pas je suis plus numéro 10 moi j'assume je suis défenseur du coup je vois 5 pénalty 5-5, 6-6, 7-6, 8-8, 11 11 je me dis 9-9. Je dis après, ils se disent, Gaël, t'es obligé de tirer. Donc, du coup, je tire, je le mets. Je me rappelle, il y avait un joueur, il a joué à Lille d'ailleurs, il s'appelait Statis euh, Stabilaridis, ouais. grec. Et lui, pareil, il avait enlevé ses crampons, il était en claquette, il a pas voulu tirer. il a, voulu tirer, il a voulu tirer deux fois. Et ça, c'était le premier match. Et donc, je me dis, euh, euh, je me dis ouais, le premier match à Highbury, c'est une folie, quoi, tu vois. Même le public et tout, parce que, ouais. tu vois, moi, moi, je fais partie de la génération où j'ai surtout connu, je suis 95, j'ai pas trop connu à j'ai 7, 8, ouais, 9 ans, ouais, quoi. Ouais. J'ai surtout vu l'Emirates qui est revenu après, mm -hmm. après. Il y avait une telle atmosphère ou pas à ouais, Quand je regarde des compiles de Henry, typiquement, tu vois, ça ouais. de ses meilleurs buts, ça veut l'air d'être fou à mais bah En fait, déjà, c'était un stade qui était plus petit. Donc, en fait, c'est pas, pas les vrais fans, mais en fait, c'était euh, très, très proche, très compact. Et du coup, ça... Ça faisait du bruit. Ouais. Après, quand tu arrives à l'emirate, c'est parce que tu veux passer en tant que club dans une autre dimension. Et là, tu attires plus des sponsors, tu attires les touristes qui viennent sur Londres, qui ne oui. viennent pas forcément voir un vrai. match. C'est vrai. Et du coup, tu as tes abonnements. Donc, ce sont des fans d'Arsenal, mais ce ne sont pas des fans qui sont aussi. Tu vois, il y a pas aussi, y a pas autant de voix oui. qu'un qu vrai Londonien qui, qui vient et qui et en fait sa semaine elle est en Angleterre la semaine d'un foyer. Elle est conditionnée elle par, est le, conditionnée là, par le résultat d'une équipe. Donc en fait, tu avait vraiment ça, tu vois. Et puis en plus c'est la période où on écrasait tout, ouais, où, où l'équipe marchait sur l'eau. Donc donc ouais, c'était différent. Pour ceux qui ont connu. Ils ne peuvent pas dire que c'est pas mieux que l'Emirates. L'Emirates, c'est un très beau stade et c'est une autre génération, c'est une autre, une, autre, une, autre, une autre période. Mais à Ibery, c'était spécial. Lors de cette saison, c'est la saison légendaire, on, on l'a mentionné un <laughs> petit peu. Champion avec Arsenal, on le rappelle, zéro défaite au compteur en PL. Donc une saison de tous les records. Raconte-nous un peu justement cette saison, comment tournait l'équipe. J'ai quand même quelques petits stats, si jamais. 26 victoires, 12 nuls, zéro défaite. Et plus quitter la première place depuis la 22e journée, leader 27 journées sur 38 euh, magnifique. En fait, je pense que moi toute cette saison en fait, je réalise pas ce qui est en train de se passer. Je réalise pas parce que je m'entraîne, parce que j'apprends, parce que je kiffe, je suis à Londres, j'apprends l'anglais, je ne réalise pas vraiment, ouais, tu vois, je joue on kiffe, au, es je jeune. joue au foot en fait, tu vois. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, tu avais les, les allez, sur 20 joueurs, tu en avais euh, tu avais 14, c'était il faisait partie du top 3 en Europe quoi, tu vois, chaque à position, à leur poste. Et je pense que ces mecs-là, en fait, c'est des mecs. Euh, en fait, ce qui a fonctionné avec cette équipe, au-delà du talent, mais ben ça c'est sûr, c'est qu'en fait, chacun avait son rôle et chacun a accepté le rôle. Donc ça veut dire qu'en fait, Soit, des fois, quand t'as une équipe jeune, tu peux avoir cette envie de briller, même si ton équipe ne brille pas. Donc ça veut dire qu'en fait, tu vas perdre un match 3-2, t'as marqué deux, deux buts. Et t'as fait quelques dribbles, oh, t'as voilà, vu, t'es voilà, content. Tu, ouais. tu, vas dire, tu vas dire au moins, voilà, moi je sors la tête haute, oh, tu vois. Eux, c'était pas ça, eux. Ils savaient que s'il fallait un but, c'était Thierry qui allait marquer. Quand il fallait réveiller l'équipe parce que ça dormait, c'était Viera qui allait réveiller l'équipe et tout le monde était conscient de ça. Gilberto Silva qui n'était pas le joueur qu'on mettait en avant mmh. parce que pas glamour, parce que pas bankable, tu vois ou peu importe, mais on savait que quand il n'était pas là, on performait moins. Tu vois donc en fait, chacun avec son rôle à jouer et tout le monde était conscient de ça. Et je pense que c'est vraiment ça en fait quand tu as une équipe qui est professionnelle et qui est concernée par le collectif. Tu vas loin et en fait ce qui a été fait ça a été incroyable parce que on est champion à quelques journées de la fin donc tu peux te dire il y a un relâchement alors qu'en fait ben, l'objectif c'était justement de terminer la saison invaincu euh, voilà invaincu parce que Arsène donc le boss nous avait, avait parlé à l'équipe sur l'année d'avant en disant je pense que vous pouvez le faire tu vois donc c'était un petit peu on reste concerné on reste Connecté par rapport, défis, ouais. par rapport aux défis, et puis en plus on, encore comme j'ai dit tout à l'heure, on a cette chance, le, le sportif de haut niveau dans, ouais, dans le monde de, de, de entertainment, tu vois, tu peux écrire en fait une part d'histoire par rapport à ce que tu réalises dans ton, dans ton industrie, et ça c'est magnifique quoi. Avec tes yeux de jeune joueur, euh, parce que on est en France, on connaît tous Thierry Henry, on va en parler nécessairement, mais il y a un autre qui est très connu pour son passage à ça c'est Denis Berkamp qui euh, en plus pour certains euh, n'ont non, pu le voir que en compilation ou alors ouais. sur certains de buts mmh. magnifiques mais qui a toujours été décrit comme un monstre à son poste toi qui as joué qui t'es entraîné avec lui c'était si fort que ça tu as des mots sur, pour lui ouais c'est chaud mais tu sais on l'appelle Iceman tu vois parce qu'il est il, est il est froid en fait il est froid euh, euh, il, il parle pas pour rien alors moi forcément il y avait un peu la barrière de la langue et puis en plus il était tellement il était encore âgé que, que Thierry donc oui, ça veut oui. dire qu'avec moi les cardages étaient bien différents donc en fait on n'a jamais trop parlé mais je me souviens en fait quand j'ai ma période en fait où je suis blessé au métatars pendant un an et demi on, on parlait pas souvent tu vois il me parlait euh, de temps en temps et en fait euh, s'il faut c'est juste il a senti un, pas de la pitié mais tu vois j'étais blessé ça faisait un an et demi que j'étais blessé j'étais sur la phase un petit peu où j'allais revenir mais jamais, voilà, c quand quand jamais pas, voilà, tout, je sais jamais vraiment comment c'est pas relou, si ouais. ça va tenir ou quoi je me rappelle je suis sur le lit avec le kiné tu vois et je suis un peu seul comme ça et il me tape sur l'épaule, il, euh, il me dit, ça va J'ai ouais, ça va. Enfin, ouais, ça, ouais, ça va, tu vois. Et il me dit, regarde, Ashley, il était blessé aussi. Ashley Cole était blessé. Il m'a dit, le premier de vous deux qui va revenir, ce sera le titulaire jusqu'à la fin de la saison. Je ne sais pas s'il le pensait vraiment ou quoi, mais en fait, quand il vient d'une personne comme ça, boum, tu vois, c'est comme un boost et je me dis, S'il lui me dit, ça veut dire qu'en fait le coach l'a dit et que lui valide ce que le coach dit parce qu'en fait si il pense que le coach dit de, 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 la, de la merde il va pas venir et dire au il joueur il va pas te le répéter voilà tu vois il va pas venir et me dire dans mon oreille voilà tu vois et donc à ce moment là je me dis en fait ok let's go tu vois et c'était peut-être un, un moment donné où tu vois on dit souvent les parents tu sais quand tu quand tu cries tout le temps dans tes enfants ça rentre là ça sort là et puis il y a quelqu'un un peu extérieur qui vient et qui dit un truc bam et tu, tu captives l'enfant, tu vois. C'était exactement ça. Donc en fait, c'était pour te dire en fait, la, le charisme que le, que le gars pouvait il avoir. Il t'a pas beaucoup parlé, mais quand il t'a dit ça. C'est resté là, tu vois. Et puis après, c'est un joueur. Euh, ouais, je t'ai dit, de manière, euh, euh, devant, tu avais Berkamp et Henry. Et quand je te parlais de la. que tout le monde acceptait son rôle, euh, c'était facile pour lui de dire euh, Non, moi, je suis le numéro 10 d'Arsenal, je veux tirer les pénaltys, je veux tirer les coups francs, je veux que les ballons passent par moi. Il a réalisé rapidement que Thierry allait devenir le est... monstre et que en fait bah il fallait qu'il se mette au service du monstre tu vois et ça c'est pas donné à tout le monde parce qu'on on dit, on dit c'est évident mais c'est pas évident dans le football ce que Benzema a fait avec Ronaldo c'est pas évident il y en a plein qui se seraient cassés les dents et ça il faut pouvoir le souligner parce que c'est une vraie marque de, 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 c'est la marque des champions pour moi quoi Au final sur cette saison tu prends part à 22 matchs dont 12 en première ligue c'est plutôt pas mal pour une première saison au très haut niveau pour quelqu'un qui arrive de national Ben bah, à l'issue de cette saison, je suis le plus jeune joueur à avoir gagné la première la Ligue. Première en fait. ligue ouais. et, donc, et donc ça, moi, je suis pas conscient de ça. Mais quand ça arrive, en fait, tu réalises avec du temps et pendant les vacances, tu dis, ouais quand même c'est chaud donc en fait et puis tu vois maintenant la règle a changé ça veut dire qu'en fait maintenant tu peux faire que 5 apparitions et tu vas avoir la médaille à l'époque il fallait que tu fasses 10 apparitions. Ah ouais. Donc tu vois c'est différent encore ah, Je sais pas ça. Et, et dans ces 10 apparitions, c'était pas genre j'ai pas fait des bouts de match, j'ai été euh, je crois que j'étais 9 fois titulaire mmh. contre Chelsea, United. Donc ça montre qu'il y avait une vraie volonté d'Arsène de, de, de me faire prendre part au, au, au truc et puis montrer aussi que j'ai été performant malgré mon jeune âge et c'était 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 énorme, c'était énorme. Ouais. t'as été marqué par quoi par la densité physique de la première League par euh... Il euh, y, y a quoi comme point qui est Regarde, notable C'est très simple. Tu viens d'avoir ton permis. Oui. T'as ta Twingo. Oui. C'est une Ford fiesta 4. C'est OK, Ford fiesta. Il fait beau. T'as ton coup de dehors. Tu crois <laughs> que t'es le king. Tu vois ce que je veux dire Et puis un jour, je te donne une, une AMG dans les mains et tu vois la différence. Ben, c'est exactement ça en fait. J'arrive de Cannes. Je pense que je suis. J'arrive à Arsenal et puis tout change en fait. Donc je peux même pas te dire en fait ce qui a changé parce oui. que c'est pas genre j'étais à Paris ou j'étais à Bordeaux et puis je passe à Arsenal. Je suis passé de national à Arsenal, donc c'était le jour et la nuit. Oui. Et donc en fait, bah, je je m'adapte pas, en fait, je, voilà, je vis. À la fin, la, fois, la vois, différence est... est tellement monstrueuse, tu voilà, peux même pas comparer. C'est juste un début, en fait. ouais. voilà, oui, c'est oui, oui, début, voilà. et, okay, puis, ouais. et puis tu essaies de faire de faire au mieux, quoi. Mais c'était, ouais, c'était quoi C'était euh, Arkan. Je, je te donne des exemples. À Arkan, on s'entraîne des fois sur synthétique, le terrain, il était bosselé. J'arrive à Arsenal, les terrains, c'est Tu vois, c'est du billard, tu peux manger dessus. Il <laughs> y a un chef, il y, y a un chauffeur qui te prend. On prend soin de bref, vous, il y a des, des installations. De mais tu réalises que, en fait, plus tu vas au haut niveau, plus l'exigence est là. Donc, ils, font, ils mettent tout en œuvre pour que tu sois performant. Mais il faut que toi, en contrepartie, le travail de l'ombre qu'on appelle quand tu rentres chez toi, à quelle heure tu te couches. Est-ce que tu te couches à 4 h du matin Est-ce que tu te couches à 10 h Est-ce que tu manges bien Est-ce que, manges... est que tu vas à Est-ce que manger tu fais beaucoup la fête Ou alors est-ce voilà, que t'es pro tu ouais, Exact. Et donc, après, c'est ce qui te fait durer c'est ce qui te fait que ben, Arsenal est Arsenal et que tu fais la carrière que tu as, as eu à faire. La saison qui suit, tu joues beaucoup plus 24 matchs, soit quasiment. Le double en termes de titularisation par rapport à la saison précédente. On était toujours dans cette période d'apprentissage. Ça se passe comment Non, là tu réalises. Là tu réalises. Et c'est pour ça que je suis, je suis honnête. La première année, vraiment, je, je je prends pas conscience de ce que je suis en train de faire, de ce que le foot peut m'apporter. Euh, je, je suis un joueur de foot, mais, mais, mais en fait, je vis un rêve, quoi. Tu vois. Donc je, je réalise pas. Par contre, il y a cette période où en fait, où, pas cette période, ce moment où, où on a le trophée à Highbury, et en fait, on fait le tour du stade comme ça. Et puis on arrive sur le, la tribune principale où en fait il y a des journalistes et puis des familles. Et puis je sens un gars qui met sa main sur mon épaule. Tac, je fais ça et c'est Thierry, tu vois. Et il me dit, dans l'oreille, il me dit, kiff, à fond, prends tout en mémoire, parce que ça, ça n'arrive pas toujours. Il y a des joueurs en Angleterre qui jouent depuis 10 ans qui n'ont jamais gagné ça. Oh la folie. Moi, je l'aurais, je dis, qu'est-ce que tu dis en fait Tu dis quoi je viens de... Ça fait 10 mois que je suis arrivé. Je trouve on sera champion l'an prochain. Ouais, mais, mais ça fait 10 mois que je suis arrivé. Plus jeune joueur de l'histoire a gagné la première ligue, on perd pas un match. J'ai joué des matchs, je suis là, laisse-moi tranquille. Flash forward, 8 ans en avant, zéro trophée à Arsenal, tu vois. Donc en fait, à ce moment-là, quand il me dit ça, c'est là où vraiment tout commence. Parce qu'en fait, quand tu commences, personne te connaît, il n'y a pas d'attente sur toi. Par contre, maintenant, on a vu que je pouvais euh, apprendre à l'école, on Donc, a vu que je pouvais donner des performances. La deuxième année, on veut que tu sois meilleur que ce que tu as fait. Et, et là, vraiment, c'est là où, où, où tout commence, quoi, tu vois. La folie bordel, et même je pense qu'au niveau de tes parents, juste pour reparler de ça, le titre et tout, ça devait être une mais dinguerie dans ta ville et tout. Mais, mais, mais encore, moi je te dis, je suis quelqu'un de très simple et en fait, euh, tu vois, quand je rentrais chez moi, je roule, je, roule, je roule la voiture de ma mère, tu vois, je vais en Martinique, je loue une Ford, une Ford Fiesta. Euh, vraiment, tu vois, je suis vraiment low-key. Ouais, t'es un mec simple. Ouais, et du coup, quand je rentre sur Toulouse, bah même là, tu vois, quand je repense à ma carrière, des fois je parle avec des gens, ils me disent mais en fait, tu te rends compte Gaël, les 22 ans que t'as fait Ouais, tu vois, et c'est peut-être quelque chose que, tu vois, si je dois donner un conseil aux jeunes, c'est qu'en fait, quand tu es au niveau, tu es tellement dans la performance, semaine après semaine, tu vois, match après match, que tu perds ce goût à la saveur de la victoire. Okay. Tu sais que c'est important et c'est ce qui te fait vivre parce que tu es compétiteur, mais en fait, tu banalises quelque part euh, une performance, tu vois. Et ça, en fait, vu que j'étais très tôt, très jeune... Arsenal, j'ai pas commencé, euh, je vais pas donner de nom de club, mais j'ai pas commencé par en me disant Cannes était en D2, j'ai pas mmh. fait 6 ans à Cannes où euh, tu vois, je sais que c'est compliqué. Je suis arrivé en fait, mes premières années, j'étais Arsenal quoi. Tu vois, des gars, ils arrivent en Ferrari, ils touchent des. des tu vois, c'est les meilleurs joueurs du monde, tu vois, champion du monde, champion d'Europe. Moi, je me suis formé avec ça. Ok. Tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, à cette époque-là, aujourd'hui, tu vois beaucoup de jeunes joueurs qui jouent dans l'effectif pro, hein, un contingent pro, tu vas avoir euh, entre 6 et 9 joueurs quoi, tu vois. Moi, à mon époque, la génération 95, était... on était 3. Voilà. Ronaldo Rooney, cliché tout simple en fait tu vois donc c'est en fait ça c'est ça veut pas dire qu'après j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait un ballon d'or c'est pas oui, que je te dis. oui oui, oui. ce que je veux dire c'est que euh, sur le moment tu réalises pas parce que tu es tellement dans ton truc tu vois que tu, tu, tu veux faire plus toujours plus toujours plus tu prends pas le temps de mettre pause et de dire ouais tu vois donc mes parents je pense qu'ils ont kiffé à fond je ne peux pas te dire à quel point, parce que moi, j'ai toujours gardé un peu ma distance avec, avec cette euphorie qu'il pouvait y avoir sur, sur les résultats. À cette époque-là, juste après votre titre, ça a aussi signé une période forte en première ligue. C'était celle du Chelsea de Mourinho. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir Didier sur le plateau. J'ai pu en parler avec lui. Toi qui as dû jouer contre ouais. eux et découvrir à l'époque la façon dont ils avaient commencé à jouer, le 4-3-3, les évolutions un peu tactiques ouais. à porter, et puis leur défense aussi de faire, c'était comment de les jouer C'était si fort que ça ben, Pour moi. Avec ma position latérale, ils avaient dans leur effectif, donc c'était le changement au 4-3-3, ouais. qui était beaucoup porté sur la transition avec des joueurs rapides sur les côtés. Donc les, les, les ailiers qu'ils avaient, ils avaient deux paires d'ailiers. Ils Robin, avaient Robin, Duff. Ils avaient tout. Robin, Duff, Joe Cole et. Euh, Wright Phillips ou c'était pas. Wright la... Phillips un peu plus tard. Un peu plus tard, ouais. Il euh, y avait Guy Johnson qui jouait des fois, des fois ici, mais en fait c'était en fait, genre tu joues une heure, tu fais un match de ouf. Et puis en fait, les 30-40 dernières minutes, il fait rentrer un gars qui est encore meilleur que l'autre. Donc moi, je l'ai vraiment vécu dans le ma un match dans le match, parce qu'en fait, c'est ces mecs-là qui, qui faisaient sauter les, les, les défenses. Quoi, oui. tu vois? Donc en fait, ce, ce Chelsea-là, c'est un peu le Manchester City d'aujourd'hui, tu vois. Et, et on oublie, parce qu'en fait, c'est il y a plus de 20 ans. Donc on oublie, mais ça a déjà été fait. Et ça a été très bien fait, parce qu'ils étaient très, très, très costauds. Ils ont réussi à tirer les meilleurs joueurs de la Première League, les meilleurs joueurs du championnat, des championnats, des meilleurs championnats en Europe. Et c'était quelque chose, quoi. C'était... Euh je vais pas donner de nom, mais moi j'ai vu des joueurs qui, qui, qui avaient peur d'affronter Drogba, qui avaient. Oh c'était, tu vois, Lampard, c'était Balak. C'était impressionnant. C'était sérieux, tu vois. C'était du nom. sérieux ouais. C'était C'était très, 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 très chaud, quoi. Même Makelele à l'époque. Moi j'ai joué contre des Makelele, tu vois, j'ai joué contre ces mecs-là. Et donc, donc, ça remonte à très longtemps, mais c'est vrai qu'en fait, tu vois une équipe, en fait, qui du jour au lendemain change complètement un peu comme City, tu vois. Et c'était euh, maintenant avec du recul, c'est terminé mais c'était beau à voir parce qu'en fait ça l'engouement de la première ligue, avant tout la première ligue, c'est un produit, tu vois. On ne dit pas que c'est la meilleure ligue au monde mais c'est c'est un produit qui est bien qui est bien bien travaillé et en fait, c'est ce, ce qui rend le championnat euh, super attractif quoi. Lors de la saison 2005-2006, Ashley Cole se blesse assez gravement en octobre 2005. On pourrait se dire que justement ça va être ta chance, tu vas pouvoir tenter de t'imposer, t'enchaînes, 4 fois 90 minutes contre West Bromwich City Tottenham Sunderland voilà je l'ai cité puis blessure en équipe de France Espoir comment est-ce que ça se passe en plus il se blesse à White Hart Lane je l'ai lu comment ça comment t'encaisse cette blessure ouais c'est dur c'est dur parce qu'en fait tu, tu bosses ça fait 4 ans que tu bosses tu sais que t'es pas loin parce que j'étais dans une période où vraiment, là, j'étais vraiment à fond, en fait. Je pense que Ashley, c'est le moment, c'est la période où il, a, il commence à avoir des envies de, de, de départ. Ouais, d'aller à Chelsea. Un, un petit peu. Et moi, je suis à fond, moi. Mes performances, elles sont clean. Je suis surclassé avec les espoirs. Donc, en fait, euh, tout, tout. Ouais, tout, tout se tout, tout, voilà. déroule. Voilà. Tout, 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 tout se déroule et puis, et puis je suis performant. Il y a ces quatre matchs et là, je me dis clairement, en fait, il se fait le métatars. Donc, il se fait le cinquième métatars et je sais que là il est blessé pendant 4 mois, 4 5 mois. Donc ça veut dire qu'en fait euh, je fais la saison et puis et puis tout part. Et puis effectivement, je me blesse avec les espoirs à Watford Lane contre l'Angleterre. Je sors à la mi-temps et en fait, c'est pas l'effondrement, mais tu dis ouais, c'est le moment, tu vois, il y a des moments qu'il faut pas louper. Jusqu'à présent dans ma carrière, j'ai toujours eu ce petit côté un petit peu chance, tu vois, comme je sais plus te raconter le destin. Ben là en fait, il a été euh, ça a été ma barrière. C'était quoi comme blessure exactement Ben moi je fais comme lui, je fais le 5 ans Métatars. C'était à l'époque où je sais pas si tu suivi, tu rappelles les, les les Adidas F50. Oui. Tu te rappelles les grosses lamelles oui, Les oui, oui, lamelles oui. hautes comme ça. Et oui. en fait, c'était pour éviter les, les visser. C'était des lamelles qui étaient grosses comme ça. Et en fait, c'est fracture de fatigue. Donc, H, c'est fait ça. Moi, je me suis fait ça avec ces crampons. Lampard, euh, s'est fait ça. Beckham s'est fait ça. Oh, c'était sur tout le monde ouais, ce truc là c'est le nouveau prototype de chaussures En fait, il n'y avait pas que Adidas. Moi, c'était Adidas, mais il n'y avait pas que Adidas, bien entendu. Et en fait, c'était ce nouveau modèle où en fait, on essayait de faire les mix en fait pour pour jouer en, en moulé, mais qui te permet de tenir sur des terrains un petit peu humides. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, en fait, quand je mets des crampons avec un crampon juste sous la sous la plaie, sous la, la, la fracture, je le ressens de suite. Donc c'est vraiment cette blessure. 20 ans plus tard, quasiment. Ouais, toujours, ouais, toujours. Et donc c'est cette blessure qui le, qui le tient éloigné des terrains. Qui me tient éloigné des terrains, c'est la période où en fait c'est l'année où on va en finale ligue des champions euh, et c'est Mathieu, je crois, que Flamini qui joue arrière-gauche, tu vois. Donc tu peux imaginer, j'étais super content pour lui. Mais au fond de moi, chaque match qui passait, je me disais... Si je sais pas, tu sais pas, si, ouais, tu sais pas si tu aurais été bon, tu vois, s'il faut, il a apporté quelque chose à l'équipe que, que je n'aurais pas apporté. Mais sur le moment, tu ne peux pas te dire... Ouais, tu te dis putain, ça aurait pu être moi, quoi. Tu vois. Elle s'est passée comment la convalescence ben, En fait au début c'est une blessure normale et je reviens au bout de 4 mois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques semaines d'entraînement, j'ai une vis donc, dans le pied, et la vis, elle se, elle se tord en fait. Donc, oh, tu vois, donc je. Ça va faire mal! Ben en fait tu sens comme une tu vois une, quand as une fracture c'est comme si tu as un couteau en fait tu vois quand tu mets un... bon on m'a jamais planté un couteau mais la, la, la sensation c'est vraiment une sensation de douleur assez aiguë et en fait je sens de suite que ça va pas scanner le, le clou en fait la vis c'est tordu du coup il faut l'enlever opération à nouveau donc en fait dans ma tête c'est le calcul est fait cinq mois la première fois cinq mois la deuxième deuxième fois je suis hâte encore pour une... une... donc là c'est très dur la deuxième fois c'est très dur parce que tu te dis euh, bon qu'est-ce qui se passe quoi est-ce que quand on est blessé de longue date, on arrive à rester intégré au groupe ou alors euh, naturellement non. il y a un peu mis à l'écart Non, et c'est un petit peu ce que les gens ne réalisent pas. C'est ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'en fait ça va très vite dans le foot. Quoi. Il y a la nouvelle génération qui arrive derrière. Et en fait, si tu n'es pas performant, j'ai même envie de te dire, c'est de semaine à semaine. Quoi. Donc si tu n'es pas performant euh, ce week-end, il y a quelqu'un qui va prendre ta place. Et s'il si est performant, il va falloir que tu qu'il soit moins performant pour avoir ta chance. Tu vois Mais quand tu as une, une blessure. C'est des matchs tous les trois jours. Donc, ça veut dire que quand tu joues tous les trois jours, pour les gens qui connaissent pas, tu joues Ligue des Champions le mercredi, ça veut dire que le mardi, tu les, le groupe s'entraîne le matin, part au vert à l'extérieur et ils reviennent que le jeudi après-midi. Donc, ça veut dire euh, je, ouais, jeudi matin, jeudi après-midi, ça veut dire que pendant ouais, 24-48 heures, tu es tout seul. Bah ouais. Et même quand ils reviennent, bah, ils font leur entraînement, toi, tu es en soin. Donc, en fait, tu peux pas rester connecté avec eux, même si tu es Zidane à ce moment-là. Il y a un schedule qui doit être tenu mmh. par, le, par rapport au groupe qui joue et le groupe qui se déplace et le, tu vois et puis les convalescents donc en fait tu, tu essaies de rester connecté mais en fait tu réalises que c'est pas c'est pas c'est pas faisable quoi. Tu reviens sur les terrains pour un match et pas des mois de la demi finale retour de Ligue des Champions contre Villarreal 0-0 retour mais 1-0 au cumul des deux matchs c'est un retour un peu triomphant ou pas? Bah, c'est un retour triomphant surtout parce qu'en fait ce match là Mathieu commence le match. Et en fait, au bout de 2-3 minutes, en fait, euh, je le remplace. Donc, tu le remplaces à Villarreal. C'est le Villarreal de Riquelme et tout ça. Donc, c'est une grosse génération. Mais surtout, on gagne un zéro. On est un peu dans les cordes pendant tout le match. Et à la dernière minute du jeu, en fait, je saute à la tête et je concède un pénalty. Tu vois, donc ça veut dire que s'il marque à ce moment-là, Rickelmeier pose le ballon sur le point de penalty. Rickelmeier, il a peut-être loupé un seul penalty dans toute sa carrière, <laughs> tu vois ce que je veux dire <laughs> Et il loupe celui-là. Donc, en, fait, en rigolant, je disais à Jens Lehmann, qui était le gardien, j'ai dit, t'as jamais été un grand gardien, mais au sein de la communauté d'Arsenal, grâce à moi, t'es le super héros qui nous amène en finale, <laughs> tu vois Je lui dis ça, il rigolait. Je dis, t'as jamais été un grand gardien, mais grâce à moi, tu vois, t'es la as légende du à, club. T'as dû avoir envie de mourir quand tu Quoi as le penalty. Quand il y a le penalty, en fait, je saute à la tête comme ça et je vois le joueur là, mais en fait, je fais tête, il tombe penalty Et là, en fait, tu, tu, tu sais que ça ne sert à rien de discuter à l'arbitre. À l'époque, il n'y a pas VAR, il n'y a rien. Et en fait, tu, 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 tu pries juste, en fait, tu vois. Tu, tu, tes orteils, tu, vois, tu pries, tu dis, <laughs> s'il te plaît, il ne faut pas qu'il m'aide. Et puis, en plus, lui, il s'élance, il tire, il loupe, et puis on va en finale. Et puis, et puis très bien. Mais euh, ouais, retour triomphant, surtout par rapport à ça, parce que, tu vois, on parle de, de moments qui peuvent. Euh, qui peuvent changer faire. une carrière ou quoi. Voilà. Tu vois, à ce moment-là, je ne te dis pas que ça, ça peut tuer ma carrière, mais en fait, si tu es le joueur qui concède le penalty et qu'après, tu te fais sortir. Ah, on en a vu des joueurs en équipe de France qui concèdent un penalty et en fait, il n'est plus jamais revenu à l'époque des, mmh. des, des années 90, là. Donc, euh, donc es conscient de ça et au final, ça se passe très bien. Et puis, euh, voilà, la petite étoile, elle a toujours été, elle a toujours été là, quoi. En plus, euh, comme tu le disais, ce Villarreal, c'était fort. C'était l'époque où ils avaient, je me rappelle, je crois un sponsor, Aeropuerto euh, de ça, la, la ça. ville là C'était euh, Riquelme mais c'était Diego Forlan Marcos Senna. Ça. Si je dis pas ça. de bêtises. Ça, ouais. au milieu, il ouais. euh, non, Roberto Il, il est, est parti il après. Y va après. Ouais. Et ouais, ouais, c'était quand même très gros. C'était une très belle équipe et puis c'est surtout une équipe qui nous a mené sur le match retour. Et s'il marque là dans les prolongations, on est on est mort quoi. Donc, euh, ouais, retour triomphant. Ouais. Le bon retour triomphant. Au final, euh, sur euh, <laughs> la finale pure, euh, tu ne la disputes pas. Est-ce que c'est frustrant depuis le vent C'est frustrant. Parce Comment que... se passe la préparation d'ailleurs ben, en fait, tu... ben en fait, moi, à ce moment-là, donc je joue euh, je joue les... Ouais, les... les six dernières semaines avec mon problème au pied qui revient en fait. Au métatart. Donc en fait, je, je me suis fait opérer déjà deux fois. Avec la vie, c'est tout. Voilà. Et là, j'ai toujours mal. Et donc en fait, avec, maintenant, avec le recul, c'est parce que mon os n'avait pas consolidé. En fait, je jouais sur la pointe des pieds. Donc en fait, moi, on fait cette période-là. Est-ce que je peux tenir Arsène, il me demande, est-ce que tu peux tenir Tu vois, est-ce que H l'école, il, il revient à peine aussi Donc en fait, il y a Mathieu, il y a H l'école, et il y a toi. Donc on va avoir besoin des trois. Bien sûr, on va en finale, bien sûr que je joue sur la pointe des pieds. Et on fait. Donc en fait, tu pas frustré parce que tu sais très bien que si H la veille du match ou même le matin du match, il dit c'est bon, je suis apte à jouer, il va jouer. Donc ça, il n'y a pas de frustration euh, jamais à ce niveau-là. Après, tu es frustré parce que c'est à Paris. C'est devant ta famille, c'est une finale des champions et tu sais que c'est très rare, ça bah oui, pas ça tout le, pas le temps. Souvent, ouais. Et puis surtout c'est l'évolution du match en fait, on se fait sortir, il y a un joueur qui se fait qui se fait expulser, on mène un zéro, puis après tu veux quand même tenir le score et tu dis peut-être à ce moment-là, je suis peut-être un profil qui peut être intéressant. Tu vois, H l'école, moi je me mets devant lui, on barricade un petit peu ce côté droit, tu vois, et puis après quand tu vois l'évolution du score, il marque sur le côté droit avec Belletti qui frappe. Ouais. Donc moi dans ma tête en tant que jeune, je me dis ah peut-être que j'aurais pu apporter quelque chose bluff, tu vois, peut-être pas, mais c'est frustrant par rapport à l'évolution du score et tu te dis, ouais, bah, bah, en fait, j'ai loupé une finale Ligue des Champions, euh, j'aurais pu en tout cas prendre part à ça, et puis après, bah, tu, tu te fais sortir, tu la gagnes pas, et c'est triste au final, quoi. Avec euh, cette fameuse affaire du rouge de Lehman, la sortie euh, de, de Pires, etc., euh, y a Robert, il en parlait il y a peu avec Tony Chaperon dans un reportage Canal, comment est-ce que toi tu vis cette situation euh, et, et ce match au global bah, Je pense que lui, en fait, il est... Euh Triste et déçu par rapport à tout ce qu'il a pu apporter au club et la relation qu'il a même avec le, avec le coach. Mais si on est honnête, aux yeux des gens... S'il y a un changement à faire, je pense que la majorité aurait fait celui-là. Pourquoi Parce que juste Robert, ce n'était pas le joueur qui défendait le plus. Mmh. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas fait les efforts sur, ces, sur, sur cette performance-là, sur ce match-là. Mais effectivement, ce n'est pas le joueur le plus... Il n'est pas connu pour ce volume défensif. Voilà, donc en fait, euh, c'est assez rapide. Euh, oui, tu peux euh, éventuellement dire qu'il y avait peut-être des joueurs à sortir avant lui. Euh, tu peux débattre. Mais si tu regardes, tu te dis peut-être que, oui, peut que sur un plan défensif... Tu t'assures quelque chose de plus solide si tu le fais sortir. Ça a pas payé puisqu'au final on, on, on gagne pas. Mais, mais je peux imaginer que de son côté, ouais, c'est très euh, pas violent, mais c'est très c'est très difficile parce que tu sais qu'au final, une Ligue des Champions, à moins que tu sois au, au Barça de Guardiola ou à Madrid, tu sais que tu peux en jouer une fois, une finale, la jouer une fois et puis peut-être plus jamais quoi. Et puis ça, ça a été le cas. Ça aurait complètement changé la face d'Arsenal si vous l'aviez prise. Bah je pense qu'en fait c'est un tournant pour le club. Euh, après ça, après ce match là, c'est. Euh Ouais, un processus de nouvelle génération qui arrive, le stade qui commence à être discuté, le nouveau stade, l'Emirates, euh, le départ de certains cadres, parce qu'au final, euh, même s'ils aiment le club et que euh, et qu'ils espèrent, tu te dis en fait on l'a loupé, j'arrive à un certain âge, je veux la gagner et tu tentes ailleurs bah, et comme en fait, Thierry au Barça voilà comme Thierry au Barça il y a Patrick qui est parti Thierry est parti Sol Campbell est parti et puis il y a vraiment eu un, un, pas un nettoyage parce que c'est pas le mot c'est pas ça mais il y a vraiment eu un changement d'effectif euh, sur les années qui ont suivi parce que c'est parce que le football qui veut ça ça va vite et puis à un moment donné il y a un renouvellement d'effectif quoi en parlant de départ à l'été 2006 c'est un petit tournant pour toi parce que Ashley Cole rejoint Chelsea ce qui te laisse le champ libre un peu sur le flanc gauche il y a une discussion avec Arsène en amont de la saison pour se dire que tu étais titulaire, est-ce qu'ils allaient ramener quelqu'un sachant que tu démarrais la saison blessée à ce moment-là Ouais, c'est ça. En fait, tu te, tu te demandes, tu ne discutes pas parce qu'en fait, même si tu discutes, en fait, c'est la c'est la décision du, du club et du coach, mais il m'a dit clairement on va faire il y aura l'échange avec Galas et vu que Galas était habitué à jouer arrière gauche à Chelsea, il m'a dit on va faire venir personne. Euh, ça sera lui dans un premier temps, et puis quand tu quand es, bon. quand es prêt, lui passera dans l'axe avec, euh, je crois que c'était Colo, il ouais, y a eu Colo au début, après il y a eu Vermalen. et il a dit c'est toi qui prendras la place si tu reviens bien. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé, et les 4-5 premiers matchs, c'est William qui a joué là. Au final, c'était tant mieux, parce que des fois, tu vois, quand tu fais venir un, pour moi, si tu fais venir un latéral et qu'il performe... Il n'y a aucune raison de le sortir. Là, tu faisais jouer un central qui quittait Chelsea parce qu'il voulait jouer central et non plus latéral. Et donc, il, il, il dépanne vite. Voilà, il mais... dépanne. Voilà. Donc, c'était le plan parfait. Et encore une fois, Arsène m'avait toujours annoncé ça. Donc Et puis après, c'est une saison qui se passe comme elle se passe. Et elle se passe. Euh... Ouais, c'est une saison pleine, quoi. Ouais, j'ai noté pleine pour toi. 40 matchs, toutes compétitions confondues. Mais malheureusement, pas de titre. Quatrième de PL et défaite en finale de Cup. Ouais. Ouais, c'est dur parce qu'en fait, tu, tu réalises que c'est beaucoup d'heures de travail, que c'est euh, un désir, tu vois, une soif de de, de de remporter quelque chose pour le club qui te fait vibrer en fait. Maintenant, ça fait euh, six, six ans que je suis là-bas. Et en fait, tu te rends compte que, que le club prend beaucoup plus de place que presque ta famille, j'ai envie de te dire. Donc, tu as envie de rendre un petit peu euh, ce, cette confiance que le club a eu en toi pour les fans euh, à ce moment-là moi je suis clairement dans le, dans le, dans le discours euh, j'aimerais terminer ma carrière à Arsenal, Arsenal ouais, logique c'est le club des Français euh, même si ça a un petit peu changé aujourd'hui mais à l'époque c'est vraiment le club des Français et donc euh, donc c'est une saison pleine personnellement mais comme je t'ai dit j'ai jamais été le joueur tu vois qui euh, qui se faisait passer avant le groupe donc en fait moi ça a toujours été une déception et même si j'avais été performant et j'avais été très bon dans cette période là je me dis, pff, tu vois, c'est un goût amer parce que, parce que j'aurais préféré être deux fois moins bon et puis, euh, et puis rapporter quelque chose. Et, et, et ouais. C'est sincère. Et, et c'est ce qui est frustrant dans le foot parce que des fois, euh, tu peux avoir un gars qui bosse pas et qui va, avoir, euh, qui va être mis en avant parce que c'est un joueur talentueux. Et puis tu as les joueurs, peut-être, moi souvent l'exemple que je prends, c'est des joueurs comme Bakari Sanya, euh, exemplaire, qui ne loupe pas d'entraînement, qui est performant t'aimerais les voir un peu plus mis en avant, euh, en avant ouais. et puis t'aimerais que ces joueurs-là récupèrent des, des, des trophées parce que parce que, parce que ils se donnent à fond quoi, tu vois donc c'est un petit peu le truc quoi parmi ces jeunes d'arsenal c'est aussi une époque où un commence à ressortir plus particulièrement c'est fabregas ouais. Il était si fort que ça parce que vraiment moi ouais. bon, à l'époque, il faut voir comment on en faisait pas la promotion mais comment il était annoncé comme vraiment ouais. un joueur de fou et au final il aurait en fait quand même une très bonne carrière mais Non non coup. non, il était il était il était en avance sur sur tout le monde et euh, et c'était un football qui allait pour ses qualités. Aujourd'hui, je pense que le même joueur qui arrive aujourd'hui, ouais. le football est devenu un peu plus athlétique ouais. euh, même si tu es très bon, il faut quand même exécuter rapidement. Il faut que tu arrives à couvrir un certain nombre de, de, de kilomètres et à faire quelques, quelques kilomètres. Et ça a jamais été son point fort. Donc, je pense qu'il aurait toujours une carrière exceptionnelle parce qu'en fait, c'est un joueur qui est au-delà du niveau demandé. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, il est dans son jardin. Le club, tu vois, de suite, on fait partir Vira. C'est pour lui faire la place, pour qu'il pour qu soit le, le gars. Très rapidement, on lui donne le brassard. Donc, en fait, quand je te disais tout à l'heure, tu vois, tu pousses des joueurs. Il a été poussé avec les deux mains pour, pour, ah, de être, pour être le joueur qui, qui fait briller l'équipe. Donc, euh, avec sa qualité et puis cette envie du club de, de, de le mettre en avant, c'est normal qu'il ait, qu ait fait ce qu'il a fait à, à Arsenal. Même si, au final, il remporte euh, pas grand-chose à Arsenal. Quoi. Il y avait cette finale de Cup perdue dont, perdu, dont on a parlé pardon, contre Chelsea. T'as pas disputé le match, mais il y a forcément une grosse déception. Vous ouvrez le score et après tu dis Drogma met un doublé, dont un but à la toute fin, mmh. à la 84e minute. À quel point c'était frustrant de vivre une deuxième défaite en finale en deux années, même n'était si pas à la LDC cette fois. Ben là en fait tu sais c'est cette période où en fait le, le, la très grande qualité de, de une des qualités parce qu'il en a il en a beaucoup mais c'est qu'en fait il avait tellement confiance en ses jeunes joueurs que. Tu vois, pour une finale, tu as des coachs qui auraient pu dire, OK, on va changer un peu l'effectif, on va mettre des cadres, on va passer une finale, quoi. Et lui il décide de continuer avec ses jeunes joueurs et continue parce qu'il leur fait confiance, il, ouais, vous il, il... Tient... Voilà, c'est vous qui m'avez amené, euh, qui, qui amené en finale, c'est vous qui devez soulever le, 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 la... le trophée, ouais. Et au final, tu te dis, tu vois, quand Drogba, Lampard, Terry, ces joueurs-là, c'est des mecs, c'est des... Ah, ils ont tourné déjà dans le, dans le milieu, ils savent comment gagner des trophées. Et quand on parle d'expérience pour te faire passer le bras et puis et puis soulever la coupe. Au final, il y a pas de secret en fait. Tu vois, tu prends Leicester, ce n'est pas une équipe lambda quand ils sont champions. Tu vois, tu as, euh, as deux joueurs potentiels dans les années qui arrivent qui et sont oui. dans la liste des ballons d'or. Un oui. attaquant qui passe la barre des 100 buts en première ligue, euh, Cambiasso. Tu vois, c'est pas une équipe... Tout le monde dit Leicester, mais non, c'est une équipe qui était faite pour avoir de la performance. Peut-être pas pour gagner le titre, c'est sûr, mais quand tu regardes, il y avait quelque chose de, 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 de concret. Nous, on était peut-être un peu trop... Immature à ce moment-là. Ouais, c'était les, les baby boys quoi. Ouais, c'était tout ça, le temps ça. C'était ça. Mais tu sais, en Angleterre, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de clubs, beaucoup d'équipes, beaucoup de joueurs, parce que je suis resté en contact avec beaucoup, qui disaient en fait que, en fait, on était, on était un club, on était des joueurs, des spoils babies. Tu vois. Donc en fait, ça veut dire en fait, vous avez, vous avez les rien gâtés, prouvé, Mais gâtés. à 25 ans, vous avez déjà 50, 60 matchs de Ligue des Champions. Tu vois. Et quand tu penses à ça, en fait, tu te dis, c'est pas faux. Tu vois. On a quelqu'un en fait qui nous pousse, Arsène Wenger, qui nous donnait beaucoup d'expérience, de, 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 de confiance. Est-ce que c'est mérité au final Tu vois ce que je veux dire Je comprends. Monsieur Gaël Clichy est venu avec le maillot que vous voyez dans le fond, c'est du cerveau de Genève, mais pas seulement. Il est venu avec un petit cadeau des chouquettes. Vu que je peux maintenant manger gentiment et sahavtourkom à tous ceux qui écoutent euh, cette émission. J'ai pensé, pensé à toi. Non, t'as pensé à moi. L'attention m'a touché. Donc, du coup, je voulais quand même la mettre en avant. T'es vraiment quelqu'un de génial. Avec plaisir. avec plaisir. Merci beaucoup. On va cette petite chouquette avec, euh, avec le kiff. Mais juste avant, question forcément. La saison 2007-2008, on ne te parle plus vraiment de blessures. 38 matchs de première League sur 38, 35 fois 90 minutes, donc là, t'en vois. Tu même élu meilleur latéral gauche du championnat anglais par tes pairs. D'un point de vue individuel, est-ce que tu penses que tu commences à arriver à maturité à ce moment-là Ouais, c'est une très bonne question parce que tu vois, les gens, ils disent souvent que quand arrives à 27-29 ans, c'est un peu le pic, tu vois, et c'est là où t'es en pleine forme. Moi, j'ai vraiment senti que quand j'étais plus jeune, c'était là où vraiment, tu vois, les efforts, étaient, les efforts physiques étaient faciles. Moi, j'étais comme un, tu vois, une éponge. Donc, en fait, tout ce que tu me dis, je prends. Euh, chaque expérience qui peut être euh, faite, euh, que ce soit par un entraînement, un match ou même une discussion avec un ancien, euh, je la prends et elle me sert. Et donc, moi, je pense que vraiment, euh, un peu avant 27-29 ans, c'est là où je joue mon meilleur football. Bah ouais, t'as compris. Voilà. Et euh, après, c'est vrai qu'il y a la période à City où là, on, a, on risque d'en parler, où c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que cette période-là, moi, je me sens... Euh, Ouais, tu as, as toujours une saison dans une, dans une carrière où en fait tu joues euh, peut-être au-delà de tes capacités normales. Et je pense que moi, dans cette période-là, c'est peut-être. On avait une équipe de fou furieux en plus. on bah avait oui. Que des jeunes. Euh, manque d'expérience encore une fois, mais on avait une équipe de fou furieux. Si tu regardes les noms qu'il y avait, c'était Rosiski c'était Leb, c'était Fabregas c'était Diaby. 2007-2008, ouais. c'est quand vous sortez contre ouais. Manchester ouais, United, ouais. non C'était lourd. Il y avait Samir, il y avait. Non, c'était incroyable, quoi. Donc, euh, frustrant parce que tu te dis avec cette qualité-là. Je me rappelle quand je signe à City, Mancini, il me dit Mais Gaël, qu'est-ce qu'ils ont fait Arsenal, en fait Et je comprends pas. Je dis Comment ça Il me dit Vous étiez à deux joueurs pour dominer la première ligue sur les dix prochaines années. Il m'a dit, si vous avez un, un Vincent Compagnie et un Yaya Touré, vous dominez la première ligue sur les dix prochaines années. Tu vois, il me dit ça presque en rigolant, en me disant, je ne comprends pas comment il te laisse partir, comment il laisse partir. Parce qu'avec toi, il y avait toi, il y avait... Il ouais, y, avait... ouais, y avait tous ces joueurs-là, tu vois. Et donc, il me dit, vous êtes à deux joueurs pour moi de dominer les dix prochaines années. Tu vois, comment ça se joue à pas grand-chose oh Mais à ce moment-là, il y, 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 y a le crédit du stade, de l'Emirates, il n'y a pas d'argent, tu ne peux pas dépenser. Euh, les fameux clubs qui peuvent pas <laughs> investir pendant quelques temps voilà, quand le stade ouvre. Ouais. <laughs> <On rire> <t> <laughs> D'ailleurs, merci de la correction les amis dans le chat. Servette FC par Servette Genève. Désolé. C'est comme Real bêtise. pas Betis Séville. Tu peux continuer. Ouais ils sont pointillés sur ça. Ils ont raison. Ouais ils ont raison raison. Mais euh, ouais donc euh, donc donc voilà tu te dis en fait que frustrant parce que c'est une équipe de fou furieux et au final on n'a pas on n'a pas, pas bonifié en fait cette génération qui aurait dû, peu importe ce qu'on aurait dû gagner, mais qui aurait pu et qui aurait dû gagner quelque chose. C'est quand même ouf parce qu'on n'a pas trop parlé à ce moment-là de Ligue des Champions. Tu l'as découvert également là-bas, la Coupe d'Europe, etc. Cette confrontation face à Manchester United, on s'en rappelle tous, notamment avec le coup franc magnifique ouais. de CR7, de loin, des matchs à haute intensité. Manchester United qui prend derrière la LDC cette année-là. C'était comment la confrontation face à eux en LDC ben Moi, je suis blessé à, à ce moment-là. Moi, je suis blessé et du coup, c'est un jeune qui joue, un jeune anglais qui joue à ma place et, et pour le coup, bon, un peu, un peu pour lui parce qu'il glisse sur le but, tu vois, le premier but, et tout ça, le coup franc, je crois que c'est un ah, peu oui, lui, c'est Ah ouais, oui, le premier but, oui. il glisse. Mais en fait, c'est, on, on avait rarement vu un Emirates Stadium si chaud en fait pour ce match-là. Et en fait, bah t'as Ronaldo qui fait, un, qui frappe un coup franc de 40 mètres, je crois. Alors, le gardien, il peut faire mieux, mais c'est vrai qu'en fait, il éteint le stade. Tu vois, il met une clim, mais instantanée, quoi. C'est Almunia à ce moment-là Ouais, c'est Manu, ouais, c'est Manu. Oh là Manu. là, passe bastard ouais, ouais. Il peut faire RC. mieux, tu vois, il peut faire mieux, mais c'est vrai qu'en fait, tu. Et c'est là, encore une fois, tu dis, tu vois, leur équipe, c'était des Vidic, Ferdinand, c'était des Geeks, tu vois, c'était, je crois, je sais pas si Garin est toujours là. Ouais, du du Briska ouais, rouné Tevez, tu vois. Au final, avec du recul, est-ce que vraiment, on aurait pu faire mieux on aurait, espéré, on, aurait, on aurait espéré faire mieux, mais au final, ils avaient vraiment tous les ingrédients. Nous, il nous manquait peut-être deux, trois pièces qui auraient pu nous faire passer ce cap-là. Et puis, ben, ça n'a jamais, jamais été le cas. Quoi. Mais quelle équipe qu'ils avaient à ce moment-là Et puis, ben, pour le coup, ils soulèvent la la Ligue la, des la, 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 Champions cette année-là. quoi. Cette saison, vous étiez aussi à la lutte pour le titre en première ligue. Mais malheureusement, vous perdez les matchs retour contre Chelsea et Manchester United qui finiront deux et 4 points devant vous. Ces deux matchs dans lesquels vous ouvrez le score, mais vous ne venez pas à conserver l'avance. Est-ce que tu t'en souviens en particulier de ces matchs-là ou pas du tout Tu t'en souviens. Tu t'en souviens. Pourquoi Parce que tu vois, tu as, as cette montée d'adrénaline en fait quand tu, as, quand tu abordes ces, ces, ces rendez-vous-là. Et en fait, le fait de prendre l'avantage, ça montre pas qu'on était meilleur parce que c'est pas du tout le cas, mais ça montre qu'on avait un potentiel qui était. Quand je dis des, une équipe de furieux, c'était vraiment ça en fait. Quand tu regardes leurs effectifs ces années-là des Effectifs qui sont euh, deux fois supérieurs à nous en termes d'expérience, en termes de, de, de ce que ça représente financièrement, euh, l'investissement qu'ils ont pu avoir. Euh, ça fait quelques années qu'ils jouent tous ensemble, donc tu te rends compte qu'en fait, ben, tous les ingrédients que tu dois avoir pour avoir du succès, à ce moment-là, ces équipes-là, elles l'ont quoi. Et donc nous, on est là, et peut-être que tu vois, je te dis une bêtise, mais peut-être qu'à 1-0, au lieu de de temporiser, d'avoir, tu vois, d'arriver à mettre le pied sur le ballon. Nous, on était un petit peu tout foufou, quoi, tu vois. On, on était tellement confiants. On avait un gars derrière nous, tu vois, le, le, le père, en fait, qui nous dit, les gars, allez-y, je vous fais confiance, mangez toute la scène européenne. Ouais, tactiquement, ouais. il vous a, quoi, vraiment à ouais. attaquer très souvent. Voilà, c'était vraiment ça, quoi, tu vois. Et donc, nous, on est dans ce truc-là, on est dans ce. C'est presque un faux rythme parce qu'en fait, c'est un rythme qui est trop élevé et à un moment donné, il faut savoir casser le match. Il faut savoir être un petit peu vicieux. malin, vicieux, faire tu vois. De faire tout à l'heure, je te disais, c'était des balacs, c'était, tu vois, des, des gars qui tu vois, des Rounet des, 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 des Ferdinand des... on n'avait pas ces joueurs-là, on n'avait pas cette expérience-là, et peut-être que c'est ce qui nous fait défaut, parce qu'au final, quand tu dis euh, 4 points pour, 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 un, pour un trophée, bah, tu es vraiment pas loin, quoi. En parallèle, tu as connu tes premières sélections en équipe de France, tu es appelé pour la première fois en janvier, justement, 2008, mais euh, tu porteras le maillot bleu qu'en septembre de cette même année, comment est-ce que tu as appris ta première convocation ben la première, en fait, elle était, euh, je me rappelle, à l'Euro 2008, tu sais, on parlait déjà de moi parce que j'avais fait une belle saison, mais je n'étais pas encore vraiment légitime. Tu vois, et et c'est la différence du football d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux avoir un joueur qui va faire si belle performance, boum, il va monter de suite. Nous, à l'époque, et l'époque avant moi, c'était encore, encore plus, plus difficile. C'était difficile, ouais. difficile de monter. Ouais, à l'époque, c'était, tu vois, à l'époque, euh, tu vois, quand je parlais avec Thierry, il me disait qu'il fallait qu'il confirme. Tu vois, la confirmation, ce n'était pas sur un an ou sur six mois, c'était une confirmation sur, sur trois ans. Quoi. Tu dois confirmer. La confirmation de la confirmation pour euh, éventuellement toucher au, au, au top niveau. Oh, ah ouais. Moi, c'était un petit peu le même cas. C'est-à-dire en fait, tu peux être performant. Il y avait des joueurs qui étaient peut-être meilleurs que moi, qui étaient à ce moment-là dans les meilleurs clubs en, en Europe. Il n'y a aucune légitimité de ma part de me dire l'Euro le, 2008, je vais faire. Et puis après, plus le temps passe, plus tu commences à te dire, ok, la prochaine, ok, la prochaine, ok. Et puis quand elle arrive, ben, c'est un soulagement parce que il y a rien de plus fort que représenter ton pays il n'y a rien de plus fort et c'est quelque chose qui euh, mais même en moins de 15 hein, même quand j'ai représenté l'équipe de France à moins de 15 c'était quelque chose de très lourd de, de une grosse fierté et j'ai fait moins de 15 jusqu'au jusqu A donc euh, donc ouais cette première sélection tu l'attends moi je l'ai attendu depuis longtemps c'est pas elle est pas arrivée genre euh, la surprise du chef bah oui le cliché moi c'est quelque chose qui a été voilà, ça m'a ça a été retardé 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 et quelque part j'ai envie de dire que ma première c'est un peu presque pff, Enfin. Ouais, enfin quoi, tu vois, enfin, en mais, euh, mais un bonheur, un bonheur, un bonheur de fou quoi. Mais toi qui étais dans l'équipe type de l'année de PL, on en a parlé en fin de saison, ta non-sélection pour l'Euro, c'était une surprise Non, 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 parce que c'est ce que je te dis, au final, tu, tu... peut-être c'est moi aussi, peut-être c'est ma façon de voir les choses, tu vois, il y a… Euh... Tu vois, pour moi aujourd'hui, regarde, c'est un peu l'exemple que je vais te donner, aujourd'hui, euh, on a perdu un petit peu, tu vois, les, les joueurs touchent plus vraiment les, non plus vraiment les pieds sur terre parce que… Grâce aux réseaux sociaux ou à cause des réseaux sociaux, tu peux avoir un jeune joueur qui va avoir 3 millions de followers. Tu vois C'est vrai. Ce nombre de personnes qui te suivent, à l'époque, c'était réservé pour des euh, Tiger Woods, Michael Jordan, euh, les Beatles, euh, Michael Jackson. Tu vois Donc, c'était de, de vraies légendes. Aujourd'hui, en fait, tu es dans, une, dans, dans, dans un monde où tu peux avoir 6 millions de followers, mais pas parce que les gens ne viennent pas te voir jouer. Moi, j'ai toujours été conscient quand j'étais à highbury, par exemple, ou à, ou à l'Emirate, surtout à highbury quand en fait, les gens, ils ne venaient pas voir Gaël Clichy, en fait. Ils venaient voir Thierry Henry. Aujourd'hui, la jeunesse, parce que tu as 3 millions, 4 millions, elle pense qu'elle est dans la cour des grands. Je ne dis pas qu'ils le sont ou qu'ils ne le sont pas, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'en fait, c'est un peu faussé. Et je pense que moi, à ce moment-là, je suis très conscient. Je sais ce que je fais. Je sais que je mérite, bah ouais. peut-être. Mais je sais que si je ne suis pas pris, c'est totalement logique. quoi. Il y a peut-être d'autres joueurs qui, aujourd'hui, un joueur va dire. Euh, peut-être, ben, son agent va faire un article dans la presse en disant. Euh, mon Joueur, ça fait six, six mois qu'il joue. Ah, moi je suis pas comme ça. Il faut travailler, il faut que tu gagnes ta place. Et demain, si je suis entraîneur, bien entendu, si tu as un crack comme Warren, euh, bah, c'est un crack. Et c'est peut-être un talent générationnel, tu vois. Mais il n'y en a qu'un talent générationnel, tu vois. Il n'y en a pas dix, en fait. Donc il y aura lui. Bah, c'est le principe même, c'est la définition. Euh, voilà, <laughs> c'est la définition du, <laughs> du truc, quoi, tu vois. Donc en fait, il bah, y aura lui. Et puis après, les autres, les mecs, euh, s'il y a un blessé, tu vas venir. Si tu es performant, tu vas venir. Mais tu vas toucher, puis tu vas repartir. Et je pense que c'est comme ça que tu construis de, de vrais. Euh, pas des bonhommes, c'est pas ça, mais je quand de vrais footballeur en fait. Quelqu'un a dit dans le chat Garnacho par exemple 9 millions de followers sur Insta, ça va vite. Ben donc, ouais. Garnacho en plus il est fort, hein, c'est même pas la question. Ouais, c'est que... exactement ça en fait, tu vois. Et aujourd'hui en fait ce joueur-là tu le prends, il sera peut-être très très bon dans dans, 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 dans cinq ans. Mais aujourd'hui euh, 9 millions, c'était à l'époque Thierry Henry, Patrick oui. Vieira, Wayne Roy, ouais. tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Il en est pas là et pourtant donc bon, c'est c'est la vie d'aujourd'hui, mais je pense que ça force aussi un petit peu le euh, de savoir de tauto évalué en fait tu vois tu, tu travailles aussi avec les espoirs on en parlera plus en détail un tout petit peu après mais du coup tu as parlé de Zairebri. donc euh, lui il a vraiment sauté ouais, les ouais. étapes jusqu'à arriver en A ça t'a étonné ou alors c'était logique pour toi non tu l'as vu direct ouais ouais tu le vois tu le vois parce que il fait rien d'exceptionnel hein. il fait rien d'exceptionnel c'est pas le joueur qui va prendre le ballon et qui va dribbler euh... mais en fait tout ce qu'il fait c'est juste et à 17 ans faire ça c'est genre tu t'es tu, obligé en fait de lui montrer que et puis en plus moi en tant que coach aujourd'hui c'est ce type de joueur que tu as envie de mettre en avant parce que parce que c'est pas c'est pas c'est pas le strass et les paillettes quoi, tu, ouais. vois tu vois. le mec il arrive, je te donne un exemple, mais par exemple on arrive à la première séance d'entraînement avec les espoirs, il a joué la veille donc c'est un décrassage, le lendemain de match, il a juste un footing de 12 minutes à faire avec le groupe parce qu'on doit donner des images à, à la presse. Le gars il arrive en vissé. Il arrive en vissé et Thierry lui dit euh, "Mais tu sais que tu fais que tu fais que 12 minutes." Et il dit euh, "Ouais mais dès que je monte sur un terrain de foot, je suis en vissé en fait." Ça veut rien dire, c'est pas pour ça que tu vas mais mais comment mentalité. Mais quand voilà, c'est une mentalité que tu n'as pas partout. Et puis après, il y a deux trois situations quand on fait des premiers matchs, on joue les deux premiers matchs, il euh, y a deux trois situations que tu relèves que le grand public va pas relever parce qu'en fait, c'est pas quelque chose de waouh, tu vois, c'est pas le waouh moment, tu vois. Mais il fait un truc, et il nous garde dans le match à 0-0. Ouais. Tu vois, donc en fait, il est en position. Il n'est pas il est pas attiré par le ballon pour aller marquer le but parce qu'en fait, il y a 0-0 et il faut que je sois le gars qui marque. Il est en position, il y a un contre, il fait un check comme ça, il voit l'ailier opposé qui truc, et tu le vois, il se tourne, il baisse la tête, un sprint de 60 mètres, centre à ras de terre. S'il ne revient pas, il y a but. Il y a but, il revient, il dégage un corner. C'est un truc trop basique. Mais à je la, te à garantis la, à la télé ils l'ont pas vu. Mais vous, bon, direct, direct. Mais direct parce qu'en fait c'est ça qui fait que Warren est Warren en fait. Et puis après il a des qualités bien entendu de, de, de joueur et sa qualité de joueur elle, elle est là. Mais ça c'est quelque chose que à cet âge-là il était capitaine des espoirs à ce match-là. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui, qui, qui auraient pu euh, se comporter de cette manière. Oh là là. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc rapidement, Didier vous a appelé, vous a bah, dit direct, direct. on a terminé le <laughs> rassemblement, on s'est dit, bon les gars, lui, on l'oublie pour le prochain, le mois prochain on l'aura pas, et puis ça a pas manqué, il est pas, il, il est pas revenu, quoi. Ah, magnifique. En retournant justement un peu sur la fin d'Arsenal, après on va discuter aussi de Manchester City. Lors de ces enfin, tes dernières saisons sont pleines malgré une petite blessure en 2009-2010. Des saisons qui sont aussi marquées par quelqu'un que j'ai reçu dans cette émission, Samir Nasri, justement. Comment est-ce que tu as vu son arrivée à Arsenal de l'intérieur? Est-ce que tu te revoyais un peu à travers lui? Ça se passait comment, justement, vos rapports? Ben moi, ça faisait déjà quelques temps que j'étais là. Et puis, euh, mon premier Noël à Londres, je le fais chez Patrick Viera, en fait. Donc, on est un lendemain de match, et puis il me dit Ouais, Gaël, tu fais quoi pour Noël On était à l'approche de Noël, et je dis Bah, rien, je suis avec ma petite soeur et ma cousine, et on va rester à la maison, tu vois. Il me dit Bah, vous voulez venir chez nous Tu veux venir chez moi Et ça, je dis Bah, franchement, je ne veux pas déranger. Il me dit Non, non, viens, viens. Donc, j'étais chez lui, ils nous a offert des cadeaux. En fait, ça m'a marqué, et puis à chaque fois qu'il y avait un joueur avec qui j'avais une connexion, parce qu'il y en a que j'ai pas calculé, on est d'accord, hein. je ne suis pas genre le gars qui accueille tout le monde, mais c'est vrai qu'avec Samir, de suite parce qu'il était français, il y a eu cette petite relation, et puis en plus il jouait aussi à gauche, et puis on a passé, du, on a passé des moments sympas, donc euh, je ne vais pas dire que je l'ai pris avec moi, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais euh, Samir, c'est un peu le même genre de gars que, que Thierry, que Nico en est le cas aussi, c'est des gars qui sont mal compris en fait, et on ne les connaît pas, et en fait comme on ne les connaît pas, on a envie de leur coller une étiquette. C'est un mec qui est super intelligent, qui est super euh, intéressant. Ouais. C'est vrai que dès qu'il y a du monde, en fait, ben, il peut changer un petit peu parce qu'il a, il a, il a, il a, il, il aime discuter, il aime être présent dans un groupe. Mais en tant que, en tant que personne, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui avec qui tu peux discuter de tout et de rien. Et puis, euh, c'est une encyclopédie du football, le mec. Donc, en fait, euh, ouais Thierry, Nico, euh, Samir, il y en a d'autres, hein, ce n'est pas les seuls. Pour moi, c'est les mal compris du football français. Quoi. Et en France, on est, on est quand même des champions à dévaloriser nos champions et ça c'est et ça c'est très dommage mais ça c'est quelque chose qui va avec notre façon d'être le français en général et, et c'est vrai qu'il a eu ses torts il a, il, il a fait des choses euh, mais tout peut être expliqué en fait mmh. donc euh, peut-être que son geste est fait parce que il euh, euh, y a quelques mois il y a quelque chose qui a été dit contre lui et qu'il n'a pas accepté on a tous un passé on a tous une façon un, on a tous grandi différemment et on réagit tous différemment mais un homme en or un mec en or et euh, ouais c'est défaut mais moi c'est quelqu'un avec qui j'ai pris énormément de plaisir à, à passer du temps quoi. Avant euh, de parler de tour départ d'Arsenal je voulais parler de deux derniers joueurs entre guillemets une un, hein, que le chat demande, pardon. Monsieur, ah. Monsieur Abou Diaby. Oh. Abou... On entend tout le temps quel gâchis, si les blessures ah. l'avaient laissé, si son corps avait pu suivre si machin, si truc. Toi, qui t'es entraîné avec lui, qui as joué Regarde. avec lui, qui l'a connu de très près, plus que n'importe qui ici. Regarde, je vais te dire un Comment truc, je vais peut-être me faire des ennemis. Et je vais surtout pas donner de nom, mais bien entendu, ce que je vais dire, bon, c'est facile de faire les liens. Si Abou Dhabi ne se blesse pas, il y a des joueurs qu'on n'aurait jamais vus en sélection. Oh. Si Abu Dhabi ne se blesse pas, il y a des joueurs qu'on n'aurait jamais vus en sélection. Terminé. Il était si fort que ça Non, il n'était pas si fort que ça. Ça veut dire qu'en fait, Abu Dhabi, t'as aimé la Sanadiara Diara T'as aimé Patrick Vera Ouais. C'était ces deux joueurs en oh un. <laughs> et ça, je te parle d'un joueur qui arrive d'Auxerre, qui, qui connaît rien au football euh, Oui, de très première ligue, niveau, ouais. tu vois. Il connaît rien et c'est un joueur qui se blesse et qui revient et qui, qui performe et qui se blesse. et qui s'il ne se blesse pas, il y a des joueurs qui n'auraient pas eu de carrière en équipe de France. Oh là là. Très simplement. La façon dont les gens en parlent, ça me met c des frissons. Moi, il y a pas beaucoup de joueurs comme ça. Tu vois, il y a... Jérémy dire il était comme ça aussi euh, parce qu'il était vraiment très talentueux. Mais Abou, c'était... Euh... Ça ne sert à rien de, de, de... Ça sert à rien de... Dis... Laurent Blanc, pour le championnat d'Europe, Abou, il est blessé toute l'année. Mm. Il dit, s'il joue le dernier match de championnat... Je le prends. C'est terminé <laughs> Le président qui dit ça, c'est terminé en fait, tu vois Et il se blesse. Non, lui, tu vois, quand on dit le malheur des gens, des gens des uns ont fait le bonheur des autres, ouais. je te garantis que lui, il a ouvert des portes à tout le monde. Ses blessures, <laughs> elles ont ouvert des portes à tellement de joueurs. Un crack. Un crack, il était... Grand, conservation de balles, jeu sans ballon. Tu le mettais en 9,5. Aujourd'hui, avec, Aujourd avec le jeu de position, il a du temps. Tu le mets en 6 devant la défense. Il fait, ton, il fait le taf. Tu le mets en 8, il fait le taf. Tu le mets en 10, il fait le taf. Tu le mets à milieu à 3, excentré, il fait le taf. Tu le mets en faux 9, il fait. Avec le temps, il aurait marqué encore plus de buts que ce qu'il marquait. Non, laisse, laisse, laisse. Il faut même Change de sujet, ça sert à rien. Allez, on change de sujet. Et monsieur, un dernier qui aura aussi éclaboussé Arsenal et la première ligue de son talent, monsieur Robin Van Persie, c'était si fort que ça de retrouver enfin un 9 exceptionnel après Thierry Henry et tout je suis avec l'équipe de France Espoir, je suis surclassé et on fait un match contre euh, les Espoirs euh, hollandais en fait. Il est dans l'équipe, je rentre chez moi, je dis à ma copine qui est ma femme aujourd'hui, on a signé un joueur, j'ai joué contre lui là, là, il y a trois jours, je me coupe une main s'il ne gagne pas le ballon d'or. <laughs> Elle me dit c'est qui J'ai dit je sais pas, je peux même pas te dire le nom, il s'appelle Robin mais je peux pas te dire le nom. Il est arrivé six mois après, j'ai dit il gagne le ballon d'or lui. Un tueur à gage Mais pareil, trop blessé, en fait. Trop blessé, trop blessé. En fait, vraiment, si tu regardes sa, 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 sa saison, sa carrière, il fait vraiment, vraiment deux saisons pleines. La saison avant de son départ à United, où il, où il est meilleur joueur de ouais. la Première Ligue avec Arsenal. Et la saison qui suit, où il gagne le titre Oula, avec, avec, il avec United. Et il, a, il récupère ce qu'il était allé chercher. Voilà, c'est ça. Et en fait, mais, mais si tu regardes sur une carrière de 10-12 ans, il, il, a, il a une très belle carrière, mais en fait… Ces deux saisons abouties-là, si tu imagines que tu peux reproduire ça sur même pas 10 ans, même pas 12 ans, hein, sur, sur 6 saisons, je t'ai dit, moins de, 20, moins de 23, à moins de 21, je dis à ma femme, on a signé un joueur, là, il arrive dans 6 mois, futur ballon d'or. Il a jamais été, mais c'est le genre de joueur, en fait, tu n'as plus ces joueurs-là, ils sont capables de tout faire, tu vois. Et c'est là où Arsène, il était fort, c'est qu'en fait, il avait, il avait cet œil pour trouver des, des, lui et puis sa team. Il faisait tout, Robin. Il pouvait, il pouvait jouer ailier, il pouvait jouer euh, 10, il pouvait jouer 9, il pouvait jouer seul, il pouvait jouer à deux Il n'allait pas très vite, mais il était pas lent non plus. Il avait une frappe. Il était, pff, il était élégant, tu vois, c'est joueurs élégants, tu vois, avec ses bras là qui étaient un peu comme ça. ah C'était un phénomène. Ouais, c'était sa frappe, moi, qui me marquait. Ouais, ouais, c'était un phénomène. Après, après le truc, c'est que, tu vois, et c'est ce qui est. Au final, c'est ce qui est important dans le football d'élite, c'est que tu peux avoir toutes les qualités que tu veux, mais au final, tu n'es. Que important si tu es sur le terrain en fait. Donc ça veut dire que si sur, euh, je te dis une bêtise, sur huit saisons en fait, tu es là que deux saisons, ouais, t'es très très bon, mais tu, sera, tu seras que très très bon. quoi ouais, les, le les joueurs qui jouent 40, tu vois, les Messi, les Ronaldo, c'est pour ça que c'est incroyable de voir ce qu'ils font parce qu'au-delà de la performance, il y a cette faculté à, à régulariser. et régularité. Oh, oh, tu vois, c'est ça le truc, mais pas que physique, mentalement c'est dur, tu vois. Tu, vois? tu, tu, tu dis en fait, c'est des mecs qui ont porté leur pays, qui ont porté leur club. Euh, sur les épaules quand ça allait pas, tu vois, Thierry, il a pu le faire, il y, a, il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais c'est... Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a qui l'ont fait, mais ce pas donné à tout le monde, quoi. Incroyable. Avant de parler de ce départ d'Arsenal, petit passage sur la Coupe du Monde 2010, il se passe les événements qu que l'on connaît tous, donc Naïsna a les problèmes ouais. avec l'équipe de France et tout. Comment est-ce que toi, tu vis cette situation de l'intérieur là-bas Ouais, c'est... Bien sûr, aujourd'hui, si tu demandes à, 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 à ouais, à, à, au groupe... Est-ce qu'on a fait une erreur? Ouais, c'était une erreur. Ça n'a jamais été contre l'institut FFF, jamais de la vie, bien entendu. Une erreur monumentale. Mais après ça, tu sais, quand on rentre sur, sur, sur Paris, quand on rentre en France, il y a une enquête en fait qui est faite et en fait ils appellent les joueurs individuellement pour demander euh, ce qui s'est passé, bon, essayer d'avoir des infos et tout ça. Et moi, je leur dis, je vais peut-être vous choquer, mais euh, je sais que c'est peut-être le moment le plus dark de l'équipe la, de, la, de, de France, mais ça m'enlèvera pas en fait ma ma, ma mon bonheur et, 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 et ma fierté d'avoir fait une coupe du monde en fait et j'ai dit je suis désolé de vous dire ça mais je, parce qu'ils me disent comment toi tu l'as vécu je l'ai vécu comme tous les autres joueurs en fait je, 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 je rentre chez moi j'ai honte le football français a, a, a été en difficulté après ça, il y a eu mais des ouais. baisses de l'étoile et les, les licences il a fallu les, reconstruire voilà, après il ça, il a fallu ouais. reconstruire et ça a été un chantier mais vraiment qui a pris du temps. Donc je suis conscient que je fais comme je disais tout à l'heure, tu vois, tu tu, tu, tu le football ou tu vois, ton, ça te permet d'écrire l'histoire et de marquer de ton nom, tu vois, dans l'histoire, on l'a fait aussi pour les mauvaises raisons mais on l'a fait. Ça fait partie de, de ma carrière et je ne peux pas faire autrement. Par contre quand il me demande comment tu as ressenti ça Une grosse fierté en fait, pas pour l'action mais pour le fait de représenter son pays, parce que ça, c'est toujours une fierté. Et ils m'ont dit, bah, d'accord, merci, pas de problème. Et puis après, bah, ce qui s'est passé, c'est. Euh, on parle souvent, je passe mes diplômes maintenant, et on parle souvent de la communication. En fait, on s'est complètement loupé sur la communication et, euh, et on n'est tout simplement pas au niveau aussi de la compétition. Donc, euh, ça, plus ça, plus ça, fait qu'on euh, on est rentré dans l'histoire pour, pour les mauvaises raisons. Quoi. En étant là-bas, vous ne preniez pas la mesure du retentissement des événements en France Non, parce que, parce que sincèrement, en fait, ce qu'on fait, on ne le fait pas pour. pour euh, on le fait pour soutenir un mec, tu vois, qui, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui est mal compris, quelqu'un qui est. Les gens qui connaissent, je pense que Nico, son image, elle a changé quand il a fait le documentaire. Euh, c'est vraiment quelqu'un de top, en fait. On a tous nos défauts. Euh, pour le coup, je ne sais même pas s'il en a beaucoup des défauts. Mais quand tu es dans le, de, dans la situation pendant la compétition, tu réalises pas parce qu'en fait, ça n'a jamais, jamais été mal intentionné, en fait, ce qu'on fait. On n'a pas fait ça pour nuire à qui que ce soit, en fait. C'était juste pour montrer du soutien. Ça a été maladroit. On l'a fait maladroitement, mais on ne veut jamais en aucun cas nuire à l'image du football français, et surtout pas euh, auprès des, des, des jeunes joueurs. J'ai mon fils qui a 7 ans aujourd'hui. Je vois ce que représente Kylian Mbappé pour lui et l'équipe de France. Tu comprends, ouais. Aujourd'hui, je comprends tout à fait. Mais sur le moment, en fait, on ne sait pas qu'on va créer ça. Et c'est pas ce qu'on veut faire au final. On veut pas faire ça. Nous, on veut juste faire euh, bloc. Voilà, bloc par rapport au soutien d'un ami. Et, euh, et l'erreur, elle est là, en fait. L'erreur, elle est là parce qu'on communique très mal. Mais, mais sur le moment... Euh, Ouais, je pense pas qu'on prend la pleine mesure de ce qui est en train de se passer. Et sur, surtout, comment la, la fédération va, va, va galérer, va trimer après cette décision bête sur les années qui, qui vont suivre. Tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un mec comme Didier Deschamps, peu importe ce qu'on en pense, euh, si est-ce qu'il joue bien et tout ça, on met la performance de côté. La performance est liée avec les résultats. Bien sûr. Mais en fait, ce qu'il a fait euh, et le travail que. Que Depuis 2014. Ouais, et le travail que, le Laurent même que Laurent Blanc a fait avant, euh, il faut le souligner parce que euh, parce que c'est des euh, deux personnes en fait qui euh, qui récupèrent un champ Leur 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 sang, c'est vraiment c'est pas du sang rouge qu'ils ont. Tu vois, c'est deux mecs, c'est leur sang, il est bleu-blanc-rouge en fait. Et, euh, et je pense que des fois tu as des personnes qui arrivent à un moment et, euh, et c'était le moment pour l'équipe de France et au final aujourd'hui de voir ce qu'ils réalisent, c'est 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 magnifique. D'un point de vue plus sportif, tu as disputé le troisième match contre l'Afrique du Sud. Match difficile avec notamment un carton rouge et tout. T'as senti l'équipe perturbée sur le terrain. C'était quand même sympa pour toi de prendre part à un match. Tu nous disais du coup c'était quand même un honneur. C'était comment pour toi Ouais, es... c'est une Coupe du Monde. On est euh, combien on est de, de millions d'habitants en France. Je peux pas dire que c'était pas un honneur pour moi. Bien sûr que les conditions elles étaient catastrophiques. Bien sûr que que c'était pas les conditions rêvées pour commencer une compétition internationale mais peu importe en fait tu vois c'était et en plus de ça on commence le match on est toujours déterminé parce qu'en fait si on fait le gagne si on gagne le match 3-0 on est en fait on est qualifié quoi. on mmh. passe donc tu as toujours cette envie et puis après c'est vrai que bah, tu as le rouge qui arrive et puis très rapidement tu vois que tu es dans le dur et puis euh, tu vois c'est chez eux donc tu vois bah, Fana Fana ils étaient ils étaient en feu euh... et puis ça conclut en fait ça termine ça, ça ça ferme la porte sur une compétition qui est désastreuse euh... Mais encore une fois, quand je, quand je regarde ces images-là, ouais, mon fils quand même me demande est-ce que tu as fait une Coupe du Monde Papa, <laughs> j'essaie le plus longtemps possible de lui dire oui, j'en ai fait. Tu, ouais, je lui raconte, ouais. je lui raconte ouais, tu vois. Il y, y en a eu une. J'en ai fait une, j'en ai fait une, tu vois. Mais, mais j'ai fait de la première, j'ai écouté. <laughs> mais, mais ça fait partie de mon histoire. Et donc, euh, oui, je suis fier d'avoir participé à une Coupe du Monde. Euh, J'aurais aimé que ça se passe différemment, mais euh, ouais, content d'avoir fait une Coupe du Monde, quoi. À l'été 2011, tu décides de quitter le club, donc Arsenal après huit saisons passées là-bas. Est-ce que tu pensais avoir atteint un plafond de verre, les 3-4 places à répétition, l'absence de trophée, Est-ce que ça a joué dans ton choix de rejoindre City, qui, on le rappelle, avait commencé à lancer son projet deux, 3 années auparavant, <coughs> même s'ils n'avaient encore gagné aucun titre à ce moment-là Il y a deux choses. La première chose, c'est que euh, moi, à ce moment-là, si Arsenal me propose un contrat, pas à vie, mais où terminer ma carrière, moi, j'étais un gunner, en fait. OK. J'étais un gunner. Mais la vérité, c'est que, euh, à ce moment-là, il n'y a pas suffisamment d'argent pour aller chercher quelque chose. Je vois que des joueurs partent. Et puis surtout, il y a cette nouvelle vibe dans le club, autour du club, où on a envie de mettre en avant les joueurs anglais. Ok. Ça, ils avaient envie de repartir sur, sur le côté. stade. tu vois Donc les joueurs, il y avait forcément un arrière-gauche qui est Ron Gibbs, Aaron Ramsey, Charles Jenkinson. Euh, ils, ils étaient 5-6, euh, Wilshire, ils étaient 5-6 en fait, pour moi, comme je le vois aujourd'hui, si tu veux garder un, un joueur, un club veut garder un joueur, il a les moyens de garder un joueur, en fait. Si tu me montres pas que tu veux me garder, mais que tu me dis que tu veux me garder, c'est que tu as envie de me garder parce que je vais faire des concessions et je mais... vais pas... Mais tu n'as pas forcément envie de me garder, tu vois ce que je veux dire Et donc à partir de ça, quand je vois ce truc qui est en train de se créer, je suis aussi conscient qu'on n'a pas réussi à donner au club ce que le club euh, attendait donc je suis aussi fautif de, de cela et puis de l'autre côté ben, j'ai un club comme, comme City qui vient et qui me dit euh, c'est eux qui te contactent welcome ouais on a besoin de joueurs qui connaissent la première ligue qui ont l'expérience en, en, en Champions League parce que c'est une équipe où en fait il n'y avait que Tevez qui avait joué en Ligue des Champions euh, on, ils étaient très peu quoi. et donc moi j'avais déjà euh, 20-30 matchs avec des champions Donc ils me disent on a besoin, on a besoin de toi on te veut c'est un club à ce moment-là qui peut acheter n'importe quel joueur oui. n'importe quel latéral. Oui. Et il décide de me, de me prendre. Il me reste un an de contrat. Arsène, il me dit, si tu veux pas prolonger, moi j'aimerais bien que tu partes. Et je lui dis, euh, en fait, c'est pas... D'accord, t'aimerais bien que je parte, mais moi je veux partir de toute manière. Donc, Donc on, fait, est on est d'accord. <laughs> euh, et après, c'est un petit peu amer parce qu'au final, tu vas chez un rival et puis, euh, et puis tu gagnes le titre d'un coup. C'était important, je me rappelle, je dis à Samir, quand il vient, bon, je, je, pas pendant tout, pendant tout l'été, je le fatigue. Samir vient.. Ah, ouais. ça, il me l'a pas dit, ça euh, fait partie de ceux qui ouais. l'ont ouais. chauffé. Mais je lui dis, en fait, je lui dis, tous, tous les joueurs, ils me disent, ouais, gars, vas-y, va dis lui de venir, t'imagines l'équipe qu'on va avoir, dis-lui s'il veut le numéro 10, on, 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 va, on va tout faire pour... On se débrouille, on lui donne. Mais en fait, quand tu arrives au club, en fait, j'arrive à City et je me rends compte. Je me rends compte. En fait, on n'aurait pas pu être champion Arsenal. Je me rends compte. Okay. Je tu le compte. comprends là-bas. Je le comprends. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, on a 24 joueurs, donc deux joueurs à chaque poste, tous internationaux. Et la compétition, la concurrence, c'est genre des tacles au genou, des, 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 des disputes pratiquement tous les entraînements, des insultes entre coach et joueur. Et tu sens qu'il y a vraiment une ferveur et qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le club. Tu ne sais pas si tu vas gagner. Mais tu sais qu'en fait, là, tu es dans un... Le, le système, il est différent. Et au final, tu dix tu, mois plus tard, tu soulèves la coupe. Et puis après, City, on regarde derrière et puis on se rend compte qu'ils n'ont ils même pas commencé à grandir encore. Ils vont continuer à grandir, tu vois Oh là 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 là. Vraiment, c'est la folie à entendre ça, ce côté intensité et tout ça. Même le groupe que tu as découvert avec euh, les Kunagueros euh, justement incroyable. les Yaya, les autres. c'était la folie. Il faut que tu te mettes. Donc, regarde, par exemple, ça fait 8 ans que je suis à Arsenal. On partait toujours en Autriche en pré-saison, tu vois. Donc, Autriche avec Arsène. Moi, en fait, je, je, je me suis construit en tant que. J'arrive à 17 ans, donc je me construis en tant qu'homme aux côtés d'Arsène Wenger. Je me construis en tant que joueur de foot à côté d'Arsène Wenger. Et donc, c'était quoi pour lui C'était. On allait en Autriche. On s'entraînait deux fois par jour. On buvait pas de chocolat chaud parce que c'était pas bon pour le <laughs> corps. Pas de ketchup, pas de mayonnaise. Légumes, fruits. Bon, voilà, très pro. Donc, moi, je me dis, c'est comme ça que tu dois, tu dois te comporter. J'arrive à City. Je suis, en, non, je suis en lune de miel parce que je me marie cet été là. Et je suis donc, on est parti avec ma femme à Bora Bora. Et sur le chemin retour, on s'arrête à Los Angeles. Au bout de deux jours, je, mon agent m'appelle. Il me dit il faut que tu rentres à Manchester. Le fameux Los Angeles. Ouais. <laughs> Mais donc, je suis à Los Angeles avec ma ça femme. Ça vient, en avait et parlé. Ouais. Et ma femme me dit Bah non, gars, elle fait pas ça. On est à Los Angeles et tout ça. <laughs> je dis Chérie, on dit, je suis obligé. On doit rentrer. Donc, je rentre à Manchester. J'arrive à Manchester. Et ils me disent euh, Il faut que tu t'entraînes et tout ça. Et puis, on part. T'inquiète pas, on part dans six jours. On part euh, d'où tu viens. On part à Los Angeles. Je me dis, comment ça, on va faire une pré à Los Angeles À quel moment, en fait tu vois? Enfin, Moi, dans ma tête, je suis... Tu habitué, euh, les Alpes, ouais, ouais. Ouais, <laughs> tu vois bien la montagne et tout ça, tu vois À quel moment on va à Los Angeles J'arrive là-bas. Véridique, hein? premier entraînement, on s'entraîne à 9h parce qu'il fait chaud, on s'entraîne à 9h, on termine à midi. Midi et demi, tu coches la, la case pour dire que tu mangé à l'hôtel. Et de midi et demi à minuit, libre. Libre. Donc, ça veut dire que moi, je suis là le premier jour à l'hôtel avec ma bouteille d'eau dans l'hôtel à 14h. Tu vois, j'ai mangé, je suis, je suis là et je vois Mancini avec son staff et il me dit Gaël, qu'est-ce que tu fais là <laughs> <laughs> Dégage! Et je lui bah je me, je me repose pour demain. Il regarde son coach, son assistant, il dit, Ah, il me dit, Gaël, tu crois que je mets entraînement à 9h et je vous libère de midi à demi jusqu'à minuit pour que tu restes à l'hôtel? Il me dit, Va faire du shopping, va faire le, la bronzette avec tes copains. Et moi, dans ma tête, je me dis, Non, <laughs> non, je sais, je suis nouveau, tu essaies de me piéger. Il me dit, pars, 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 je veux pas te voir à l'hôtel, pars! Sérieux, le mec? C'est réel? Ouais! Tac, les gars, ils m'appellent, ils m'ont dit, Gaël, tu fais quoi? J'ai bien été intégré rapidement, tu vois, tu fais quoi? Deux heures plus tard, je suis sur le toit roof, rooftop W Hotel. Je vois ça de bronze, des cocktails et tout. Je dis mais c'est quoi ce truc, tu vois On va, j'ai signé dans quel club J'ai dit il y a deux solutions. Soit le FC Hollywood. Ouais, soit le FC Hollywood. Soit on va, on va tout fracasser parce que collectivement en fait ça va créer une cohésion de fou. On arrive donc ça se passe comme ça à la pré-saison tous les jours et tout ça. Le mercredi il dit bon les mecs ce soir Mantini. Les mecs sortez pas ce soir. Demain j'ai une non le mardi soir il dit demain j'ai une surprise pour vous. Mercredi. Sortez pas ce soir, restez tranquille. Demain, c'est le jour le plus dur du, du, ouais, du, du, de la saison, -saison. Ouais. J'ai une surprise pour vous si vous êtes bien. Le soir, tout le monde sort. Restaurant et tout ça. Il <laughs> n'y a rien, ils s'en foutent. Moi, je suis reste à l'hôtel. Je, je suis nouveau, tu vois. Le lendemain, on fait le test Cooper, tu vois. C'est le test, en fait. Oui, la VMA, ouais. voilà, VMA. Et je dis, mais les gars, ils ne vont jamais tenir. Ça fait une semaine que on bronze le soleil, déshydraté, tu vois. Mais. Les gars, ils bossent comme des fous. Ils sont meilleurs que moi au test du, du VMA et tout. Je me dis, wow, c'est des monstres. À la fin, le gars, il dit, écoutez, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, libre. La seule règle, je ne veux pas vous voir à l'hôtel. <laughs> C'était tellement les vacances. J'ai dit, <laughs> quoi J'ai dit, vous êtes sérieux <laughs> J'ai dit, mais c'est pas sérieux. Je regarde les joueurs. Ils me disent, allez, vas-y, viens. Je dis, mais vous n'êtes pas les, les Scott, les Sean Wright Phillips, les Nigel De Jong. Eux, ils savaient. Moi, je dis, mais vous n'êtes pas sérieux Je dis, on va où tu La vois colonie. Et, Et voilà. Et puis, tu commences ta saison. Il y a toutes les histoires que tu as pu entendre, les, 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 les arguments avec les joueurs, le coach. Et au final, une saison euh, pleine, mais pleine de, 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 de trucs. En fait, c'est les, les montagnes russes, quoi tu vois. Il y a des joueurs qui t'ont impressionné parmi eux Alors, je m'attends, bien sûr, à une réponse <laughs> oui, mais lesquels Ouais, non, non, non. Il y en a, il y en a, il y en a. Je peux, peux, peux aller, tu vois. Mais bien entendu, Kuhn, c'était, euh, tu vois, le, 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 le buteur. David Silva, c'est tu vois, un joueur hors, hors norme quoi, tu vois dans les petits espaces, il était, ouais, il était, il était, incroyable. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il a passé encore un niveau quand il, quand il est arrivé, quand Pep est arrivé. Enfin bref, euh, quelqu'un comme compagnie il était, était impressionnant de, 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 de caractère. C'était lourd de... de tenir la ligne défensive avec lui. Non, moi j'ai appris, appris à prendre plaisir à défendre à City. D'accord. Tu vois. Avant pas ça, tu t'étais très offensif. Non, j'aimais ça, mais c'était quelque chose qui était un peu moins recherché. Tu vois, avec Mancini, c'était très italien. Tu vois, c'était du 4-4-2 très okay. souvent. C'était les quatre défenseurs. Vous vous devez savoir défendre contre 5 6 joueurs. Et puis on était solide, quoi. Tu vois, ça veut dire quand même à 1-0 à 20 minutes de la fin. C'est justement notre match, en, le back four. On était, on attendait ce moment-là parce qu'on savait que personne allait marquer, quoi. Tu vois, c'était Zabaleta, c'était. Euh, c'était les c'était clichy il euh, y avait richard il y avait euh, kolarov oh là là, les, incroyable, les, tu vois? les bonhommes ouais. Ouais, nigel de young tu vois gareth barry c'était non franchement c'était une équipe qui était très bien équilibrée et euh, c'était une équipe de, de soldats quoi tu vois donc c'était euh, des joueurs qui m'ont impressionné ouais il y en a plein les Scott il m'a impressionné parce que c'était des joueurs que tu mets pas en avant mais en termes de communication sur le terrain, c'était était lui en fait qui organisait un petit peu, tu vois, les mouvements de, 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 de chacun. Et ça, c'était impressionnant. Et, et donc on ne parle pas de lui parce que il est pas, c'est pas le joueur qui allait te faire des transversales. Il, est, tu vois, il était un peu stiff, tu vois, pas trop ouais. mobile, mais euh, super important, tu vois, la cohésion de groupe. C'était lui, Joe Hart. Non, chacun avait son rôle à jouer et chacun l'a joué à merveille. quoi. Cette première saison est forcément marquée par la <coughs> fin en apothéose de QPR. Mais si on se concentre sur la saison globale, est-ce que tu te souviens un peu de la chronologie Parce que c'est une saison où vous ne descendez pas plus bas que la deuxième place, ce qui montre quand même une certaine régularité. Ouais ouais, non, tu t'en te, tu souviens. Tu te souviens aussi de ce moment où en fait euh, tu es 8 points derrière United. Et il y a un moment qui est pour moi un moment... Il y, y a plusieurs moments. Tu as le moment où Tevez euh, quitte le, le groupe parce mmh. qu'il euh, est suspendu par le club. Euh, après l'embrouille la, et l'intercation avec Mancini. T'as le moment où Man euh, où, euh, où Balotelli se, se, se bat avec, euh, avec Mancini. T'as le moment. On revient où... beaucoup ouais, euh, Tu vois, ça revient souvent. T'as le moment où, euh, où Mancini dit à, après le match contre Everton qu'on perd à l'extérieur que euh, Yaya est à la Coupe d'Afrique des Nations qu'en fait on est une équipe nulle sans Yaya. Tu vois. Donc c'est des moments qui sont quand même assez importants. Mais moi je pense qu'en fait tout ça il le fait pour galvaniser son groupe en fait. Et, et je pense que c'est vraiment une de ses forces, c'est qu'en fait, il a toujours su. Quand j'ai parlé avec les joueurs de l'Inter, ils me disent qu'en fait, à l'Inter, il y avait un vestiaire, un, un vestiaire qui était lourd, tu vois, des, des égos sur des Materazzi, Viera, euh, Mekon, euh, Zlatan, tu vois, c'était de, de, de des grosses Danetti, personnalités. Ouais, des grosses des personnalités. Énormes personnalités il a su oui. les tenir. Donc en fait, je ne peux pas imaginer que toutes ces altercations à City, c'était que du hasard. Pour moi, c'était vraiment une façon de galvaniser son équipe à sa façon, et il a su le faire. Et je me rappelle qu'à un moment donné, on, on, on est à 8 points derrière United. Ils il perdent des points, je crois, quand Wigan. on gagne, donc on revient à 5 points. Et il dit, les gars, je vais aller dans la presse demain. Et je vais dire que le titre il est terminé, en fait. Que United ne vont jamais perdre de points, c'est impossible. Mais je vous regarde là. On va le faire. Donc je vais aller dans la presse, je vais dire que c'est terminé. C'est calculé. Mais nous on y va on Sera champion. Et tu vois, c'est des moments en fait pour moi qui sont importants parce voilà, que après, tu as des moments bien entendu. Le, le, quand tu vas à saint jean part et que tu gagnes 2-0, euh, quand tu. Le 6-1 à United euh, à l'aller, ça, ça te montre qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. La victoire 1-0 la à victoire deux en... journées de la voilà, fin. T'es vit... titulaire, toi tu joues 90 Exactement. minutes, vous l'avez abordé comme une finale un peu Ouais, bah oui, clairement parce que tu sais que tu perds, tu repasses à 5, 5 points, 6, ouais, tu ouais. vois, et, et, et là pour le coup c'est terminé, mais tu sais que si tu gagnes, tu joues QPR ou. enfin tu joues euh, tu joues Newcastle et QPR et tu sais que. que tout que est possible, ouais. C'est pas tout est possible, tu sais que tu le fais, quoi, tu vois. Donc, après, la chronologie de la saison, elle est facile à revoir, mais c'est vrai qu'il y a des moments assez clairs et précis, comme ce, ce but-là. Mais c'était une saison, ouais, je te dis, c'est une saison pour moi, c'était fou parce que j'arrivais d'Arsenal où était, euh, tout était vraiment bien, tu vois, il y avait des cases. Euh, le coach, il parlait jamais trop. Ouais. Il parlait jamais trop bas. Euh, tu vois, le capitaine c'était Fabregas, donc ça allait pas faire des vagues non plus, parce que ce n'était pas non plus le monstre charismatique, tu vois, c'était un joueur talentueux. Donc tu vois, en fait, tu avais, avais vraiment cette, cette conscience d'Arsène d'avoir de, de, un groupe assez homogène, qui vit bien, qui avait pas trop de vagues. Là-bas, c'était l'anarchie. Ah bah c'était le gars il fait péter des feux d'artifice dans sa chambre, il fait brûler sa maison. Tu vois, c'était des trucs de fou quoi, tu vois, on sortait en boîte, je te dis pas les sommes qu'on dépensait c'était tu vois, je me rappelle on, notre premier match qu'on perd, c'est Aston Fobridge contre Chelsea, on perd 2-1. Je fais un match catastrophique. Dan Sturridge, il me il me retourne en fait, tu vois. Première mi-temps, il me dribble, je prends un jaune. Mancini il me dit euh, "prends pas de jaune", bien sûr. Deuxième mi-temps, je prends un jaune, je me fais sortir. On perd 2-1, c'est le premier match qu'on perd. Je suis dans le vestiaire et on avait organisé sur Londres parce c'était à Londres, c'était à l'approche de Noël, la Christmas party, tu vois. Okay. Donc, En fait, on avait tout planifié, c'était, on avait fait le thème, c'était euh, euh, fancy dress, donc c'était euh, déguisement en fait, ouais. tu vois. Et donc il y avait un bol, il y avait les lettres de l'alphabet, tu pioches B, ton déguisement il doit commencer avec B, tu vois, des, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment. Et donc je suis dans le vestiaire, moi je suis doublement peiné parce que j'ai fait perdre mon équipe et puis surtout que comme j'ai pris deux jaunes, le prochain match que je loupe, c'est Londres. C'est Londres contre ah. Arsenal. Tu vois? Donc, moi, je loupe. En fait, je loupe. Euh, voilà. Et donc, je suis sur le banc comme ça. Et je me rappelle, il y a Compagnie et, euh, et Joe Hart à côté de moi. Et Compagnie, euh, il me dit euh, Tu viens quand même à la soirée, tu vois? <laughs> J'ai eu une demi-seconde où j'allais oser dire Je sais pas. Joe Hart, il m'a pris comme ça, là il m'a rattrapé là. Il m'a dit ne en anglais Ne pense même pas ne pas venir. On va sortir, on va faire ce qu'il y a à faire, on va s'amuser. Et demain, on repart. Ça changera rien. À Arsenal. On aurait annulé la soirée, on serait rentré et chacun aurait boudé dans son coin. Ouais. Et, et pour moi, en fait, et en fait cette saison, c'était vraiment un apprentissage parce que j'ai appris à être performant différemment. Ouais. Tu vois, le, un, autre, un autre exemple, je suis à, on est en pré-saison à, à Montréal et je me réveille à 4h du matin, j'ai trop fait le décalage horaire. Et je me dis, tu sais quoi, je vais appeler le room service, je vais commander euh, chocolat, ouais, des je me tosses, mets, bien, ouais, je me me mets, mets bien, bien, tu vois. Mais sachant qu'à Arsenal, quand tu fais ça, tu recevais un coup de téléphone du, du, du room service en disant, c'est bloqué, vous n'avez pas le droit. Donc moi j'appelle, je dis, ouais, je voudrais commander, euh, ok, allez-y, chocolat chaud, euh, céréales, tac, 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 tac. Ouais, tu tac, fais tac, le gamin, tac, ou ouais. tu te fais plaisir. Et la femme, elle me dit, ok, pas de problème. Donc moi je dis, elle va me rappeler là dans 30 secondes, elle va me dire, c'est mort. 20 minutes plus tard, tac, ça tape. Un plateau comme ça, je me dis, mais c'est quoi ce truc en fait Tu vois Mantigny n'était pas là-dessus, lui, c'était que la performance. Ouais. Et j'ai appris en fait à, à, à être performant différemment et c'est ça demande qu'en fait, il n'y a pas une recette dans le foot. Est-ce que tu penses qu'en 2024, une recette comme ça serait toujours possible Avec, tu le disais même en début d'émission, un football qui a changé, moins de temps, plus d'athlétisation, plus de rythme et tout. Est-ce que ce côté un peu copain, allez, on sort, c'est pas trop grave, machin, est-ce que tu penses que ça pourrait toujours fonctionner Bien à sûr. ton sens ou pas Bien sûr. Et la, et la question que j'ai envie de te poser, c'est genre. Est-ce que les résultats amènent une cohésion de groupe ou est-ce qu'une cohésion de groupe Ramène les amène résultats. les résultats Et ça, c'est une question en fait, où il n'y a pas de réponse. Donc, en fait, par contre, ce que tu sais, c'est que si tu n'as pas de cohésion, tu n'auras pas de résultat. Ouais. Donc, en fait, j'ai envie de te dire que la camaraderie, au final, c'est un sport co. Tu vois? Et moi, ce que souvent je dis aux jeunes, c'est que je leur dis Dis-moi, c'est quoi ton job Je joue au foot. Ok, Rentre chez toi et demande à ton père ce qu'il fait. Ton père, il ne dit pas Je joue jardinier, je joue cuisinier. Non. Il dit Je, je suis. Je suis. Nous, on a la chance de dire que notre métier, en fait, on joue au foot. Tu vois, je suis joueur de foot. Tu sais, c'est genre un truc de, de, de fou. Je crois qu'on est. Tu vois, il n'y a que les sportifs qui peuvent dire ça, en fait. Et ça, rien que ça en soi, on se doit d'être conscient. On n'est pas privilégié par rapport à l'argent qu'on gagne et par rapport au sacrifice. On est privilégié parce qu'on a la chance de faire ce qui nous fait kiffer au quotidien, notre taf. Incroyable. Tu vois Oh là, là. Tu une vision, Gaël Vraiment, c'est je kiffe. Ça, ça fait super plaisir à entendre. Et enfin, pour conclure et après on passe justement aux autres saisons, ce fameux match contre QPR. Est-ce que tu peux nous refaire le déroulé du match, mais à travers ta vision, tes souvenirs, comment ça se passe bah, c'est très simple. Hein. <laughs> Il y avait des groupes un peu dans le, dans, dans le vestiaire. Tu vois, c'est pas des groupes méchants, mais en fait, tu avais les latinos, tu avais les Yaya, Samir, les étrangers. Moi, j'étais beaucoup avec les Anglais, tu vois. Ouais. Et forcément, en fait, bah, avant le match, on est en train de préparer notre soirée de. <laughs> Mais non, mais c'est normal. <laughs> tu joues contre une équipe qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. À la maison, il fait soleil. Tu t'as frappé. Là, les, 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 les six derniers matchs, on a frappé tout le monde. 2-0 euh, Newcastle. On a, frappé, on a avec euh, Wallsborough anton On les a, on les a punis. Donc vous êtes dans un mood. On les a tués. On a tué tout le monde. Donc nous, on est en train de préparer notre célébration, notre soirée. Donc ça, ça te montre à quel point vous étiez confiant Voilà. On est bien, il fait beau, tout le monde est venu, <coughs> euh, la famille vient, On la parade, c'est la parade Est-ce que les familles peuvent venir Moi, j'ai pris, j'ai acheté ces lunettes pour la parade, machin, tac. Tu joues QPR mec, tu joues pas, t'es pas en train de jouer contre Newcastle qui doit jouer pour l'Europe. Tu joues une équipe qui a marqué genre euh, 14 buts de la saison, qui ouais, en a pris dis, ouais, du déconnerie, ouais. tu vois Il y a aucune chance, t'es à la maison, même, chez eux, c'était compliqué, tu vois, t'es chez toi, tu vois, c'est... Non, c'est impossible, c'est impossible. Donc ça, c'est le début. La liste, tac, Mancini, il lève le papier, tac, il met son nom parce qu'il ne mettait pas l'équipe. En fait, il, il lève et après il écrit. Et il écrit pas, lui, c'est un gamin, il écrit pas les noms. Il mettait genre Clichy, il ne mettait pas Clichy, il mettait Cli, tu vois. Euh, <laughs> il n'a pas ton compagnie, temps. Compagnie, il mettait euh, KOM, tu vois. Il a pas le temps. Allez, vas-y, allez, allez gagner, tu vois. Donc, on arrive sur le terrain, on les arrache, Zabaleta et Marc, on rentre à la mi-temps. Tout va bien, tu vois. Le plan suit son cours. Premier tâche noire de la journée le talisman de l'équipe se blesse. Yeah, yeah. il sort. Il sort. Il sort. Et puis tu sais pas pourquoi, deuxième mi-temps, voilà, il y, a, y, a, y a, Un on a on a moins de on a moins de maîtrise parce que yeah, il était les gens, il y a des gens qui l'aiment pas, il y, y a des commentateurs en Angleterre des, 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 qui ont dit que c'était pas c'est le meilleur milieu qu'il y a eu en première ligue, il était genre énorme quoi, tu vois, il a pas été énorme cette saison, il a été énorme pendant genre presque 6 7 ans, tu vois. Bref. Il n'est pas là. Et là, on sent qu'il y a moins de fluidité dans le jeu. On garde moins le ballon parce qu'on avait besoin de garder le ballon. C'était lui. Quand il fallait dynamiter des lignes, c'était lui. Quand il fallait marquer, c'était lui. Tout par en lui. Yaya, tu vois? <laughs> Mais il est pas là. Il n'est pas là. Les Scott, je crois qu'il a perdu dans cette saison zéro duel de la tête. Duel aérien, il en a perdu aucun. Long ballon, anodin. Il n'a pas de challenge, rien. Il saute, il est court. Le ballon, il tape sur sa truc. Si c'est, va en profondeur. Et je me dis, aïe, aïe, aïe. <laughs> il met une frappe il place pas il met une frappe coup du pied 1-1. le coup de froid et coup de froid t'as dit ça veut dire que le, le, le stade il était tu vois il y avait des il y avait des des comment, des confettis tu vois d'un coup bam un peu comme dans les films tu vois il fait beau et d'un coup c'est gris et là là tu commences à paniquer parce que là tu dis tu vois le gardien en face c'était un petit gardien qui fait que des arrêts tu dis waouh c'est que c'est ce genre de match là en fait genre si on fait nul et que gagne en fait on est on n'a pas perdu mais on n'est pas champion, ouais, tu vois? Ouais, ouais, bah ça, Chez ça, nous. Ça, ça tue toute la série de la fin. Tu vois ce que je veux dire? Ça casse tout. Des losers, mec. Tu vas dire qu'à Manchester, t'es un loser. Tu dois gagner à QPR, es un Et je me souviens, ils font rentrer Traoré, Armand Traoré. Le ballon, il part sur la gauche. Et je me souviens, je crie à Lescott parce qu'ils sont en transition. On est, on est en phase offensive, on est tous très haut, en fait. Parce Donc domine, eux, ils ont tout l'espace. Et, et lui, il va à 3000 à l'heure. tu vois? Il va à 3000 à l'heure. C'est pas un centreur. Mais je me rappelle, je crie à Lescott, je lui dis Joe! Fais faute. Donc j'ai dit à compagnie, fais faute très haut parce qu'il va pousser, il va accélérer. Tu vois, j'ai dit fais faute. Il pousse le ballon, il, il s'est pas centré. Il te <laughs> met un centre qui lobe les deux défenseurs qui arrivent sur la tête du gars. Tête de 1. <laughs> à ce moment-là, dans la tête, ça doit être. <laughs> Écoute, je fais une touche. Je vois des enfants dans la tribune qui pleurent. Tu vois, je fais la touche et en fait, je suis en train de me dire pendant la fin du match. En fait, on va être c'est ce groupe qui aurait dû être champion et qui a fait caca sur lui quoi, tu vois. Et puis après tu as ce corner, tu vois, as ce en fait en fait le problème c'est que tu vois tu, tu te crées des occasions et tu marques pas et tu, sais, tu sais ce qu'on dit dans le foot, tu ça vois, tu ouais, ça, va, ça, rentre va, pas, ça, rentre ça rentre pas, ça rentre pas, tu vas te faire avoir et là on s'était fait avoir en fait, ça rentre pas, ça rentre pas, boum 1-1, ça rentre pas, ça rentre boum 2-1. Tu peux pas être champion, tu vois. Mais malgré ça, tu, tu sais pas, tu vois, un joueur important de la saison. Donc on parle jamais est Zeko il déteste cette image du super sub mais sur ma vie il y a aucun joueur qui aurait pu mettre ce but là parce que lui dès qu'il rentrait il était décisif en fait tu vois l'impact il y a player. que lui il aimait pas ça tu vois et au final tu vois, ça a été dur de se détacher pour lui de cette image là corner tête de deux s'il y a pas ce but c'est terminé on peut crier à ce que tu veux si Zeko, il ne marque pas là ça n'existe pas le et à ce moment-là quand il fait ça Balotelli, il a fait zéro passe sur quatre ans de carrière à City. Il te fait une passe à, à toucher par terre. On se donne comme un chien. Quoi? L'autre, il truque, machin, il pousse le ballon à Aguero, il frappe. Et là, en fait, là, c'est plus rien. Tu vois, tu vois plus rien en fait. Tu vois, tu, tu, tu dis le 3-2, je me souviens de rien en fait. Tu vois, ça court, ça truc. Et tu dis, c'est fait. Tu vois, c'est fait en fait. Et puis après le reste, on ne dort pas pendant quatre ans, pendant quatre <laughs> jours. C'était, c'était une dinguerie. Et donc, ce que je dis aux gens des fois. Gagner une Coupe du Monde ou une Ligue des Champions, ça, sera toujours, ça surpassera toujours la, la Première Ligue. Mais le scénario de la saison et de la fin du match, United, ils célébraient. Ils étaient à Sunderland, je crois. Ils, étaient, euh, ils, avaient, ils avaient gagné. Il ouais, y avait les images qui existent. Il y a les ouais. images qui existent. Donc, c'est un champion. Non, c'est un scénario hollywoodien, tu vois. Mais et, véritable. Hein. Et tu t as dû te le repasser un milliard de fois avec la voix du commentateur <laughs> parce que du coup, tu n'as pas pu le vivre. Tu étais sur le terrain. Ouais, oh, tu sais quoi tout. Le match, je l'ai pas revu. Au moins le but, non, de Kuhn Ouais, le but parce qu'en fait ça repassait sur Sky, tu vois. Ah, C'est un peu comme l'équipe, en fait, ça passe en boucle. Euh, mais le match, j'ai décidé de le regarder que euh, neuf mois plus tard. Oh, tu vois, neuf mois plus tard parce qu'en fait c'était euh, tellement bon, mais en même temps tellement painful parce que tu dis on est passé à, à ça d'être des clowns, en fait, mais vraiment des clowns. Hein. Au final, vous avez marqué un moment d'histoire de, de, de ce championnat qui. Est... Bah tu sais, après après je rigolais avec Mancini, je lui dis coach, en fait, quand j'arrive à Arsenal, ma première saison, invincible. Vous pensiez vraiment que j'allais signer à City et, et que après, vous alliez pas gagner la Premier et, et au final, et au final, c'est cette première saison qui fait que avant ça, ils avaient gagné la première ligue, la, la Coupe d'Angleterre. Mais c'est vraiment cette première saison qui fait décoller un petit peu tout. Puis après, bon, c'est notre machine aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce, ce, cette saison-là, elle, elle est incroyable parce que tu découvres des amitiés avec des gens avec qui tu n'as pas forcément de lien. Tu vois mmh. des cultures totalement différentes. Et en fait, c'est ce qui est beau dans le football, c'est qu'en fait, ça lie. Ça te lie en fait, ça crée un lien avec des gens avec qui euh, en temps normal tu n'aurais jamais euh, passé du temps. Quoi. Et c'est magnifique. Aujourd'hui, on est toujours en contact. Et, euh, et tu vois, il y a eu, je me rappelle, il y a eu quoi quelques temps plus tard, il y a eu le film euh, Le Loup de Wall Street. Oui, tu vois, totalement. Et en fait, euh, tu vois, on a un groupe WhatsApp et tout ça. Et on dit, c'est quand qu'on loue un jet et qu'on va faire comme, comme vois, eux. la ça. réunion, tu vois. Et donc, on est toujours là, tu vois, ça, ça, restera, ça restera à vie, quoi, parce que, parce que, parce que tu as créé quelque chose et tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez remporté le championnat et même deux, mais vous avez toujours eu un peu des difficultés en Coupe d'Europe. En 2012-2013, vous faites dernier de la poule. 13-14, miné en 8ème contre le Barça. 14-15 aussi. Bon, en même temps, contre le Barça, c'est aussi ouais, voilà, dur. Ouais. c'est dur. Comment tu expliques ça Est-ce qu'il y avait des, plus de difficultés en Coupe d'Europe C'était comment La Coupe d'Europe, c'est autre chose. Tu joues contre des équipes qui ont l'habitude de jouer le titre dans leur championnat. Quand tu joues le titre, ça veut dire que tu es des équipes qui jouent au ballon. C'est un football qu'on ne connaissait pas. Comme je t'ai dis, quand j'arrive, moi, je pense qu'avec Carlos Tevez, il y a Tevez il y a peut-être Nigel De Jong. On n'est pas beaucoup, mais on est peut-être 3-4 à avoir plus de 20 matchs en Ligue des Champions. Ok, donc, donc très peu d'expérience. Il n'y a pas d'expérience, de tu vois. Il y a, y, a, y a vraiment pas d'expérience. Donc en fait, c'est ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui avec le PSG. C'est un peu différent, mais quelque part, en fait, ça te montre, la Ligue des Champions, tu dois avoir le groupe pour, tu dois avoir le tirage pour, et tu dois avoir la réussite dans les matchs coupe-tête, en fait que tous tes joueurs soient performants parce que je te donne un exemple tu fais une demi-finale Ligue des Champions dans un groupe dans un groupe de, de 10 joueurs tu peux avoir trois joueurs par exemple des titulaires qui ont peur de faire un match c'est pas parce qu'ils sont bons qu'ils n'ont pas cette appréhension donc si tu rentres dans une phase où en fait veille de match tu as peur et tu dors mal tu as trois joueurs qui ont mal dormi par exemple tu joues pas à 11 tu joues à 11-3 oui. et donc c'est toutes ces choses là tu vois il faut que l'équipe adverse par exemple je me rappelle quand on joue la finale contre Barcelone Messi il est blessé ça peut faire pencher la, la balance. Tu vois, tu joues un Barcelone sans Messi, euh, le gars, il a toujours été présent. Nous, moi, j'ai joué, joué six fois contre Barcelone. Tu peux rien faire, le mec. Sur six, six matchs, il marque 46 buts contre toi. Tu vois ce que je veux dire Il lobe le gardien. Je ne me cache pas derrière ça, mais il faut être... Tu vois, c'est comme avec l'équipe de France. Quand on perd à, à l'Euro, on perd contre l'Espagne. Je ne dis pas qu'on n'a pas été fautif. Mais vous ou perdez quoi. contre les vainqueurs, que... c'est pas les vainqueurs. Tu, C'est une équipe qui a fait Championnat d'Europe, Coupe du Monde, Championnat d'Europe. Il jouait sans attaquants. Tu vois, Aujourd'hui, on parle du, de créer le surnombre au milieu. Tout le monde est conscient de créer l'homme libre au milieu. Eux, ils jouaient avec Fabregas en neuf, donc ils n'avaient pas l'homme libre, ils avaient les hommes libres au milieu. Tu vois, ne peux pas gagner. Enfin, ce pas que tu ne peux pas gagner, mais c'est très compliqué. C'est difficile. Tu, vois, mais tu mais joues contre Barcelone qui gagne la, 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 le championnat, United avec Ronaldo qui gagne la coupe. Tu perds pas contre des équipes lambda. Tu ne te fais pas sortir par Eindhoven. Euh, ouais, ouais, on donc, manque voilà. pas de respect. Voilà, on, tu manque vois, on manque pas de respect. Tu perds contre des équipes qui vont soulever mmh. le trophée. Donc, euh, donc, il faut de la chance dans le tirage, et puis il faut avoir la chance des, des joueurs qui performent. Tes joueurs, tes bons joueurs qui performent, et, euh, et voilà, tu vois. Et la question aussi, c'est euh, vu que tu l'as évoqué, Messi. Toi, t'es latéral gauche. À des moments, on sait qu'il a joué à droite, donc il a des fois été sur ton côté. C'est si terrifiant. En fait, c est, c est, c est, c est, je, je peux pas te dire que c'est pas terrifiant parce qu'en fait, je veux te dire, c'est pas terrifiant. Et puis en fait, il a marqué 4 buts contre nous. <rire> <rire> tu vois, donc je peux pas te dire c'est pas terrifiant. Moi, personnellement, dans le 1 contre 1 avec lui, ça a toujours été. Parce qu'il rentrait beaucoup dans l'axe. Peut-être que j'ai des facultés. J'ai beaucoup joué contre Pedro. Ouais. Euh, ah, Pedro, c'est intéressant. Tu vois, c'était très bon. Euh, moi, le joueur qui m'a posé beaucoup de problèmes, c'était Sean Ray Phillips, par exemple. tu vois? Oh, bah Lui. Centre de gravité très bas. Avec 64 euh, 110 km/h. Voilà. Il était dans mon registre, mais aussi performant que moi. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de mal contre lui. Mais bon, bien sûr, Messi et Ronaldo, c'est toujours un challenge. Peut-être que tu te prépares différemment quand tu affrontes Messi. Je me rappelle que Wenger, il m'avait un peu challengé. Tu vois, il, dit, euh, il était venu, c'était à l'époque où il était chaud. Hein, tu vois, il marquait tous les buts. Il m'a mmh. dit, euh, comment tu te sens pour euh, le match je dis, ouais, ça, ça va, quoi, tu vois, mais bon, ça va. Et il me dit, il me dit, je sais que tu vas faire un, un très grand match, tu vois. Et donc, des petits trucs comme ça, des fois, en tant que coach, c'est pour te dire, en fait, euh, commandement man, tu vois. Mais c'est sûr que, bah, comme je t'ai dit, il, il, le gars, en, je sais pas, à quatre confrontations, il a marqué peut-être euh, sept buts ou huit buts. Ouais, quoi. ouais, ils sont ouais, sortis tout il, le temps, quoi. Tu vois, tu, Et puis, même sur 15 ans, il, tu vois, il y a eu 15 ballons d'or, ils en ont gagné 15 à eux deux. C'est bon, euh, ils ont tué le game, quoi. Lors de la dernière saison de Manuel Pellegrini, vous atteignez les demi-finales de la Ligue des Champions contre le Real Madrid c'est aussi l'année euh, de la fameuse double confrontation contre le PSG, le 3-5-2 de Laurent Blanc, tout ça. Euh, Est-ce que ce sont les, les récents échecs qui vous ont permis de passer un cap C'était comment cette double confrontation face à un PSG qui, à l'époque, était plutôt bon et cherchait à dépasser ses cartes finales de LDC en Pour moi, rappelle. personnellement, c'est mon équipe, en fait, Paris. Tu vois, j'ai toujours supporté Paris, donc c'était un, un vrai kiff. Et puis, en plus, bah, quand tu gagnes, bien entendu, c'est un kiff qui est, qui est doublé. Mais. Euh je pense qu'en fait, il faut savoir être patient. Aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, on veut tout rapidement. Tu sais, tu, 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 tu commandes, tu claques des doigts, tu as la, la nourriture qui est livrée chez toi, euh, tu, tu prends un avion, tu as deux jours libres, tu prends un avion, tu vas à l'autre bout du monde. Avant, ça se faisait pas. Avant, tu devais planifier tes vacances. Moi, je me rappelle quand je partais à Martinique avec mes parents, c'était des voyages, c'était planifié sur deux ans. Je dis à mes parents, mais comment vous faisiez pour planifier Moi, aujourd'hui, c'est tout last minute. Ça veut oui. dire qu'en fait, euh, comment vous planifiez un... Ça veut dire qu'en fait, s'il se passe quelque chose, t'as acheté des billets, t'es obligé de partir. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est totalement différent, et c'est un peu pareil dans, dans, dans le football. C'est peut-être même encore plus rapide. C'est qu'en fait, on veut tout rapide. Ça veut dire que tu vas acheter un joueur. Chelsea, ils ont dépensé des millions sur des joueurs. C'est des joueurs qui sont pas prêts. Je ne dis pas qu'ils sont pas bons, mais ils sont pas prêts. Il faut ah, du temps. C'est du brut. Ben, bien du sûr, très très brut. Demain, même. je te dis, fait Ils ont qu'un seul joueur de plus de 30 ans. Hein. Tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est ça. Tu vois Donc, je te dis, demain, tu veux cuisiner une ratatouille. Tu vois Tu prends pas tous les légumes, et tu les mets dans une marmite et tu mets l'eau et tu fais cuire. Tu vas, avoir, tu vas avoir une bouillie tu fais cuire, tu fais revenir les oignons séparément, les tomates au four, peut-être pour qu'elles soient un peu croustillantes, tu vois, par exemple, avec un peu de sauce. Tu fais tes pommes de terre, tu fais ce que tu veux. Et puis, à la fin, une fois que tout est cuit, tu mets tout. Ça mijote pendant 12 minutes. Et tu là, t'as un, bon tu... tu... un vrai truc. Tu vois ce que je veux dire Tu ne tu, tu, tu balances pas tes ingrédients et puis tu dis du sel, du poivre, tu vas manger, tu vois Et c'est un petit peu ça. Donc, en fait, tu peux pas espérer autre chose quand tu es Manchester City euh, si tu ne passes pas par ces étapes-là. Tu dois te faire humilier, comme ça a été le cas sur la première année où on termine dernier. On va à Naples, on se fait tordre. La deuxième année, tu prends un peu plus de confiance, mais tu te fais toujours tordre. Et puis après, tu sors des groupes. Et puis après, tu fais un quart, tu vois. Et puis, tu et puis, arrives à la demi. Et puis, tu sais que... Tu vois, moi, il n'y a, a pas beaucoup de... Quand j'ai commencé à jouer titulaire, en fait, ouais. parce que quand j'étais jeune, même j'allais à Middlesbrough, tu vois, c'était un stade, il était énorme pour moi. Mais quand j'ai commencé à enchaîner les matchs, il n'y a pas beaucoup de stades qui m'ont fait... Euh, où j'ai peur en fait tu vois je me suis jamais senti euh, oppressé, oppressé. Euh, ouais, ouais. j'arrive à Madrid pour ce match là bah, bah, bah. le Bernabeu silence quoi tu vois la maison blanche tu sais et c'est trop bizarre parce que même le, Bayern, même le, 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 le Barça l'équipe te faisait peur parce que c'est l'équipe de Pep où ils ont, ils ont tout gagné donc l'équipe en fait tu dis ouais là il y, y a des morceaux ce soir mais le stade en fait tu rentres au Bernabeu tu dis damn bah C'est le stade de tous les possibles, on l'a vu en 2022. Hein. Ouais, tu dis « waouh », tu vois Et donc, tu quand tu vois les, les Bellingham, tu vois, les, les trucs comme ça, les jeunes qui arrivent, et une arrogance, tu vois une, Tu cent sans, sans, sans aucune retenue, faire ce qu'ils font, chapeau Donc ouais, ce match-là, tu te dis, on aurait pu gagner. Et je pense qu'avec deux ans de plus et deux, trois joueurs différents, tu gagnes parce qu'en fait, on fait 0-0 à la maison et on prend un but euh, dévié, un but contré de Gareth Bale. Bref, ça nous lobe. 1-0, un but tout bête. Et dans les débats, bon, tu vois, ça, ça, ça se tape, quoi. Mais euh, Madrid, quoi. Madrid. Et la double confrontation face au PSG, justement, en particulier, est-ce que tu as vécu quelque chose dessus Tu as ressenti un truc Vous n'étiez pas complètement favori à cette époque-là. Non, on n'était pas favori parce que c'était une équipe qui, qui dominait, qui était très bien. Laurent Blanc, c'est peut-être le, le coach qui a fait le mieux jouer le PSG, mmh. si on est honnête. Il euh, y a eu, je me rappelle, il y avait une petite polémique autour de son choix. Il passe à trois derrière de et tout ça. Trucs, ouais. Mais on les En tout cas... on, on... On n'était pas dominateur comme City peuvent être dominateur aujourd'hui. Énormément de ratés aussi. Voilà, mais oui, c'est vrai, il y avait pas mal de ratés. Mais, euh, mais c'est vraiment ce moment-là où en fait, tu sens qu'en tant que club, en tant qu'équipe, tu, tu grandis. Tu grandis parce que tu, tu, tu fais des résultats, tu souffres un petit peu, mais, euh, mais tu mérites quelque part aussi de gagner. Et, euh, et pour moi, pour les Français, je me rappelle, il y avait Sanya aussi. C'était une saveur particulière parce que tu joues contre un club français. Et bien entendu, étant français, tu as envie de, 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 ouais, de faire la perf. Quoi. Je comprends. L'été 2016, il est marqué par l'arrivée de Pep au club. Alors, toi, tu avais connu là, ce que tu nous disais sur Mancini avant. Là, c'est Guardiola qui arrive. Comment tu accueilles un peu cette nouvelle, en sachant qu'elle euh, nous a été communiquée dès le mois de février, ouais. vraiment très tôt, si je ne vous dis pas de bêtises Comment Qu'est-ce qui a changé Tout. Tout. En fait, il a pris. Euh, il a pris il, pas pas comment, il a pris mon monde du football. Et quand je dis mon monde, c'est pas un monde, J'ai pas 16 ans et ça fait deux ans que je joue dans le non, football. Non, voilà, hein. ça fait 12 ans. J'ai trois premières Ligues, j'ai joué finale des Champions, enfin, tu vois, demi-finale. J'ai 32 ans, il a pris mon monde en fait, tout ce que j'ai connu, tu vois, l'encyclopédie, la bibliothèque dont je te parlais avec ouais, les ouais. invincibles et tout ça, en fait, il a retourné, tu vois, les, 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 les trucs souvenirs, là, où tu secoues, il y a oui. de la neige, là. Oui, tu oui, vois. oui, oui, les grosses boules, là. C'est ce qu'il a fait en fait, en 10 mois. Je me dis, mais c'est quoi en fait, c'est ce, ce, quoi ce mec en fait, tu vois Je ne suis pas à dire que c'est le meilleur entraîneur du monde, parce que clairement, ce n'est pas la recette Guardiola qui te fait avoir du succès. Tu as la recette Klopp euh, euh, Guardiola. Euh, euh, Mourinho, Wenger, ce que tu veux. Mais lui, c'est un tueur, Son premier meeting quand il arrive, il nous prend pendant 45 minutes, il parle de tout, sauf de football. Parle de quoi Tout. Il dit, euh, ça fait un an que je sais que je viens et je vous regarde. Vous êtes une équipe de gros, de gros. Il dit, moi, je veux mes joueurs comme ça. Donc il a dit, je vais vous annoncer un poids de forme. C'est pas vous qui allez me dire votre poids de forme, c'est moi qui vous annonce votre poids de forme à la fin ouais. des 5 semaines de pré-saison. Plus de 2 kilos, tu tournes. C'est ce que Samir il nous avait raconté, ça m'avait régalé. Tu vois Mais donc, moi, moi je suis là, et moi, moi tu sais, je suis, ça fait 11 ans que je suis vegan. Tu vois? donc en fait, moi, j'ai jamais été un joueur talentueux, donc je sais que pour. Je me suis toujours dit que pour exister dans cette dans cette industrie, là, dans le monde du football, il faut que tout soit parfait. Je dois me coucher à la bonne heure, je dois bien m'hydrater, je dois bien manger, je dois bien travailler, je dois bien faire ça, je dois tout bien faire. J'ai beaucoup entendu de coachs qui disent euh, qui, qui avait ce discours euh, ouais le poids le poids j'attends de te voir tu vois on rentre de pré saison deux joueurs en surpoids je te parle pas euh, du petit de l'académie deux joueurs costauds. pendant dix jours les mecs ils tournent autour du terrain j'ai dit aïe ah, yeah. aïe ah ouais ça <laughs> <Samir et Yaya."> virait <laughs> Ouais, moi je t'ai dit, bah les noms, c'est pas moi, Samir. Il a moi j'ai dit, moi, réagi, Samir. Il l'a euh, dit, il il dit, il dit. dit, mais bien sûr qu'il l'a dit. Il l'a raconté, donc en fait c'est trop drôle de pouvoir raconter l'histoire croisée. Incroyable. Ça me régale. Incroyable. <laughs> Yaya Touré Samir Nasri tu vois. Et il a même dit, De Bruyne, lui, ça a pris un jour ou deux et pas fait les C'est vrai c'est vrai, vrai Ouais, c'est vrai, c'est vrai, carrément. Moi je pense même pas à De Bruyne, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Tu vois, il a pas le temps. Donc en fait, quand tu vois ça, tu dis. Après, il dit plein de trucs. Il dit, euh... il dit, moi je sais que vous. Êtes là, là, de, du premier jour de pré-saison. Jusqu'au premier match qui est Sunderland, vous allez tous appeler. Vous allez appeler vos femmes, vos cousins, vos pères, vos mères, vos, vos mamies, vos papys. Vous allez dire Punaise, Pep, il est trop chaud, je kiffe, je kiffe. <laughs> je soulève la feuille pour le match contre Sunderland, le 11 titulaire. Je sais qu'il y a la moitié de l'effectif qui vont appeler les mêmes gens. Ils vont dire C'est un. Ouais, je ne l'aime pas, c'est une pourriture. Il dit Je sais que c'est ça. Il dit Vous voulez que je vous dise quelque chose Je m'en fous. Il dit Moi, je suis pas comme Ancelotti. Ancelotti. Titulaire, remplaçant, blessé, suspendu, les joueurs, ils meurent pour lui. Il dit Moi, je sais que c'est pas ça. Moi, si t'es blessé, je peux rien faire avec toi. Si t'es suspendu, je peux rien faire avec Par toi. Saouette. Il dit ça comme ça, tu vois Il dit ça comme ça. Il dit donc là, à la fin du meeting, les gars, s'il y en a un ici qui pense qu'il peut jouer 40 matchs, il n'y en a aucun qui jouera 40 matchs, je m'appuierai peut-être sur deux joueurs. Et tu vois, il dit on en... Voilà. Mais la plupart, il n'y a personne qui fera 40 matchs. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, Venez de suite, là, à la fin du. Le bureau, il est à droite. Je veux partir. Et je vais faire en sorte que tu partes. Si personne vient à la fin de la journée pour me dire je veux partir. Je compte sur vous. Je ne veux rien entendre sur le courant jusqu'à décembre, le prochain transfert window. Je veux rien entendre. Il se dit des trucs comme ça, tu vois. Il ça, doit, part... ça doit secouer quand même. Hein? Mais, mais en fait, tu te poses la question, tu, te poses, tu te dis mais il est sérieux, il n'est pas sérieux. Puis après, tu, après tu, vois? tu vois. Moi, je me rappelle, il y a un truc. Il y a une anecdote, tu vois. Euh, on fait un... Donc, le rondo, tu vois, les, les taureaux. Ouais. Et après, on, on bascule sur du travail ph physique avec le préparateur physique. Donc c'est avec, avec le ballon intégré, tu vois, mais c'est euh, du cardio en fait. Et il y a toujours un petit euh, un break, water break, tu vois, une pause boisson de 40 secondes. Tu vois, il fait 40 secondes, comme ça tu trottines, tu bois et puis tu pars. Donc on est sur un terrain et on allait aller sur l'autre terrain. Donc, il me prend à part, il me dit Ouais, tu vois, quand tu reçois le ballon, j'aimerais que tu fasses ça, 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 et que tu là-bas, parce que si tu fais ça, tu libères lui, nanani, nanani, tu comprends. Et on me dépasse les 40, minutes, les 40 secondes. Et là, il y a le préparateur physique et le groupe qui m'attendent sur l'autre terrain. Et, euh, et j'entends Oh Pep Il dit Stop talking Arrête de parler C'est mon, mon moment là maintenant It's my time Arrête de parler Et là, il me regarde. Et il dit Regarde, regarde, tu sais quoi Va vite, sinon il va me casser la tête, je te prends après l'entraînement. Et en fait, ce qu'il fait à ce moment-là, le gars, Bien sûr, on sait que c'est toi le boss, mais en fait, il met lui le boss et ouais. il met toute son équipe à égalité, au même niveau. Ouais. Si tu déconnes avec lui, c'est comme si tu déconnes avec moi. Donc en fait, je te loupe pas. Tu vois. Et en fait, pour moi, c'était incroyable à voir parce que tu vois, on dit souvent il faut déléguer, tu vois, les boss, il faut déléguer, il faut pas avoir peur. C'était incroyable en fait. Le mec, c'est presque. Je vais pas dire du sans faute parce qu'il y a des choses en fait qui, qui clairement sont sorties dans la presse et que dans, le, dans la façon de manager des fois mmh. les, les hommes qui a pu être plus ou pas compliqué mais, mais sur un plan global de, 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 du, du, du manager, c'était incroyable, quoi. C'était juste incroyable. Et donc, moi, je regarde ça, je me dis, ouais, le mec, en fait, il parle. Bien sûr, il gagne aussi. Mais en fait, tu vois, en anglais, on dit « back it up », tu vois Ça veut dire, en fait, tu parles, mais en fait, tu, 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 tu nous montres qu'en fait, tu, tu peux exécuter certaines menaces. Incroyable, incroyable. Et les séances, pareil, elles étaient vraiment différentes, différentes de ce que tu avais ouais, connu ouais, jusque-là. Les... Tu avais quand même connu du Wenger, du Pellegrini, ouais. du Mancini, tu avais connu des gros coachs. Ouais, mais au final, c'est. Euh, moi, pour moi, le mot. Tu sais, quand je parlais avec lui, il me disait. Le mot au football de haut niveau, c'est le détail, Gaël. Tu vois Donc, moi, j'ai toujours été dans le détail. Parce que je t'ai dit, j'ai jamais été un joueur talentueux et je pouvais pas m'arrêter, me, oui. me contenter de ma qualité. Mais lui, le détail, c'est. Je te dis de venir ici. Lui, il va faire ça. Lui, il va venir. Tu trouves là, il va trouver là. Terminé. Et là, je repense et je me dis, Arsenal-Barcelone, contrôle do euh, dopage, tu vois, euh, anti-dopage, moi, Abidal et moi. On discute, tout ça. Il me dit, putain, Gaël, le coach, il te kiffe, Pep. Il te kiffe trop. Il oh. te kiffe trop. Il dit, mais en fait, toute la semaine qui vient de passer, on a fait que regarder ton match. Il dit, parce qu'en fait, ta qualité à toi, c'était le point faible de ton équipe. Il me dit... Il me dit, tu rentres chez toi, tu regardes le match ce soir. Toute la semaine, ce qu'on a fait, on envoyait Daniel Vess en tant qu'ailier droit, donc sur ton épaule gauche, quand le ballon il était sur notre gauche avec, avec, avec moi, Eric. Du coup, votre bloc, il se décale là. On mettait Daniel Vess en ailier, Pedro qui rentrait juste devant Intérieur, toi ouais. te fixer et Messi qui venait entre toi et Koscielny. Et dès que le ballon, on faisait 3-4 passes, vous allez tous bouger de ce côté. Et là, ça libère. On change là-bas et on savait que comme tu étais tellement rapide... T'allais sortir, t'allais sortir comme une flèche sur Alves pour bloquer le centre. Sauf qu'en fait, derrière, ça suivait pas. Ton central était milieu. Ils oh, avaient pas la rapidité. Là, et ouais. du coup, le trou entre toi et ton central, il y avait Pedro et Messi. Il me dit, rentre chez toi, regarde le match. Je suis rentré chez moi à 4h du matin, je regardais le match. Je me suis senti violé. Pff, violé. Et du coup, je me suis dit, donc en fait, la meilleure équipe du monde, avec un des meilleurs entraîneurs au monde, se cale sur les faiblesses de l'équipe adverse, qui était mon point fort, pour avoir du résultat. Et ce jour-là, quand je vois Pep en face de moi et qu'il me parle de détails, ça revient en tête et je me dis, je ne vais pas le dire là, mais. Ouais, ça, c'est l'élite et c'est le, le détail. Le, le niveau de détail et comme tu dis, même de préparation et d'analyse, tu vois, en amont pour le voir, c'est une folie. Je te donne encore un autre truc. On fait pré-saison, euh, on fait, euh, pré on fait euh, Zichenko, arrière gauche d'Arsenal. Il était numéro 10 avant, tu vois, quand il vient faire la pré-saison. Il veut faire une passe en profondeur. Euh, J'anticipe le ballon. Je la donne au gardien. Et lui, en fait, il, va, il vient me presser. Je, je donne au gardien. Donc, il va presser le gardien. Le gardien, il trouve le, le central. Il presse le central. Et le central donne sur le 6. Et il presse le 6. Il passe devant Pep. Et là, Pep, il l'attrape il, il, il comme ça. Elle dit, stop Stop Et là, on se dit, ouais, il va le découper parce qu'il court comme un poulet sans tête. Et il dit, il l'attrape comme ça. Il dit, vous voulez m'impressionner ici y a quelqu'un qui veut m'impressionner ici C'est ça qu'il faut faire. Si vous faites comme ça, là vous allez m'impressionner. Et il le tape comme ça dans le dos. Il dit lui, il jouera dans mon équipe. Après il est parti en prêt et il a fait de lui un arrière gauche qui a été instrumental à un moment donné dans son, dans, dans son jeu, tu vois. Et donc, et donc en fait quand tu vois ça tu dis il y a aucun entraîneur. Enfin il y a pas aucun entraîneur. J'ai pas connu tous les entraîneurs du monde mais en fait tu vois bon, ça bon, tu bon. dis. tu vois, le Pep c'est le beau jeu c'est tu vois on marque des buts ton truc. Non le gars il n'a pas le temps. Il... il... Le détail, le détail. Il donc, a toi, tu n'étais pas, on va dire, euh, surpris quand tu as vu City de l'an dernier la mais structure, Non, mais non, image, mais non. C'était une suite non. logique. Non, Genre, même si on a vu City galérer pendant quelques années au début en LDC, toi, peut-être dans ta tête, tu savais que la finalité, c'est que ça arriverait. Je ne cherche pas. Quand, quand, L'année dernière, quand il y a le, le duel là, avec Arsenal pour Truc, pour le championnat, si, Arse si une équipe n'arrive pas avec 12 points d'avance sur les huit derniers matchs en championnat, je, je dis que City va être champion. Pourquoi Parce qu'en fait, même quand ils perdent des points, qu'ils perdent ou qu'ils qu font, qu qu font match nul, si tu rejoues ce même match dix fois, ils vont le gagner sept fois, ils vont faire deux nuls et ils vont perdre une fois, par exemple. tu vois Pour moi, c'est ça une équipe qui, qui, qui domine quelque chose. Donc même s'ils ne gagnent pas, même s'ils gagnent pas une coupe, c'est eux, eux les vainqueurs, parce qu'ils sont trop réguliers. C est, c est, c est, tu vois, ce n'est pas genre tu frappes de 40 mètres, lucarnes, et puis après tu défends, tu as gagné, trois points. Non, Crystal Palace, Manchester City dans sa première saison, à l'approche de Noël, Boxing Day là, il fait froid, il neige, la neige fondue. <laughs> les, les bons matchs ouais, anglais. Ouais, ouais, tu vois. En plus, cristal palace à l'époque, tu vois, t'as les orteils qui sont congelés. On marque un but sur corner ou je sais pas trop quoi. On défend comme des gogoles. <laughs> on rentre dans le vestiaire. Ouais, trois points, tu vois les. Ouais. Il est comme ça, il est assis comme ça. Au bout de sept minutes, il dit c'est bon, vous êtes contents. Donc nous on dit asseyez-vous. Il c'est simple les mecs. Un match comme ça, je n'en veux plus. Vous êtes tous cachés, personne n'a voulu le ballon, des joueurs qui se cachent, je n'en veux pas dans mon équipe. Je préfère qu'on perde le match 4-0 parce qu'on a fait 20 poteaux et qu'on a dominé, on a eu des corones que ça. Parce que ça, là, tu gagnes un match, mais tu en perds 5 d'affilée derrière, ouais. par exemple. C'est l'épiphénomène, mais il ne faut pas se baser voilà. sur ça. Alors non. Que... À l'inverse, tu as touché 20 fois les poteaux, c'est l'épiphénomène. Ça va tourner, ouais. ça va tourner. C'est un peu, super intéressant. C'est un peu ce qui s'est passé avec compter. Tu vois, quand il est à la Juve, oui, oui, oui. Les, 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 les les premiers matchs en fait, il, il, il perd, il, il gagne pas. Et en fait, il y a un truc qu'il sauve, c'est que tous les voyants sont allumés verts. Les XG, tu vois oui. le toutes euh, les data, toutes les datas. Proc occasion, occasion. C'est qu ce qu'il sauve. Et après, ils vont gagner, ils vont gagner le titre. Parce qu'au final, ça va tourner. Oui, tu vois. Lors de cette première saison, en parlant de compter, vous finissez à 15 points du leader Chelsea, de compter en plus à l'époque, avec sa défense à 3 derrière et tout, c'était vraiment une très belle équipe. Est-ce que qu'elle été nécessaire cette première saison de rodage dans la progression de City, tu penses, vu que c'était la première saison de Pep là-bas Oui, je pense qu'il est conscient, tu vois, il prend Arteta parce que Arteta connaît la première ligue, donc il a besoin de quelqu'un qui connaît vraiment le championnat. Et je pense qu'il sait que ça va être dur, mais je pense qu'il a tellement gagné au Bayern et à Barcelone qu'il est quand même très confiant. Oui. Et je ne dis pas qu'il le prend à la légère, c'est pas ça. Un, il n'a pas les joueurs qu'il souhaite avoir oui mais 300 on... millions d'euros dans une défense l'été d'après hein. voilà voilà on... voilà, c'est exactement ça Son donc ça facilite en fait. on est d'accord hein, ça facilite mais, mais tant bien même je pense qu'il arrive un petit peu sur de lui ok il n'a pas les joueurs qu'il qu souhaite d'accord euh, et en fait je pense que ça le secoue un petit peu parce qu'en fait il a jamais fait ça on se qualifie à la dernière journée tu vois pour Ligue des champions ce qui était important pour, pour la suite bien sûr mais en aucun cas j'ai un doute sur ce qu'il va, qu va faire quoi Jamais. Je comprends. Cette saison-là, d'ailleurs, vous sortez euh, en LDC face à Monaco. Si je ne dis pas de bêtises, ah. c'est la saison avec le but de Falcao, la révélation de Kylian, Kylian... Mbappé et mmh. tout. C'était dingue, cette double confrontation tu face vois, à Monaco. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de, 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 de Leicester. Il n'y a jamais équipe lambda, en fait. Tu vois, cette équipe de Monaco, elle nous sort, mais ce n'est pas une équipe de Monaco. Euh, genre de Ligue 1, hein. oui, oui. Mbappé, euh, Ballon d'Or, Bernardo, Bernardo Silva, Falcao, Falcao Fer, Benjamin Mendy, il y a, il y a de vrais Sidibé, champion du monde, tu vois, c'est une vraie équipe. Le coach, tu vois, le portugais, c'est, tu l'école portugaise aujourd'hui, depuis les 8-10 dernières années, c'est quand même une révélation, tu ouais, vois, ouais, ils sont quand ça. même forts. Donc, euh, mon gars, en fait, c'est pas une équipe lambda. Et... et ouais, ils nous sortent, ils nous sortent, et puis il n'y a rien à dire, tu vois, on a... à Monaco, je pense qu'on on, on, on déjoue, on joue complètement à l'encontre, à l'envers de ce qu'il nous demande. Il est vraiment pas content dans le vestiaire. C'est comme ça. C'était une équipe qui était, euh, qui était, qui était pente, tu vois, euh, ascendante. Et nous, on était sur une pente. On avait des joueurs qui avaient gagné le titre. On a peut-être, on avait un peu moins envie. On était moins frais. Et voilà, il fallait un, renou un renouveau. Et puis le but de Falcao, là, le lob, c'était Aléthia Dar. Aléthia, oui, ouais, oui ouais. une œuvre Mais ça, c'est, tu vois, c'est une saison où, où en fait, euh, parce que, parce que je te dis ça, mais en vrai, tu vois, Falcao l'année d'après, il, il est cuit. Tu vois Kylian, il est tout feu. Tu vois, oui, cette... oui, en sûr. fait, ils avaient un mix entre cette cette, cette, cette expérience, tu vois, l'expérience de certains cadres et la fougue en fait de, de, de tous ces jeunes-là, quoi. Et c'est un mix qui, qui, quand ça touche et que les étoiles sont alignées, ça renverse quelque chose, quoi. Et bien sûr, quand il y a Mbappé Ballon d'Or, c'est nominé Ballon d'Or. Bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. il va l'être. Il euh, le manière. sera. Oui, 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 on est, est d'accord. Au final, tu pars à la fin de cette saison-là avec 6 saisons, 5 titres remportés, tu départ en Turquie, à Istanbul. Quel bilan tu tires de ton passage à Manchester Ouais, que du positif. Que du positif parce qu'aujourd'hui, on se cale sur ce qu'ils font dernièrement, mais il y a toujours un départ en fait. Il y a toujours un début. Et, et moi, je suis fier de ce qu'on a pu réaliser parce que c'était une autre époque, c'était une autre façon de jouer. Et c'est vrai que le seul petit regret que je peux avoir, c'est de ne pas avoir pu. Euh, J'étais beaucoup moins performant, j'étais toujours performant, mais mmh. j'étais forcément dans une période qui était plus proche de la fin que, que du, du début. début ouais. Et dans cette condition-là, j'aurais aimé avoir encore quelques mois avec Pep parce que je pars en Turquie, parce que je ne veux pas jouer en première ligue dans des équipes de bas de tableau, parce que j'avais des offres, et j'ai déjà mon idée de devenir carrière, entraîneur. Okay. Parce qu'en fait, c'était trop beau à voir en fait. Il y a des gens qui vont dire que humainement, il n'est pas top, peu importe, et je ne le connais pas assez en plus pour... Euh, j'ai pas eu cette relation pour te dire c'est un bon mec ou un mauvais mec, mais en termes de, de, de travail et de méthodologie, c'est très compliqué aujourd'hui pour moi de me distancer de ce qu'il fait. De ce qu'il qu qu a fait. Ouais. Et ça, il, il m'a montré ça en dix mois. Donc en fait, euh, le seul regret, c'est de ne pas avoir... En fait, j'étais un peu moins compétiteur, euh, j'étais un peu moins performant, mais j'étais encore plus compétiteur parce que j'étais dans ma dernière année de contrat et j'avais à cœur de, de montrer au club que je pouvais encore et je méritais encore et donc j'acceptais pas d'être remplaçant je faisais la, la, la je tirais un petit peu la tronche quand j'étais remplaçant et je pense que ça ça pas, ça, pas, ça été, pas joué, ça pas joué pour cas, moi ouais. et donc j'aurais aimé avoir cette lucidité pour me dire prends ce qu'il y a à prendre reste encore un an deux ans pas pour les titres pour le coup parce que bon, j'aurais été champion ou peu importe mais c'est une mine d'or ce mec en fait avant qu'on discute forcément de, du côté Turquie, il y a aussi le côté Euro 2016 où du coup à, à la maison, à domicile, avec l'équipe de France, euh, quand même un regret sur cette non-sélection ou à ce moment-là tu t'étais fait euh, une non, je, je sais, je, je sais à la Coupe du Monde au Brésil que c'est mort euh, et c'est marrant parce qu'en fait en prenant le poste avec Thierry, en, enfin, quand j'ai accepté d'être assistant Thierry. On a rencontré euh, Didier. Didier et en fait il m'a donné la raison de ma non, non convocation sélection. parce qu'on parlait d'un joueur en fait qui je lui ai demandé, c'est comment aujourd'hui coach de, de faire une liste parce que c'est parce que nous c'était notre première bah oui puis, et on en avait partout on avait des joueurs de tous les côtés avec Thierry avec Gérald on dit ouais et donc elle était compliquée à faire il dit non la première elle est très compliquée puis après tu as ton noyau dur il dit il y a toujours trois quatre noms qui sont compliqués c'est les trois quatre noms il dit mais en fait il dit, euh, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, tu dois faire une équipe qui peut vivre ensemble, en fait. Et, et en gros, il me dit, toi, tu as été un petit peu victime de cette façon-là. C'est qu'en fait, quand tu as deux joueurs au poste qui se tirent la... Ouais, la, qui ont un niveau la, similaire, l'un ou l'autre. Que toi, tu as une idée en tête euh, et que, ben voilà, tu essaies de faire le moins de vagues possible et du coup, tu crées le moins de tension possible et tu fais des choix. Donc en gros, c'était un petit peu ça. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'apprends, mais je sais, je sais en 2014 que, euh, que ça va pas le faire, parce que dans cette période-là, avant la Coupe du Monde, on a pas mal d'échanges, euh, où il me dit certaines choses, où je dis certaines choses, et au final, je suis plus le jeune de 22 ans qui n'est plus légitime comme à l'Euro 2008, oui, oui. quand je quitte Arsenal pour aller à City. C'est pour passer un cap et notamment franchir un palier avec la sélection. Je quitte City, je suis champion, je deviens titulaire au championnat. Alors, en, 2012. En, en, en voilà. Euh, J'estime qu'il y a quelque chose à faire. Changement, on redistribue les cartes, ça fait partie du jeu, voilà. On en est là. Et donc en fait, je lui ai toujours dit que ben, j'étais toujours meilleur quand j'étais dans l'adversité et que ça allait pas. être Facile pour lui. Et donc, euh, donc, voilà, il y a un choix qui est fait. C'est un choix qui fait mal quelque part, parce que c'est peut-être la Coupe du Monde, tu ne veux pas louper, c'est l'au Brésil, tu vois, c'est le pays, le pays du, du foot. Mais, euh, mais au final, quand je regarde ce qu'il fait, il fait partie des entraîneurs qui. Aujourd'hui, je suis entraîneur, qui. Euh, il, a, il, a, il a un pragmatisme qui est, qui est juste énorme, quoi. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire Ouais, avec la génération qu'il a, il, il peut faire jouer l'équipe mieux. Mec, chaque. Chaque compétition, il fait une finale, en fait, le gars. C'est vrai qu'on va dire que tu, tu, le track record est solide. Non, tu peux dire ce que tu veux. Est-ce que tu préfères avoir une équipe qui joue, qui joue, qui joue et qui se fait sortir en quart Ou est-ce que tu préfères. Non, tu, tu peux rien dire, tu vois. La Coupe du monde 2018, euh, Ligue des Nations, ouais. qui compte également, deux finales Euro et CD, l Euro. La CDM. Et il n'y a que l'Euro 2021 où, qui peut faire un peu ouais. tâche, mais au global, c'est quand même un passage excellent. Il y, y a rien à dire, c'est Il a rien à dire. Et mm -hmm. ça, c'est quelque chose que tu prends avec toi parce qu'à un moment donné, il y a des décisions à prendre et en, en termes de prendre prise de décision, il n'y a, a pas mieux. Quoi. Le passage en Turquie, tu retrouves là-bas des bailleurs. Euh, comment tu juges le niveau du championnat turc euh, On connaît la grande ferveur là-bas. Euh, tu l'as vécu comme ça Ouais, eux, ils sont vraiment. C'est le feu et, le, et la glace. Quoi. Ils te <laughs> donnent tout, ils te retirent tout. Euh, <laughs> mais c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment ça. Et en fait, ils vont. Euh, ils vont te décrocher la lune et puis euh, genre six mois après ou même pas, trois, trois week-ends après quand t'es pas bon, euh, c'est de ta faute, tu, tu, tu te retournes. Et moi, en fait, quand je vais là-bas... Ah bah c'est trois saisons quand même là-bas. Je, je passe trois saisons, j'ai été champion. Et tu sais, si tu regardes les 60 dernières années, il y a eu quatre champions en Turquie et nous, on est la cinquième. Donc, bien entendu, c'est le championnat turc et, et c est, c est, ça ne vaut pas le championnat anglais, mais la performance nationale, elle était énorme et, 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 et je suis je suis confiant de pouvoir dire que j'ai apporté quelque chose au club parce que euh, à un moment donné tu as des joueurs qui peuvent rendre un club professionnel et moi j'ai été euh, du premier jour jusqu'au dernier jour j'ai été euh, euh, toujours en confrontation directe avec le président et le et le je me rappelle on fait, on fait un les joueurs ils, ils se coupent souvent les, les cheveux, veille les ouais, matchs et tout classique. ça. Donc, nous, le président, pour être super cool, il nous, fait un, il nous, il nous crée un barbeur, un barbershop dans au sein d'entraînement. Même toi, les cheveux ils sont bien revenus. Ouais, <laughs> bon, j'ai toujours eu des cheveux. C'est juste que je T'as vu commenter J'ai toujours eu des cheveux. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. J'ai toujours eu des, des cheveux. Zach, conduit C'est grave ça Je veux te balayer Mais enlève ton bonnet Ouais, voilà, c'est ça <laughs> <laughs> ah. J'ai cru que t'étais un frère. Ah. <laughs> Ah, et, euh, et du coup ouais, il nous fait il nous fait un, un barbe shop tu vois avec du marbre et tout et puis tu sais en Turquie c'est très euh, le pouvoir tu vois ce qui quand quelqu'un qui a du pouvoir tu respectes, tu vois tu, tu parles pas et donc le président il nous fait un, un discours et tout ça est-ce que vous êtes content euh, hein je vous ai fait le beau ouais, truc, le, le truc et ça et donc il dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions mais là en général quand il dit ça en, en Turquie quand il dit ça, en fait, c'est pour dire. Euh, T'as pas de question. Personne ne <laughs> parle. <rire> Moi, je lève la main. Et donc, euh, avec un traducteur, et je dis au traducteur, je dis exactement ce que je vais te dire. C'est pas de. Essaye pas d'arrondir les ouais. trucs, ouais. Tu vois, juste dis ce que je vais te dire. Président, c'est très gentil. Merci. Je suis le premier à me servir du barbershop. Il y a pas de problème. Euh, on ça, est beau. Ça, ça, ouais, franchement, c'est stylé. Mais en fait, ça sert à quoi de faire ça, en fait On a un terrain le stade. Il est éclaté. Il y a du sable. Sans entraînement, on peut pas s'entraîner. On peut pas faire de passes. Vous voulez qu'on joue mais On peut pas faire de passes. Euh, et, le, et le chef c'est un chef de fast food il y a des pizzas il y a du Nutella et du Coca il faut changer ça je dis moi je suis vegan je, vous me faites venir on va avoir des mauvais résultats vous allez dire c'est moi à cause de moi mais moi je peux pas performer là-dedans j'ai dit je me couche à 10h30 j'entends des gars qui se couchent à 3h du matin ça veut dire je me réveille à 3h je dors plus qu'au match je suis, et vous allez dire c'est moi qui arrive de City qui est nul changez tout ça sinon je vous dis direct ça va pas marcher. Je rentre chez moi et ma femme elle vous dira merci parce que on est bien en France. J'avoue que le côté pizza Coca, tu vois <laughs> Non mais c'était vraiment ça. Et donc du coup c'était vraiment challenging pour eux. Pour moi c'était super challenging, mais je me suis dit je vais là-bas et il faut que je change de personnalité parce que c'est toujours quelqu'un de. C'est facile quand es à City Arsenal en fait tu fais ton taf et t'as pas Là, je voulais vraiment sortir de ma zone de confort mmh. pour avait cette idée de devenir entraîneur et, et, et montrer aux joueurs. Je regardais les assiettes des joueurs et à la fin, tu vois. Donc, c'était genre des trucs tout bêtes. Mais à la fin de, de, mon, de mes trois ans, les joueurs, je voyais leurs assiettes. C'était euh, fruits, salade, euh, euh, légumes. Alors que les de premiers mois, c'était. C'était une boucherie, tu vois. J'allais à la gym le, 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 le matin. Il n'y avait que Adébaïor et moi. On était que tous les deux après l'entraînement. Et au fur et à mesure, tac, on était, on était 15 dans la gym. Et. Bien sûr, je suis pas le seul parce que cette année où on est champion, non mais c'est toute une émotion. Vous êtes voilà, plusieurs, et tout, bien exactement. sûr, bien sûr, es pas ça, le seul. Voilà. Et donc c'était, c'est une grande fierté parce que, parce que, parce que, en fait, je suis Arsenal, j'étais champion, City, j'étais champion, en Turquie, j'étais champion, euh, et, et je peux être fier de ça. Oui, bien sûr, bien sûr, je suis fier de ça. Magnifique. Et au final, après ce, ce coup-là en Turquie, tu pars au Servet FC. Euh, mais avant le Servet FC, c'est quoi juste une question C'est comment la ville Istanbul <coughs> J'entends les gens qui ont vécu à Istanbul, ils ont toujours des choses à dire en général. Alors, moi, j'arrive là-bas, j'ai mon fils qui a 6 mois, ma femme, elle a l'aide toujours, et j'ai ma fille qui a 4 ans. Istanbul, c'est simple, 23 millions d'habitants. Tu vas de point A à point B, dans les heures de trafic. C'est long de, Les heures de trafic, c'est genre 3 euh, heures. Mais quand je dis les heures de trafic, c'est pas les heures de pointe comme ici, on a de 17 à 19 heures. C'est toute la journée les heures de trafic à Istanbul. Horrible. Donc, du coup, quand tu as un enfant et que tu dois aller par l'école, c'est travail, maison. Quand j'y étais allé, euh, rien à voir, mais certes, c'était la finale de LDC, je l'ai fait. Ah ouais, tu, ouais, ok. Finale de LDC, le stade est à 8-10 bornes, juste. 4 heures. Ouais, c'était ah, du 3-4 heures. Ah, ouais, c'est ça. Enfin, ça, ça. J'ai jamais vu ça. Mais en, Faire en 10 bornes. Ouais, c'est ça. Une mais en plus, c'est comme c'est un peu chaotique, tu vois. Genre, les gens ils vont faire demi-tour sur l'autoroute, parce qu'en fait, si tu loupes ta sortie, t'as genre 15 kilomètres à faire pour faire demi-tour, ils font demi-tour sur l'autoroute et ils, ils reviennent, ils prennent la... Tu vois, c'est un truc de fou. Donc en fait, pour moi, en tant que jeune famille et en tant que jeune parent, pardon... C'était compliqué parce qu'en fait, tu ne profites pas de ce que Istanbul ah, peut, prix, te, ouais, voilà, euh, peut ouais. te donner. En fait. Tu vois, les repas, en plus, nous, on est vegan en plus. Donc, imagines euh, la, la, la bonne bouffe turque à base de beaucoup de viande, pour euh, fromage. Donc, tu vois, donc en fait, ça, c'est une ville qui ne euh, dort jamais. Donc, en fait, euh, si tu es un peu fêtard et que tu aimes sortir, bah, t en fait, tu as toujours quelque chose. Nous, on n'est pas là-dedans. Donc, en fait, ça veut dire que notre expérience à Istanbul, elle était. mitigée. Mitigée. Mais okay. je parle avec tous les, les célibataires qui étaient là. C'était le feu. Ils ont, ils, ont, ils ont kiffé, quoi. Ils se sont ouais, régalés. Ils ont kiffé. Et donc, du coup, le côté euh, retour à Genève, servette FC, ça devait être un peu plus calme, non C'était cool de jouer en Suisse Ben, en fait, c'était post-Covid, tu vois, après Covid. Et, euh, et en fait, on ne sait pas où on va, les écoles sont fermées, et euh, on sait qu'en Suisse, les, le, 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 le système scolaire, il ne ferme pas les écoles. En fait. tu vois, donc sur l'année qui passe euh, post-Covid, nous, nos enfants, du premier jour jusqu'à la dernière journée, ils ne loupent pas d'école. En, en Turquie, ils ont, ils ont fermé l'école pendant six mois, en Angleterre pendant quatre mois, en France, c'était tous les, tous, les, tous, les, tous les lundis, mercredis, vendredi, c'était fermé. Et nous, on avait à cœur pour les enfants de leur donner quelque chose... assez stable. Donc c'est pour ça qu'on part là-bas. Euh, on, avait, on avait envie de découvrir Genève parce que bah, c'est Genève. Euh, après, je vais te dire, c'était mitigé parce que euh, là, les enfants sont plus grands. On est dans une phase en tant que couple où on peut se retrouver. Tu sais, les enfants, là, oui. la, la petite, elle a 9 ans. Euh, le petit, il a, euh, il a 4 ans. Tu peux faire des sorties. Et malheureusement, en fait, Genève, c'est une petite ville avec toutes les contraintes des grosses villes donc le, le trafic avec les, les frontaliers. Euh, et sans les avantages. Sans les avantages. Donc du coup c'est très frustrant parce que parce que t'as pas grand chose. Tu vois entre midi et deux les choses sont fermées, les restos sont fermés, ça ferme très tôt. T'as quelques quelques restos sympas mais au final tu fais vite le tour. Euh, et puis c'est super cher en fait. Donc euh, euh, ouais c'était euh, et puis et puis sportivement sportivement mon agent a pas compris pourquoi j'allais là bas. Et moi je pars vraiment dans cette continuité pour euh, je me dis je vais prendre enfin je, j'espère aller dans un petit club avoir des responsabilités et un peu avoir cette double casquette entre joueurs parce que j'avais toujours envie de jouer et, un peu staff, et, toi, et nous commencer parlais. voilà et être un petit peu dans le, dans le truc du, du coach et en fait j'arrive dans un club où, euh, en fait, qui, ont, qui a été impacté par le par le leur dNCG en fait ils ont été rétrogradés à cause okay, ouais, de faire des c c la très, fête, très ouais. compliqué ouais c'est très compliqué le je le, le, le Genèveois le suisse est très conservateur donc en fait les choses bougent mais très lentement et dans le foot c'est pas ça dans le foot dans le foot tu dépenses 40 millions pour un joueur s'il est pas bon tu 60 millions tu en prends un autre tu vois et en fait c'est dur pour moi de d'arriver là d'être dans ce club là qui voit pas les choses comme moi qui peut pas avoir les choses comme moi et pourtant moi je suis là parce que je suis compétiteur et que je veux faire progresser le club et au final j'ai fait progresser le club parce que quand j'arrive, on est dernier et puis on termine deuxième du championnat. C'est quand même solide. C'est sympa. C'est vrai que sportivement, c'était compliqué parce que, par exemple, je te dis des trucs bêtes, mais par exemple, on arrivait à 9h à l'entraînement et en fait, on n'a pas de petit déjeuner. Donc, tu dois t'entraîner, tu termines l'entraînement et tu n'as pas, pas de lunch. Ouais. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas le foot, peut-être qu'ils vont dire Ah ouais, bon, la DIVA. Mais dans le foot, c'est ça, le, le sport de haut niveau. Tu, tu, tu mets en. se joue sur ce genre voilà, de choses, bien, tu, bien tu sûr. prends soin de tes sûr. athlètes. Et en fait, c'était compliqué parce que, euh, pas tant dans leur façon de faire, mais c'est juste que c'était un club qui euh, se disait être un club formateur donc des jeunes joueurs. Et je leur disais, mais comment tu veux former des jeunes pros si tu leur donnes. Euh, J'ai dit, parce que vous pensez quoi Ils rentrent chez eux à 14h, vous pensez qu'ils vont faire à manger ils vont s'arrêter au McDo, ils vont s'arrêter à Quick, ils vont s'arrêter ouais, à. Ouais, ils sont importe. fatigués, ils vont aller vers la facilité. Ouais. Donc en fait, tu me dis que tu es un club formateur, mais tu ne fais pas en sorte de, 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 de leur donner les outils pour se former en fait. Donc c'est très compliqué, c'était dur mentalement pour moi parce qu'il fallait que je me batte contre ça. Euh, mais j'ai pris mon pied parce qu'en fait, euh, j'ai une très bonne connexion avec le coach. Okay. Il m'a donné pas mal de responsabilités. Et au final, je pense que j'ai pu tirer ce que j'avais en, en tête il y a trois ans. Au final, euh, voilà, je suis arrivé sur la fin de mes trois ans et je pense que Thierry, grâce au travail que j'ai pu faire au Servette, ce que j'ai pu partager, il a pu se projeter et puis j'ai eu beaucoup de retours et, euh, et au final, c'était vraiment l'élément clé. Quoi. Bah, ta reconversion, elle ne se fait pas attendre. Dès le mois d'août 2023, tu es nommé entraîneur adjoint des Espoirs aux côtés de Thierry Henry. C'est lui qui est venu te proposer ce rôle tu, tu te voyais entraîner, c'était comment Oui, bah, en fait, ça faisait, déjà, moi, ça faisait six, six ans en fait, que j'avais entamé en fait, ce processus. Et, euh, et donc, mon passage à, à, au Servette, ça m'a permis vraiment de... En fait, ce que j'avais envie de faire, c'est que la façon dont l'équipe jouait sur la fin de la saison, euh, elle était en grande partie liée à moi. Tu vois, on faisait les latéraux qui rentraient à l'intérieur. Donc, on construisait de 3 et 2. Donc, c'est ouais. vraiment le truc City, tu vois. Ouais, le 3 plus 2 voilà. comme City l'an dernier. Et en fait, moi, dans ma tête, c'était... Euh, demain, je me retrouve face à un, un président ou un directeur sportif. Je veux pas arriver avec une brochure en disant, euh, en leur montrant des images de Barcelone ou Manchester City, en disant voilà moi mon équipe elle jouera comme ça. Ouais, euh, mon grand père il peut venir avec des images de City en disant moi je venais en fait avec euh, avec quelque chose en disant c'est pas mon équipe mais l'équipe dans laquelle j'évoluais. Je suis en grande partie. Euh, la personne qui, euh, qui a mis ça en place. Le coach a validé, des fois il ne validait pas, mais il a validé. On a eu des résultats grâce à ça, on s'est qualifié. Donc voilà moi ce que j'ai à proposer. Et c'était vraiment ça en fait. L'idée mmh. depuis le début, c'était d'avoir une certaine euh, euh, flexibilité, de pouvoir travailler avec le staff pour euh, mettre certaines choses en place. Et ils ont été franchement, ils ont été top. Le coach surtout a été top parce qu'il m'a permis de le faire. Et je pense qu'au final, Thierry se rend compte de, du travail effectué parce que j'ai partagé avec lui, j'ai partagé sur les réseaux. Bien sûr. Et, euh, et au final, s'il n'y a pas ça, Thierry, c'est quelqu'un, quand on le connaît, c'est euh, la performance avant tout, bien sûr, la compétence. Donc en fait, si t'es pas performant, tu pas compétent. Je ne dis pas que je suis le seul, mais en tout cas, il a vu en moi quelque chose qui pouvait peut-être... Euh, L'aider. C'est quoi ton euh, rôle exactement auprès des espoirs Vous êtes en duo avec Thierry ou il y a tout un on, staff Il ben, y a tout un staff, bien, bien entendu. Il y, y a Thierry, il y a Gérald, euh, Baticle. Et puis moi, je suis là. Et, et ma tâche à moi, en tout cas, comme je la vois, ça n'a jamais été défini. Mais ma tâche à moi, c'est de leur rendre la, 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 la vie facile. Donc, euh, je pense que j'ai aussi cette proximité avec les joueurs non pas par rapport à mon âge, mais par rapport à... à, à il y a six mois, je jouais avec des, des gars qui avaient 16-17 ans, et mon frère a 20 ans, et même si aujourd'hui ils ont une relation avec les joueurs, euh, concrètement, dans cet échange, euh, il y a une façon de de d'échanger de, 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 qui est peut-être un peu plus naturelle avec moi, euh, même s'ils sont très très performants, parce que là, on parle de très... de deux grands coachs qui ont, qui ont beaucoup d'expérience, bien sûr. Mais vraiment, moi, ce que je vois dans ma tâche, c'est vraiment de... de de leur donner en fait de leur simplifier leurs tâches euh, le plus possible et si je suis un peu égoïste c'est d'apprendre parce que en fait bah Thierry c'est euh, en, en anglais on dit football brain il te sort il, il est incroyable et Gérald il a une il a une expérience il a il a déjà il a déjà coaché il était coach depuis il est coach depuis euh, 20 ans ça a été un très grand attaquant aussi donc pour moi en fait c'est euh, J'étais en phase quand il m'appelle Thierry de signer pour une équipe en France ouais. en deuxième division avec un avec un projet sympa mais vraiment à quelques jours et en fait il m'appelle il me dit les espoirs ça t'intéresse et j'étais pas sûr parce qu'en fait moi je voulais jouer encore un an pour être performant ah t'as failli encore jouer cette année mais en fait moi oh, regarde oui. le, le truc en fait tu vois je parle beaucoup de visualisation et en fait moi mon, mon plan c'était de jouer encore un an d'être performant et de faire partie des trois joueurs potentiellement hors catégorie qui pourraient faire les JO donc, en fait, j'ai visualisé les JO et puis ça s'est euh, matérialisé différemment. Mais au final, quand il vient, ma femme elle me dit Écoute, Gaël, tu veux jouer encore Tu joues. Il n'y a aucun souci. Elle me dit Si tu es sérieux dans le coaching, en fait, c est, c est, tu ne peux pas refuser. Quoi. Les espoirs. Elle a raison. Elle a eu raison. C'est vraiment une occasion ouais, de enfants qui s'est ouais. Non, c'est vrai que c'était ouf, mais c'était vraiment euh, le moment, tu vois, quand les, quand les étoiles s'alignent. Euh, mais tu n'es jamais prêt à arrêter de jouer au foot, en fait. Un joueur de foot, il n'est jamais prêt. Moi, j'aime le foot, j'aime l'odeur du, 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 de l'herbe coupée. Euh, tu vois, je ne dis pas que j'aime le foot plus que la nouvelle génération, mais la nouvelle génération, elle peut se projeter dès 11, 12 ans. Je veux être le prochain Neymar. Ouais. Moi, ce n'était pas ça. La manière dont je consommais le football. Tu mets juste époque, le ballon, quoi. Ouais, moi, je consommais le foot par rapport à, à mon expérience au quotidien. Aujourd'hui, je consomme le football sur les réseaux à coup de 45 secondes par cycle. Donc, c'est en quantité, mais pas forcément qualitatif. Moi, c'était TF1, Canal Plus. Je pas Canal Plus, donc c'était téléfoot et je pouvais pas manquer le rendez-vous c'était la folie tu vois ce que je veux truc. dire donc en fait ma consommation du football tu découvrais les buts du week-end ouais, ça, et tout c'était la donc, nostalgie. ma consommation du football c'était mon expérience au quotidien dans ma maison quand il pleuvait un ballon fait de, de, de journaux tu vois des papiers euh, journal voilà comme comme on a comme on a connu quoi euh, donc euh, donc ouais je pense que je pense que es jamais prêt à arrêter mais c'est vrai que pour l'avenir je pouvais pas dire non c'était Trop, trop important. Et au final, quoi. tu voulais faire les JO, bah, tu vas les vivre d'une certaine manière. Ouais, 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 ouais C'est ouais. une compétition que vous allez pouvoir vivre avec ton staff et tout. Euh, c'est une grosse grosse échéance. Comment est-ce que vous l'appréhendez Là, vous avez une liste demain, je crois, pour deux matchs amicaux, c'est bien ça ouais, c'est ça. Vous êtes dans les dernières phases de préparation Ouais, comment? mais en fait, c'était une année assez particulière parce qu'en fait, on a fait toute la saison avec le groupe des moins de 21 pour le, la qualification au championnat d'Europe 2025. Oui. Et en fait, les JO, c'est avec le groupe des moins de 23 et donc en fait ce ça -là, intègre beaucoup de joueurs supplémentaires. Voilà, beaucoup de joueurs mais du coup en fait tout le tout ce qu'on a fait sur cette première partie de saison j'ai presque envie de dire c'est pas pour rien parce que c'est pour les 2025 mais en fait pour les JO quand tu prends une équipe par exemple les Sud Américains en fait ils ont eu toute l'année pour préparer les JO donc avec le groupe des JO des moins de 23 ils ont préparé les JO nous en fait on va avoir deux matchs là avec ce groupe là des JO euh, pour préparer les JO très compliqué sachant que tous nos meilleurs joueurs par exemple tu prends les sud-américains ou, ouais. ou les africains tu vois eux ils ont leurs joueurs de 23 ans très ouais. souvent jouent dans les championnats locaux quoi. Donc en fait ils sont tous là, ils sont tous à disposition. Nous les meilleurs 23 sont déjà titulaires dans des clubs qui potentiellement peuvent Peu nous refuser ouais, euh, euh, la présence du joueur. Donc c'est très compliqué, mais on est on est à fond, on est à fond parce qu'en fait euh, les idées sont claires sur ce qu'on a fait. Même si j'ai dit qu'on a préparé avec les moins de 21, il y aura peut-être des joueurs du, du, du groupe forcément, euh, mais en fait quand je disais tout à l'heure Thierry et Gérald, ils ont des idées tellement claires. Et moi moi je le sais parce qu'en fait je, je passe mes diplômes Bien sûr. et puis j'ai travaillé avec euh, avec des, des, des de grands entraîneurs, mais en fait là je, je le vois de l'autre côté de la ligne, ils ont des idées tellement claires. Pour moi, c'est monstrueux d'être à côté de ces deux mecs-là. Donc, en fait, les idées sont claires. Est-ce qu'on sera performant euh, Ça, ben, c'est une, une autre question. Mais euh, ouais, on est plus ou moins prêt. Et puis, euh, l'enthousiasme le, 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 de, 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 de cette compétition, la manière dont on aborde ça, c'est positif parce que ça arrive une fois par, euh, par euh, tous les 100 ans. Chez toi avec euh, toujours l'équipe de France, on a quand même la chance d'avoir des générations qui sont toujours quand même assez assez, assez top. C'est solide hein, quand on voit les groupes désespoirs, c'est beau. Ouais, c'est pas, pas mal, c'est pas mal. Donc, euh, donc non, franchement, euh, franchement c'est excitant. excitant ouais. Du point de vue des diplômes, comment est-ce que ça se passe actuellement Tu peux entraîner Tu es encore en train de les passer ouais, tu le fais en parallèle Non, là j'ai validé le B et le A. Et donc en fait, ça, tu peux entraîner une équipe qui, si je me trompe pas, de deuxième, deuxième zone qui joue pas la Coupe d'Europe et là je viens d'être intégré donc je viens de valider mon entrée pour le, la UFA Pro et donc je commence lundi en fait il y a le premier test lundi bon courage. Je se avec la sélection bon c'est pas Gaël. du courage c'est du travail et puis après euh, on sait où on va, ça va bien On sait où on va et ça va se passer ouais Gaël ça fait 2h40 qu'on est ensemble donc ah c'est ouais. magnifique ouais, ouais. merci d'avoir accordé tout ce temps c'est pas fini j'ai deux dernières petites questions ouais. si ça te dérange pas et franchement les gens sur le chat ils kiffent c'est vraiment c'est un classique merci de parler de manière aussi ouverte et tout je Passe vraiment un super moment. Je voulais juste discuter parce que toi, tu as été latéral. Ouais. Latéral, je trouve que c'est l'un des postes qui a subi le plus de changements mmh. dans le football moderne, euh, avec le côté très offensif. Et puis ensuite, des fois, les latéraux intérieurs, tu en mmh. as parlé, qui jouent et qui apportent du surnombre. Des, ça change des latéraux qui, à l'époque, étaient peut-être un peu moins offensifs, qui commençaient à monter, mais qui devaient quand même. Bref. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui as été latéral gauche, de cette évolution-là et l'a même et que tu l'as même sans doute vécu Alors, moi, je te parle de ma. Ma génération à moi, c'était déjà les défenseurs, les latéraux qui dédoublaient beaucoup. Donc c'était oui. des courses de 60 euh, 60 mètres. pour aller centrer avec ouais, le mec en Ouais, ou le tu vois Samir par exemple, il dédoublais dédoublé en son dos. il utilisait mon appel pour euh, faire semblant et il rentrait, tu vois le, le, le coquin. Mais euh, donc c'était principal, principalement ça, mais c'était déjà à l'époque un, un poste pour moi euh, c'est très simple, un attaquant s'il est nul défensivement qui marque, il a réussi son match. Un milieu offensif s'il a fait la passe D et qu'il est nul défensivement, il a réussi son match. Un central s'il est nul offensivement mais qui bloque son attaquant, il a réussi son match. Un gardien il est nul au pied. À l'époque, hein, il est nul au pied, il arrête les ballons, c'est bon. Un latéral si t'es bon mais que t'as pas apporté offensivement, il a manqué un truc. Lui il est meilleur que toi. Mais si tu fais un match de fou offensivement mais que tu te fais sortir deux fois centre but, t'as pas été bon. Donc c'est vraiment le poste en fait qui est hyper complet parce que physiquement ça doit envoyer, tactiquement ça doit envoyer et tu dois être aussi bon offensivement que, que défensivement. Et donc moi j'ai un petit peu subi ça parce que j'étais plus défensif que même si j'étais un contre-attaquant et c'est très compliqué parce que dans le football d'aujourd'hui tu as toujours envie de récompenser le but et la passe. Sauf qu'en fait il y a un contenu, un match c'est pas une occasion c'est 90 minutes et moi j'étais plus un joueur de 90 minutes qu'un joueur de coup d'éclat. Okay. Donc le poste de latéral a toujours été un poste important. Aujourd'hui, encore plus avec l'évolution des, 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 des latéraux qui rentrent à l'intérieur. Et aujourd'hui, en fait, c'est même pas que le poste, mais j'ai envie de dire que le football a, a évolué parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, le gardien à l'époque, il était là juste pour arrêter des ballons. Et s'il était nul au pied. C'était pas très problème. grave, il avait les boîtes à chaussures. Voilà, le défenseur central, pareil. L'attaquant, pareil. Aujourd'hui, on parle plus d'un dépassement de fonction. Et j'ai presque envie de dire qu'en fait, aujourd'hui, dans une formation et, 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 et post-formation, un joueur. À défaut de maîtriser deux ou trois positions sur le terrain, il doit connaître les bases de deux ou trois positions. Donc, ça veut dire okay. que tu dois pouvoir demander à un latéral de rentrer à l'intérieur aujourd'hui. C'est le football qui veut ça. Tu dois demander à un attaquant d'avoir la prise de conscience. de. C'est un métier de de, 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 de presser. Oui, d'appliquer un pressing. Tu ne peux pas presser, sortir et, et ouvrir un espace. On en connaît des joueurs qui sortaient pour dire « Ah, j'ai pressé, et puis débrouillez-vous ». C'est une vraie. Il y, y a une vraie. une science. Il y a une vraie science, il y, y a un vrai travail. Il y a des séances qui peuvent, en, qui peuvent être mises en place pour le pressing. Euh, un ailier aujourd'hui doit savoir pouvoir rentrer à l'intérieur, jouer sur son pied fort, sur son pied faible. Il doit savoir contenir un, un, un latéral qui rentre. Euh, un 6, pareil. Et donc aujourd'hui, en fait, le football a tellement changé que le seul poste qui est même le gardien, il doit pouvoir être comme à l'époque, en 1960. Un libéro en fait, tu vois, ouais. parce qu'aujourd'hui il est en dehors de sa surface. Donc c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, le, le, à défaut de pouvoir l'exécuter à merveille, il faut que tu aies conscience qu'à un moment donné, on va avoir besoin de toi dans certaines situations. Et donc moi, quand je parle avec les jeunes, euh, donc les latéraux, bien entendu, le, les latéraux, pardon, pour pour le coup, ben, c'est un peu plus facile pour moi. Euh, je fais beaucoup de travail individuel avec des joueurs. tu vois donc j'ai euh, dans chaque championnat en fait première division et deuxième division je bosse en vidéo-analyse. Oui. comme ça ça me permet d'avoir un œil sur chaque championnat et de rester à la page. et donc je leur dis en fait moi je suis pas tant dans ce que tu as fait mais plus dans, te, dans tes intentions. donc okay. ça veut dire qu'en fait comment je veux te faire réfléchir c'est que si je suis un recruteur disons que tu joues en deuxième division suisse ou en première division suisse ou deuxième division française et que tu aspires à jouer plus haut moi j'ai besoin si je suis recruteur de Marseille ou du PSG, de voir en toi, pas une passe décisive que tu as centré de 30 mètres et le gars il a mis une tête, non, parce que ça ça peut arriver, le défenseur est sloop, tu vas marquer. J'ai besoin de voir que tu comprends et que tu te repères dans l'espace. Pourquoi Parce qu'en fait, si dans ce groupe de joueurs, tu arrives à montrer que tu comprends certaines choses, avec un groupe de joueurs qui est Marseille ou Paris, là, je peux me truc à faire. Là, je peux te faire progresser, mais si je vois que tu comprends pas, je peux pas te faire progresser, en fait. Donc voilà, il y a un processus, bon c'est long, on ne va pas discuter trop longtemps, mais oui, il y a un processus ça. de plusieurs étapes, et en fait c'est ce qui est super intéressant, et, euh, et aujourd'hui ouais, c'est euh, le football, les latéraux, ont, euh, le, le, le poste de latéral a évolué, mais pas que, c'est le foot qui a changé, et... comme la vie, aujourd'hui euh, aujourd les youtubeurs c'est un, un, un job à plein temps, donc euh, vrai, voilà. C'est même une société, Exactement, Exactement, exactement. J'ai rencontré mes employés, et tout ça ça, ça, ça régale. Et pour terminer, tu as joué contre des centaines et même des milliers de joueurs, je pense, avec le temps. Si tu devais faire un 11 de joueurs, soit avec lesquels tu as joué, ou contre qui t'as joué, j'ai demandé à Hervé Renard la même chose, et en plus tu passes les diplômes d'entraîneur, donc ça tombe bien. Un 11, tiens, lui je le mets au gardien, lui je le mets au latéral gauche, lui en DC je te laisse réfléchir, tranquille, pendant ce temps-là, je parle au chat, réfléchis gentiment tu me dis quand tu es prêt pour y aller, et bien évidemment, pour ceux qui s'inquiètent, j'ai cassé mon jeune, hein. j'ai bu de l'eau, j'ai pris une petite date, comme je vous l'avais montré Gaël, il m'a même ramené des petits gâteaux, donc ça régale, et puis euh, on ira manger quelque chose de plus consistant juste après, et puis c'est vraiment une émission de fou, donc je suis très content. Est-ce que tu es prêt Allez, moi je vais partir et je, je, avant je me, je me... Ah, je suis dedans Ah bah il t'habite mis dedans par défaut oh, bah, c'est magnifique Comme bah, ça, oui. ça, ça j'ai pas à faire la grosse tête en disant ah, je oui. me mets... Merci C'est qui C'est Hugo Oui, c'est Hugo ouais, Bien joué mon mon, ouais, meilleur, mon pote C'est toi mon euh, gars. Ok, bah du coup moi je vais, je vais allier un petit peu euh, l'affectif hum et la performance. Ouais, tu fais ce que tu veux, c'est ton 11. Gardien, Joe Hart. Joe Hart au goal. <coughs> Défenseur central, compagnie... Solide. À droite. Euh Défenseur gauche, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Les Scott, c'était vraiment une, une doublette, une paire, les deux. Euh, les Scott tout seul, peut-être que c'est plus compliqué, mais compagnie les Scott, c'était très, très, très fort. Donc, je mettrai les Scott. Et je vais mettre que des joueurs avec qui j'ai joué. Très bien. Euh, à droite. Euh à droite, je vais dire. Euh Là, c'est Manchester City 2012, là. Hein ouais, non, à, droite, à droite, je vais dire Sanya Arsenal. <laughs> ok, Sanya ouais. Arsenal. Il était très, 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 très costaud. Le grand Bakari, ouais. donc t'as dit qu'il était sous-côté. Ouais, 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 carrément. Euh, milieu, il euh, y aura Patrick Vieira. Patrick l'immense. Ouais. Il y aura euh, Yaya Touré. Logique, je m'y attendais. Il hein. y aura. Ah ouais. Il y aura. Euh... Le milieu, déjà, il fait peur, tu hein. comprends ouais, ouais, il est tendu. Patrick ouais, est Yaya, wow. Tu euh... peux passer sur un attaque en attendant de réfléchir à l'autre. <coughs> si ouais, devant, je mettrai Thierry. <coughs> Thierry en neuf ouais, 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 seul devant. Thierry en neuf. Reste en poste. Samir à gauche. Samir Nasri à gauche Ouais. Ça laisse deux postes, un milieu et un ailier droit. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Donc, du coup, au milieu. Oh, le, le milieu de taré, sérieux. Et enfin, pour terminer, l'aile droite. Et à droite, euh, à droite, ça sera. C'est dur parce que, franchement, j'en mets de côté, mais c'est ouais, David Silva. David Silva Ouais, c'est David Silva. Voilà, là, là, là. Et voici le 11 de Gaël Clichy, des joueurs avec qui il a pu jouer. Absolument magnifique. Sincèrement, c'est une folie. Et sur le banc, Abu Dhabi et ouais, à bout, et ouais, Abou. Mais Tu vois, j'ai hésité, mais je peux pas, parce qu'en fait, tu vois, là, on parle de légende, en fait. Là, c'est Yaya, Vira. Tu vois, Yaya, il a changé Manchester City, Vieira, il a changé la Première Ligue. De Bruyne, c'est. On bah, n'en parle même pas. Après, il y a un peu d'affectif, je vais pas bah mentir, oui, bah avec, oui. avec les Scott, mais euh, non, c'est. Incroyable. Ouais, c'est costaud, ça. Et ben, bah, écoute, merci Gaël pour cette émission et pour cette interview. Qui gagne la Première Ligue, là, cette année C'est serré tant qu'il n'y a pas eu, tant qu'il a pas 12 points d'écart, a eu journée de la fin pour moi c'est City, mais 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 c'est magnifique ce que ce final ah, fait. fait et le fait que Klopp ait annoncé son départ, je pense que ça galvanise son équipe et peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose, mais non je vois honnêtement je, je, je à, non City ouais City Merci énormément, Gaël, d'être venu dans Zakorou Libre. Ça m'a fait super plaisir de passer quasi trois heures avec toi. J'espère que t'as kiffé. Je pense que ça te fait plaisir de pouvoir parler. Ouais, c'est top. Bah, franchement, c'est top. De toute ta carrière et ouais. tout. Ouais. Non, j'aurais pas accepté parce que, parce qu'en fait, bah, je t'ai dit, moi, je suis quand même un homme de famille. Mm -hmm. Et, euh, et ces trois heures c'est des heures que je ne passe pas avec ma famille merci beaucoup mais, euh, mais de suite en fait, j'ai regardé un petit peu et quand tu m'as quand tu m'as demandé c'était un oui c'était un oui direct quoi. donc euh, franchement, merci m'avoir merci partait. Gaël merci d'avoir parlé de cette <laughs> manière merci pour tout merci à vous d'avoir suivi les amis dans le chat si vous arrivez qu'à la fin vous avez raté un truc de fou ce sera disponible demain bien évidemment gratuitement sur Youtube comme d'habitude bonne chance avec les espoirs et bonne chance pour le rassemblement et ouais. pour toutes les échéances à venir bonne chance et bon courage pour le travail du diplôme. C'est surtout et ça, ouais. ouais, le ouais. travail J'espère que ça va bien se passer. Merci à tous ceux qui ont permis la production de cette émission, que ce soit en off, mon staff et toutes les équipes de Webedia. Zach lui c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde. ciao Ciao, ciao.